Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. 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 Bonsoir, merci de nous recevoir à vous tous. Madame, mademoiselle, monsieur. C'est le 16 discute du mercredi soir avec pour thème ce soir quel avenir pour les prêtres. Les prêtres ont-ils de l'avenir? Les prêtres ont-ils encore de l'avenir? Juste deux chiffres significatifs avant de démarrer cette soirée. Il y avait en 70 45 000 prêtres, il n'en reste aujourd'hui plus que 28 000. Alors si en 28 ans on a perdu 17 000 prêtres, on pourrait se projeter dans l'avenir, si à ce rythme-là ça continue, on pourrait se dire que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, il n'y aurait peut-être plus de prêtres dans ce pays, plus de messes. Alors pourquoi? Crise des vocations, crise de l'Église, c'est ce que nous allons nous demander ce soir avec les prêtres qui sont donc présents sur ce plateau, le père Jean-Marie Launay, que je salue, bonsoir monsieur, c'est vous, bonsoir monsieur Launay, bonsoir monsieur Launay, qui est avec nous ce soir. Qui a une lourde tâche, responsable national des vocations. Non, vous pas, répondez... pas responsable des vocations, c'est Dieu qui est responsable des vocations. Moi, je ne suis... Que sont vos paroles ? Je ne suis que le responsable du service des vocations. Ah oui. Je ne suis qu'au service des vocations. Hein, êtes-vous le porte-parole de Dieu ? Non, oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ah oui, oui, oui. Tout à fait, je crois que de tous ici, enfin tous les baptisés sont invités de par leur baptême à être porte-parole du Seigneur, bien sûr. Est-il d'accord ? Je pense, oui. A-t-il été consulté? Oui. Sans doute. Sinon, je n'aurais pas été appelé à devenir prêtre. D'accord. Les prêtres ne sont là parce qu'ils ont été appelés par Dieu et puis par l'Église. Donc de moins en moins de jeunes s'engagent, mais il y en a quand même. Alors qu'est-ce qui pousse les jeunes à devenir prêtres aujourd'hui? On se posera la question avec vous également, avec M. Nicolas Jouy, puisqu'à seulement 32 ans, vous êtes prêtre dans la Somme. Ça fait 5 ans, vous avez commencé à 27 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de prêtres de 27 ans aujourd'hui dans ce pays. Nous verrons également comment la foi peut bouleverser une vie avec Yves de Boisredon. Bonsoir, bonsoir monsieur, bienvenue. Jusqu'à l'âge de 33 ans, vous étiez exportateur de vin meunier, comme vous nous l'avez dit, une vie plutôt de fêtard. On peut le dire, oui, Vous en gardez de bons souvenirs? Ah, très bon, oui, très bon. Une rencontre a fait... Tout n'était pas bon, mais les souvenirs, ils sont bons quand même. Oui, ouais. Une rencontre a fait basculer votre vie avec une femme paralysée. Vous nous direz comment ça s'est passé plus en détail un peu plus tard, puisque du jour au lendemain, vous avez décidé donc de devenir prêtre. Si je reste au vin, je dirais qu'il vous reste encore celui de la messe quand même. Tout à fait, oui. D'accord. Avec nos invités, nous essaierons donc... Je suis passé du spiritueux au spirituel aussi. On peut dire ça aussi, oui, et puis le dimanche, un peu de spirituel quand même. D'accord. Avec nos invités, nous essaierons donc de comprendre quel rôle les prêtres peuvent essayer de jouer dans notre nouvelle société, cette société qui se recompose. Nous allons aussi, et surtout, ouvrir le débat sur les questions qui secouent l'Église en son propre sein, les coulisses de l'Église en quelque sorte. Nous parlerons de la question du célibat, bien sûr, à travers de nombreux témoignages, notamment celui de Pierre, qui est prêtre depuis 40 ans et qui, pendant 12 ans, a mené une double vie. Il avait deux amours, ce n'était pas son pays et Paris, mais Dieu et une femme. Et puis Brigitte lui répondra. Brigitte est avec nous ce soir, elle vit clandestinement avec un prêtre depuis maintenant une dizaine d'années. Nous intéresserons également au mariage des prêtres à travers le récit de Pierre-Henri et Sophie, qui se sont mariés l'année dernière. Je vous les présenterai dans un instant. Nous accueillerons également Estelle, qui est la fille d'un prêtre et d'une bonne sœur. C'est possible. Enfin, à travers ces témoignages, nous nous intéresserons à la place de la femme dans l'Église. Il n'y a pas de femme prêtre dans ce pays où les femmes ne votaient pas il y a encore 50 ans. Et nous écouterons avec attention les revendications d'Elfride, une maman au foyer qui a 5 enfants et qui souhaite devenir femme prêtre. Alors, trouvera-t-on dans ces débats des réponses pour mettre fin à la crise des vocations? C'est ce que nous verrons bien sûr au cours de cette émission. Je vous présenterai mes autres invités dans un instant, ceux à qui nous avons consacré un reportage. Mais d'abord, nous avons donné la parole à quelqu'un qui est un habitué des deuxièmes parties de soirée de la télévision. Il a longtemps été aux côtés de Christophe de Chavannes. C'est lui qui conclura le débat de ce soir. D'accueillir Patrice Carmoz, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission, Patrice? Pardon? Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? D'abord, vous avez vu, j'ai mis une cravate un peu de circonstance. Hein. Vous disiez tout à l'heure, il y a une crise de la foi. De la cravate? Hein? Elle est noire. Ah, hein? Pardon. Ah oui, d'accord. Elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. Non, vous disiez, il y a une crise de la foi. Bon, plus généralement, il y a une crise de la vocation, peut-être dans un monde où il n'y a
plus vraiment de raison de s'engager, une crise de l'engagement. Alors, d'abord, moi, je dirais simplement que j'ai beaucoup d'admiration même pour ces gens qui vont au bout de leur engagement. Là, c'est une première chose, donc j'ai envie de savoir qui ils sont. Et puis, ils ne s'engagent pas dans rien. La religion, ce n'est pas tout à fait rien. Je me demande même si aujourd'hui, ce n'est pas plus choquant de dire « papa, je veux devenir prêtre » que « papa, je veux devenir chanteur ou tennisman ». Donc, c'est peut-être des bêtes curieuses, un peu des derniers provocateurs. C'était totalement l'inverse il y a une vingtaine d'années encore. Voilà. Ouais. Et c'est peut-être les derniers provocateurs. Alors moi, comme tout le monde, je suis un peu curieux de voir ces bêtes curieuses. Nous voilà. Les voilà. Les bêtes ont l'air curieuses, Patrice. Bah, c'est quand même... Non, mais c'est quand même rare. C'est rare, absolument. C'est quand même rare. Mais je trouve quand même que votre cravate de circonstance, elle est plutôt cravate de deuil. Alors je l'enlève. On n'est pas là pour... C'est ce qui me semblait aussi, je ne voulais pas insister non plus. Ça fait un peu cravate d'enterrement. Alors je l'enlève. Très bien. D'accord. Rendez la chemise aussi, rendez la chemise. Merci mon père. Pierre-Henri et Sophie Buisson, vous avez le même nom de famille maintenant. Tout à fait. Puisque vous êtes mariés, il y a combien de temps? Un an et quelques mois. Un an et quelques mois. Vous avez un bébé? Oui. Qui a quel âge? Qui a 6 mois. Qui a 6 mois. Donc, il a été conçu? Après le mariage. Après le mariage. je parlais de vous il y a un instant pour évoquer le mariage des prêtres. Pierre-Henri, il y a encore un an, vous étiez prêtre en exercice, enfin un peu plus de... Il y a 2 ans. Deux ans. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez un petit garçon charmant. Oui. On l'apercevra dans le reportage tout à l'heure qui a quelques mois, oui. 5 mois précisément, ça, oui. Et demi. Vous nous raconterez comment on passe de l'amour exclusif du Christ, puisque c'est le propre du prêtre, il me semble, même si on est censé aimer tout le monde, on a quand même un amour exclusif pour le Christ, à l'amour pour Sophie. Est-ce que c'est un amour exclusif aussi? Oui, c'est l'amour exclusif pour ma femme, oui. Mais... Qui s'ouvre à d'autres. Qui s'ouvre à d'autres aussi. Qui s'ouvre à d'autres. Comme l'amour du Christ, enfin, je crois que tous ceux qui ont la vocation, qui sont séminaristes, prêtres, religieux ou religieuses, amour exclusif du Christ, oui. Qui leur permet d'avoir un ministère autres, et d'être au service des autres. Oui. En fait, la question était mal posée. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'amour que vous avez, pour que Sophie, vous aviez, que vous avez encore pour le Christ, oui. Est comparable à celui que vous avez pour Sophie? C'est pas sous le même angle. C'est pas sous le même angle. Pour moi, c'est deux amours qui sont complémentaires et qui n'ont pas en concurrence l'un avec l'autre. Le fait que j'aime Sophie, que je vis avec Sophie, je sois marié avec Sophie, ça n'a en rien altéré mon amour du Christ. Oui, puisque vous restez en activité une petite église, on verra laquelle. Extrait du reportage qu'on verra tout à l'heure en intégralité. Ça, c'est la vidéo de mon ordination presbytérale. Quand je suis devenu prêtre, le 29 avril 1990, pour le diocèse de La Rochelle, dans la cathédrale de Sainte. À l'époque, le célibat... Pas de problème, c'était réglé. Il y a un peu plus d'un an, Pierre-Henri prenait l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Renoncer à son ministère de prêtre pour se marier avec Sophie, il est aujourd'hui papa d'un petit Raphaël, âgé de 5 mois. Ce changement de vie brusque et inattendu a surpris plus d'une personne dans son entourage. Mais c'est vrai que j'ai des gens qui ont été tellement surpris, tellement peinés par ma décision que j'ai... Enfin, ils m'ont fait savoir qu'on n'avait plus rien en commun. Quoi. En fait, si j'avais un seul regret, moi, ça serait de pas pouvoir être marié, père de famille et curé de paroisse. Voilà la suite du reportage, donc un petit peu plus tard. Je vous présente maintenant Patrice Gourier, qui est notre invité. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir mon père. Bonsoir Patrice. Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Patrice, vous avez failli être prêtre déjà il y a longtemps. Vous êtes, oui. Vous êtes séminariste, vous avez 38 ans. C'est ça, je récidive. Normalement, dans 2 ans, vous êtes prêtre. Voilà, exactement. Vous en êtes sûr? Si Dieu le veut. Et si moi je persévère? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est fait. Moi, je pense qu'à 38 ans, oui, tout à fait. Quand j'avais 23 ans, bon, j'étais pas sûr de moi. Je suis parti d'ailleurs au bout de 3 ans. Ouais. À 38 ans, maintenant, bon, je pense que la décision est plus solide. C'est vrai qu'il n'y a pas 3 ans de séminaire où vous vous prédisposiez à devenir prêtre. Vous avez finalement expliqué à votre supérieur que vous préfériez essayer la vie civile, si vous me le permettez. Exactement. La vie, j'allais dire active, non, parce que les prêtres aussi sont actifs. Mais enfin, une vraie vie civile, un vrai métier, un métier de cadre commercial que vous avez exercé pendant 12 ans. Tout à fait. Nouvelle déception? Ah, pas du tout, très heureux. Très très bien. Et qu'est-ce qui vous ramène au séminaire? L'amour. Tout simplement. Vous n'avez pas trouvé l'amour ailleurs? Si, j'ai trouvé ailleurs, justement, parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai compris ce qu'était l'amour dans la vie civile. Au séminaire, j'avais rien compris.
Je voulais donner ma vie à Dieu, mais je n'avais rien compris. Et en vivant dans le monde, en vivant avec les autres, j'ai découvert l'amour et j'ai envie vraiment d'aimer pleinement maintenant. Mais là, en disant ça, vous faites une différence entre l'amour physique et l'amour spirituel ? C'est pas le même domaine, mais l'amour humain et l'amour divin ne sont pas incompatibles. Hein. Ouais. L'un passe par l'autre pour moi. D'accord. Je dirais, j'ai compris l'amour divin en aimant humainement. Voilà, ce que je n'avais pas compris avant. D'accord. Un extra du reportage. Mais... Non, ça se tient. Merci. Merci. Autant que je puisse le dire. Un extra du reportage que nous avons consacré à Patrice. C'est au contact des sœurs franciscaines du 15e arrondissement de Paris que Patrice a découvert sa vocation de prêtre, illuminé, dit-il, par le rayonnement de leur foi. Ça va ? Vous voulez un petit café ? Oui, ça y est, venez. Tout le monde au café. Il venait tous les dimanches à la messe, alors vous savez, c'était beau de voir un jeune à la messe. C'est parce que des jeunes, il y a des grands-mères et des grands-pères à la messe, mais des jeunes... Ben oui. Une vocation, ça vous tire. Moi je disais non, je ne vais pas tirer. Mais à force de tirer, je suis arrivée là. Pas facile à 38 ans de vivre dans la chasteté. Pour Patrice, la solution c'est le sport. Je crois que c'est Saint-Antoine. Lorsqu'il avait des tentations un peu fortes, se plonger dans de l'eau glacée. Je crois que Saint-François se plongeait dans des buissons épineux, ou l'inverse, ben moi je fais des kilomètres. Ça fait moins mal. Voilà. La sœur que vous avez entendue dans le reportage, qui est passionnée, qui a 89 ans, nous rejoindra tout à l'heure, elle n'est pas dans cette assemblée pour l'instant, on l'a mis dans un endroit un peu plus confortable, vu son grand âge. Je ne sais pas si on a dû comprendre des lapsus à travers tout ce qui a été dit, comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas on a bien senti le cri de la passion. Tout à fait, exactement. Absolument. N'est-ce pas ? Exactement. Vous aussi vous portez un pins ? Absolument. D'ailleurs c'est un simple, parce que ça existe aussi en double, alors ça évite que ça pivote, mais là c'est un simple, alors ça peut faire un double salto, j'essaye de le garder bien droit quand même. Je n'ai pas compris, c'est en double, c'est-à-dire ? Oui, parce qu'en fait dessous on peut en mettre... Un ou deux. Ah bon, voilà. Ah, parce que je croyais que vous parliez de la Croix de Lorraine. Non. Rien à voir. Vous êtes footballeur amateur, Alain Noël. Oui. Vous êtes guitariste, vous êtes chanteur, vous êtes rappeur dans un groupe de rock. Mais ce n'est pas la moindre de vos activités, puisque parallèlement à ça, vous êtes prêtre. Oui, c'est le reste qui est parallèle. C'est le reste qui est parallèle. Si on peut vous filmer de dos, je demande à Dominique de vraiment de vous mettre de dos. On s'aperçoit que vous avez un attribut qui peut vous qualifier... De quoi? Bah, je sais pas si vous avez dit quelque chose. Non, mais justement, vous avez dit attribut de... Je sais pas, quelque chose qui me semble relativement... Étonnant pour un prêtre. Oui, mais enfin, ressemblant au Christ, par ailleurs. Ah, peut-être. J'avoue que j'avais pas fait exprès, mais maintenant que vous le dites... Laissez pousser la barbe, vous verrez. Ça m'intéresse, oui, ça je le fais chaque été, la barbe. Vous êtes en tout cas, de l'avis de tout le monde et de notre avis à nous, un prêtre moderne. Inutile d'en dire plus, je crois que les images que nous avons tournées parlent d'elles-mêmes. C'est un reportage qui est proposé par Sabrina Obadia et Miguel Gonan pour démarrer cette émission sur les prêtres. Ont-ils de l'avenir ? Montre-moi un peu quand même, montre-moi un peu. Donc je vais me changer et si tu pouvais dire aux autres dans 10 minutes de venir pour la prière à la sacristoche, enfin, ceux qui veulent. Okay. Je dois avoir un ancêtre cow-boy quelque part. On remercie Dieu d'être rassemblés encore ce soir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alain Noël a 34 ans, il est prêtre de campagne depuis 6 ans. Une fois par mois, il organise ce qu'il appelle des veillées concerts. Et du Saint-Esprit. Amen. Déjà blasé, tu rêves de pouvoir ou tu es écrasé. Tu n'as que ton moine qui bouche tes oreilles, tes yeux et puis ton cœur appellent à le soleil. J'avais envie de dépoussiérer. Je crois que j'aurais pu le faire ailleurs que dans l'église, parce que dans toute profession, je crois qu'on a envie de faire avancer les choses, quel que soit le choix de vie qu'on fait. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de dire que Dieu n'est pas triste et que Dieu peut apporter énormément de joie et de punch. Et que bon, il faut qu'on essaie de vivre ça, nous. Et ça, c'est essentiel. Ça choque, et puis après, on s'y habitue. Voilà. Et oui. On aime beaucoup. Moi, je crois qu'il y a au moins 18 fois que oui. Je peux être... Voilà. L'homme, en général, il est mignon. Ouais. Puis bon, ses chants, ses paroles, hein, c'est vrai. C'est vraiment vrai, quoi. Lève les yeux et regarde un peu.
robe sous le jean. Exactement. C'est un paradoxe ? C'est une aube. Non, 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 non. Non, c'est pas un paradoxe. C'est à la fois moi-même, tout ce que je suis, avec mon jean, et en même temps, ce que je représente aussi, ce que je signifie, c'est l'aube. Voilà. Ce soir, il n'y a pas les tiennes. Oh, ben, je pourrais les avoir, ça ne me dérangerait pas. Que Jésus soit toujours avec toi dans ton cœur. Le corps de Christ. Le corps de Christ. On vous sent heureux, là. Quand vous donnez la messe. Mec, il est naze. Ouais, vas-y, non, recommence, excuse-moi. Je vous sens heureux quand vous donnez la messe. Oui, c'est vrai que je suis bien. Ouais, c'est vrai que je suis bien, c'est vrai que je suis heureux. Et puis ça résume un peu tout. Ça résume un peu toutes mes activités, qu'elles soient de détente ou de prière ou de travail ou de réflexion. La messe, c'est un peu comme la source et le sommet de toute vie chrétienne. Depuis 2 ans, Alain Noël est responsable d'une paroisse qui comprend 3 clochers. Il habite seul dans son presbytère. Un petit bain de vaisselle. On renonce à fonder un foyer, on renonce à avoir des enfants, c'est vrai. Mais parce que c'est un choix d'amour qui englobe beaucoup plus de gens. Moi, je dis toujours, le prêtre n'est pas quelqu'un qui n'aime pas ou qui n'est pas aimé. C'est quelqu'un qui va aimer, qui va être aimé autrement. Et qui va le vivre, parce que sans amour, on ne peut pas vivre. Ça, c'est impossible. Par contre, on peut vivre avec des pâtes ratées, heureusement. Il y a le téléphone, excusez-moi. Alors, il y a le répondeur qui s'est mis en marche. Il y a le fax aussi. Ah, pétard. L'Église est la modernité. L'Église branchée. Comment voulez-vous que je comprenne la vie des gens, leur joie, leur peine, y compris affective, si jamais moi-même, je ne suis pas affecté de temps en temps par le regard d'un autre, par le charme d'une femme, etc. Donc, ça ne me fait pas peur. Ça me prouve que j'existe, que je vis. Il peut m'arriver de me retourner sur une belle femme dans la rue. Bon, c'est peut-être longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais bon, être amoureux, bien sûr que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça m'arrivera d'autres fois dans ma vie de prêtre, certainement. Bonsoir. Comment ça va la vie ? Bien. Très bien, mon grand. C'est vrai que parmi les filles, il y en a qui sont super. Et puis, il y en a qui se disent, tiens, c'est un célibataire, c'est un jeune qui n'est pas trop moche. Hein, qui est sympathique, qui chante bien, en plus, bien voilà. Il ressemble, bien sûr. Donc, tout ça joue, hein, parce qu'il y a des filles qui sont bien, et puis il y en a qui sont moins bien. Les gens pensent peut-être qu'il est loufoque, mais vraiment, dans sa façon de célébrer, je trouve une telle vérité, une telle foi, que je sens qu'il... et une telle joie, que je sens qu'il est habité. Mais il ne faut pas qu'il entende tout ça. Hein. Alors, pour le look, ben regardez, non, tourne-toi. Regardez, vue de face, ça va, hein ? Vue de face. Dès qu'on parle de ça, on se prend la tête. Non, on se prend pas la tête. J'ai décidé d'être calme et j'ai décidé de plus y faire attention. Très bien. D'accord. Donc, tu m'aimes ? Ah ben, de toute façon, je t'ai toujours aimé. Même avec ça ? Oh oui, mais bon. À une époque, les footballeurs, effectivement, avaient des cheveux longs. Je comprends, tu aimais bien le football. Mais maintenant, tu remarques qu'ils ont les cheveux... Ou la boule à zéro. Si on va jusqu'au bout, soit ils sont complètement crâne rasé, Fabien Barthez. Non, pas ça. Soit, comme certains chanteurs aussi, ils ont les cheveux complètement jaunes. Non, non plus. Non, ça ne te plaît pas. Alors finalement, on va satisfaire de ce que je suis. Voilà. Bon, les gars, on peut pas perdre. Hein. C'est pas possible. Contre Gonzalez, il faut pas perdre. Hein. C'est un moment de détente. Et puis, c'est aussi un moment où je peux vraiment me défouler. Et là, on balaye tout ça. On pense qu'au ballon, ça fait du bien. Ça change vraiment les idées. C'est super important. Ouais, derrière. Les 3 occasions, on la met pas au fond. Ils en ont une, ils la mettent. Hein. Le 9, hein, je vous avais dit. Hein. Faut le coller, sinon. Il fait tout le temps des fins de corps. Ouais, mais diabat, je sais pas si t'as vu comme il court vite. Une fois où je l'avais, je l'ai eu. Ah, cette occasion. Il y a des trucs des fois rigolos du style « Oh, le curé, vous êtes deux », alors évidemment c'est plus facile. Ils font allusion au fait que je suis avec Dieu ou... Le risque peut-être dans notre travail, quand on est un peu découragé, parce qu'on a l'impression que ça porte pas de fruits, que ce qu'on peut dire, ben, les gens n'écoutent pas trop, et puis que soi-même, on se rend compte qu'on a du mal à vivre ce qu'on annonce, ben, quelquefois on peut être un petit peu découragé. Et du coup, le risque, c'est de devenir un peu aigri, quoi, agressif. Et je dis souvent à mes amis, dites-le-moi pour que quand je serai plus âgé, ben, je ne sois pas comme ça, mais j'essaye de garder un cœur d'enfant. Je pense que ça, c'est important. Donc,
connaissez beaucoup de prêtres qui ressemblent à Alain Noël? Oui, oui, je connais beaucoup de prêtres qui ressemblent à Alain Noël. J'ose même espérer que la grande majorité sont comme lui, habités par une joie profonde. Mais peut-être ce qu'on a moins perçu peut-être dans le reportage, si je puis dire, c'est un peu cette première histoire d'amour qu'Alain Noël a vécue avec le Christ. Cette petite étincelle qui lui a fait tout quitter, mais pas du tout ses passions, mais en tout cas qui lui a fait faire de donner tout son cœur au Seigneur et à son Église. Et ça, je crois que la principale qualité d'Alain Noël, c'est vraiment d'être un disciple du Christ, pour annoncer l'Évangile au foot, à travers ses spectacles, à travers toute sa vie, dans sa famille. Et ce qu'on ne le percevait pas directement, je crois, était sous-jacent à l'ensemble du reportage. Vous avez l'air refroidi par le reportage? Non, je suis... C'est sûr que c'est un beau reportage. Non, c'est impressionnant, c'est vrai. C'est émouvant, c'est impressionnant. Puis de revoir des visages avec lesquels on vit au quotidien et on partage des tas de joies, des tas de moments de fête. De revoir tous ces visages-là, c'est vrai que ça brasse un peu, non, c'est sûr. Pour rebondir sur ce que disait mon père. Oui, je rebondis. J'en ai un autre par ailleurs, mais, que je salue d'ailleurs par ailleurs. Pourquoi vous avez choisi l'amour du Christ plutôt que l'amour d'une femme? Oui, c'est une belle histoire en fait. Elle est d'abord due à ma famille, qui a été un bon terreau, qui a été une bonne terre en fait, avec mes parents et puis avec aussi mes sœurs et puis pas mal de rencontres dans le scoutisme, dans la musique aussi, très tôt, qui m'ont permis d'avoir un contact assez large avec des tas de gens. Et puis... Je préfère aimer beaucoup, beaucoup de gens plutôt qu'une seule personne, mais quand on a une femme, on peut en aimer d'autres personnes bien en même temps aussi. Bien sûr, mais je n'ai pas vu du tout la problématique dans ce sens-là, dans un premier temps. Je ne me suis pas dit... D'abord, prêtre, j'y ai pensé très tard. Je n'ai pas pensé à 5 ans, 6 ans, comme parfois ça arrive pour des copains. Moi, j'ai pensé à 19 ans, pour la première fois. Ouais. Vous étiez croyant, pratiquant? Oui, croyant et pratiquant. J'ai fait une petite crise de foi, c'est un peu facile, mais c'est vrai, entre 15 et 18 ans, avec pratique religieuse. Un dimanche matin. Plus ou moins difficile, le dimanche matin en particulier. Oui. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est la musique, la guitare, en fait, le chant. Parce que je crois que, d'ailleurs, c'est un peu la question que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, pour participer, vraiment vivre une célébration aujourd'hui, je crois qu'il faut être acteur. Et si on est passif, on s'ennuie, moi le premier. Donc ça m'a permis de tenir, j'allais dire. Ça veut dire que c'est une bonne place pour exprimer des prédispositions à un métier de spectacle? d'être prêtre. D'être prêtre. Oh, j'ai pensé avant de vouloir être prêtre, j'ai pensé être pompier dans un premier temps, rien à voir. Deuxièmement, voulu être prof. Et troisièmement, j'ai voulu être journaliste. Ouais. C'est vrai, Jean-Luc. Et du coup, je me suis dit après coup, mais seulement après coup, maintenant, qu'en fait, peut-être la vocation de prêtre, ça fait comme résumer un peu ces trois dimensions. Aller aider les gens, parce que le prêtre aide beaucoup, accompagne, soulage. Éteindre le feu, donc. Oui, allumer comme Johnny, allumer le feu de l'amour, mais éteindre des feux de haine, peut-être, effectivement. Ouais. Et puis, comme le professeur, parfois, savoir enseigner. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a un manque de culture religieuse aujourd'hui, il faut qu'on soit un petit peu les témoins de notre histoire, de notre tradition, donc enseigner. Et la troisième dimension, c'est le journalisme, c'est celui qui est témoin. Et je crois que le prêtre est témoin de Jésus-Christ, et il essaie de l'annoncer. Donc, en fait, mes trois désirs de gosse et de jeune, finalement, se sont trouvés comme intégrés dans cette vocation de prêtre. Trois en un. Qui me rend si heureux, comme le shampoing, et comme la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Johnny, le concert de... Ouais, je sais pas si on doit sentir ça comme une provocation ou comme un moyen de ramener les jeunes dans les églises, mais un concert de rock ou de rap dans une église, c'est uniquement pour la qualité de l'acoustique merveilleuse que nous offre une église, ou est-ce que c'est un peu de provo parce que vous pourriez le faire ailleurs? Alors, d'abord, toutes mes veillées ou tous mes concerts n'ont pas lieu dans des églises. J'ai une petite préférence pour les salles des fêtes à cause de l'acoustique, justement. Parce que quelquefois, le son tournoie tellement dans les églises que c'est... Il y a parfois des gens qui me disent à la fin « Mon père, c'était très bien, mais on n'a pas compris les paroles. » Alors, c'est un peu embêtant quand même, parce que... Ah oui, elles ont twisté, mais bon, le problème, c'est que le message, quand même, il passe surtout dans le texte. Il y a des remarques, des paroissiens, des critiques, des réserves. Oui, ça peut arriver. Qui s'expriment comment? C'est assez rare. Et puis, souvent, enfin. Quand ça arrive, c'est pas très courageux. Ça peut être des courriers anonymes, par exemple. Il m'est arrivé une fois, effectivement, qu'on me dise, au lieu de faire des concerts, il faudrait mieux de faire des messes.
Et j'aurais aimé répondre à cette personne, mais je vous assure, je célèbre aussi des messes. Hein. Et les veillées, c'est une autre manière d'annoncer Jésus-Christ, différemment, ouais. avec une autre qualité. Et je crois que ça ne s'oppose pas du tout. Vous n'avez pas eu de courrier anonyme plus violent que celui-ci? Parce que là, ce n'est pas signé le corbeau, là, c'est signé le moineau. Là. Non, alors, par contre, j'ai eu quelque chose. Si, je me suis fait traiter de hippie, mais ça, c'était plus le look que le contenu, une fois. Et puis, une autre fois, dans un de mes textes, je dis un gros mot, pardonnez-moi, je dis dans ce monde qui est fou, dans ce monde qui s'en fout. S'en foutre. Enfin, c'est... Voilà. Et une des réactions des personnes, ça a été d'enlever ses gamins du caté parce que j'avais chanté ça dans une église. Ah, donc c'est un petit peu triste. Alain Noël, moi je t'ai vu en spectacle là, il y a 10 jours, hein, je t'avais demandé à Lourdes. À Lourdes. Ouais. Et moi ce qui m'a frappé, c'est peut-être moins ton spectacle lui-même que la joie que tu donnais. Et je me disais que si l'église pouvait être porteuse de joie dans tous les lieux où elle se trouve, alors je crois que les vocations n'auraient plus de problème. À partir du moment où Carmoz a retiré sa cravate noire, je pense que tous les espoirs sont perdus. Déjà, ça commence à être bon. Vous avez le sentiment d'être en phase avec l'église que vous représentez? Répondez-moi rapidement. Oui, j'ai l'impression d'être en phase avec cette église parce que je l'aime. Ce qui ne m'empêche pas d'être critique sur certains points. D'accord. Hein. J'allais dire, comme dans une famille où on peut aimer sa famille, mais en même temps dire, attends, là, tu vas trop loin, tu pousses, au contraire, je te trouve un peu tiède. Ouais. Les chanteurs de rock sont des idoles, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils sont beaux à la Noël. Est-ce que vous ne pensez pas prendre le risque de devenir une sorte de fantasme pour votre public féminin? Il y a un prêtre ami qui m'a un jour dit, parce qu'il m'arrive à la fin des veillées, parfois de signer des autographes, enfin des petits mots, quoi. Et il m'a dit, au lieu de signer Alain Noël, signe don de Dieu, DDD, m'a dit. Alors si jamais tu signes DDD, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que se passe? Pourquoi tu signes ça? Et tu diras bien que ce que tu le fais au nom d'un autre et pas en ton nom propre à toi. Cela dit, le fait de faire de la musique et puis d'être applaudi, c'est quand même pas désagréable. Et c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on n'a pas le droit de temps en temps aussi d'avoir un peu de succès. Parce que quand les gens ont envie de nous casser, ils s'en privent pas. Donc de temps en temps, ça marche bien et que les gens sont contents, heureux et qu'ils le montrent. Pourquoi pas? Là. Est-ce que c'est compatible le fait de secouer les foules, à part ceux qui préféraient une messe plus classique? Je parle encore des jeunes filles, évidemment, c'est peut-être une obsession. Est-ce que c'est compatible avec l'engagement des prêtres, tous ces concerts en église, l'humilité, à savoir la pauvreté, évidemment, mais également la chasteté? Alors, au niveau... On va les prendre dans l'ordre. Prenons le dernier. Au niveau de la chasteté. Ah bah non, alors pendant les concerts, je suis tellement préoccupé par l'addiction, par la musique, et que je vois rien d'autre. Et en plus, j'ai tellement de lumière dans la figure que je vois pas du tout les premiers rangs déchaînés, qui d'ailleurs ont souvent quand même plus de 75 ans, même si il y a quand même pas... Donc c'est moins tentant quand même, même s'il y a quand même aussi des... Ouais. Ça pourrait être tentant. Vous êtes tenté? Vous êtes parfois tenté? Oui, c'est vrai, ça m'arrive, bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai un cœur d'homme. Ouais. J'ai un cœur d'homme et je pense que si j'ai ce cœur d'homme que Dieu m'a donné, c'est pour aimer être aimé, comme je disais dans le reportage. Et que du coup, parfois, effectivement, je me dis, tiens, cette fille-là, elle est formidable, elle est merveilleuse. Et non. Et comment vous faites pour résister aux pulsions biologiques, aux pulsions humaines? Tout à l'heure, vous nous direz, Patrice, que vous faites beaucoup de sport, vous, par exemple. Vous nous donnerez aussi des exemples de certains saints qui passaient leur vie dans un bain d'eau glacée ou qui se jetaient dans des buissons de ronces. Ça, c'est pas trop mon truc. Non, le foot, c'est vrai, le sport, c'est très important. J'allais dire, il y a la prière. Et il y a le fait aussi de dire au monde d'aujourd'hui que l'amour humain est très beau en train de nommer une femme. Et je célèbre des mariages, je prépare des jeunes au mariage et je me rends compte à quel point c'est beau. Et l'exemple de ma famille et aussi de mes sœurs et de tant d'amis me le montre. Mais n'est pas la seule façon d'aimer et d'être aimé. Et je crois qu'on focalise beaucoup sur le mariage, l'amour humain, pas toujours fidèle d'ailleurs aussi, hein, et puis sur la sexualité. Je crois que c'est important et c'est beau, et l'Église ne l'a peut-être pas assez dit. Hein. L'Église a quand même beaucoup, j'allais dire, porté un peu de suspicion sur la vie sexuelle, par exemple. Donc moi, j'affirme qu'elle est belle. Cela dit, je dis, c'est pas la seule manière de vivre par amour aujourd'hui. Et le fait d'aimer les gens qu'on rencontre, je vous assure, ça comble un cœur aussi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de manque et de souffrance. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission. Vous n'avez jamais craqué, en tout cas? Non, non. Vous n'aviez jamais craqué avant de rencontrer votre compagne? Non plus. Jamais? Mon père, vous avez déjà craqué, vous. Non? Ben, je vous dirais... Vous me taquinez, je vous taquine. Hein. Je veux dire que ma mère, elle m'a jamais posé cette question-là. Ouais. Et alors, en revanche, j'ai quelqu'un à qui je rends compte de tout ça. Parce que je crois qu'on peut, tout seul, on ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'ici, vous ne pourriez pas nous le dire? Non.
Non, je ne vous le dirai pas. Il y en a qui le diront. Hein. Je vous le dirai si vous rentrez au séminaire, que vous devenez prêtre et que vous êtes appelé. Si je vous choisis comme confesseur, je vous partagerai ma vie. Vous ne pensez pas que c'est un débat public ? Non. Non, pas du tout, parce que ça touche une autre intimité, notre vie privée. Moi, je tiens à la préserver. Ouais. Et en même temps. Cela dit, ça dépend ce que veut dire craquer aussi. Oui, hein, oui. Craquer, c'est-à-dire avoir une relation amoureuse. Sexuelle. Sexuelle avec une. Je personne. Compte, je crois que les prêtres sont invités à en rendre compte à celui qu'ils ont choisi comme confesseur, oui, pour faire le point sur leur vie. D'ailleurs, de tout ce qui va bien et de tout ce qui ne va pas bien, d'accord, au demeurant. Ok, c'est pas l'opinion de tout le monde, puisque d'autres prêtres s'exprimeront directement sur ce sujet et sur ce plateau, des femmes également. Est-ce que les jeunes que vous rencontrez vous posent des questions sur votre sexualité ou celle que vous avez pu avoir avant d'être prêtre? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des copines? Ça, c'est une question que j'entends souvent et je leur réponds que oui, j'ai eu des petites amies. La question de la sexualité, je crois qu'on la majore. Ou comment m'y prendre avec elle, ou comment, etc. Non, pas trop. Je pense qu'ils s'adressent peut-être à des gens plus compétents. Les questions les plus fréquentes auxquelles vous avez à faire face, c'est peut-être plus la question de la solitude qui pose question. Et moi, je réponds souvent que la solitude, pour moi, elle est vitale. C'est-à-dire que quand toute sa journée, on rencontre des gens, on essaye de les accueillir, d'être patient avec eux, d'ouvrir notre porte et notre cœur, quand on a aussi une relation d'amour avec Dieu à travers son Église et à travers toutes les rencontres qu'on peut faire, on a besoin de cette solitude. En revanche, moi, ce que je leur réponds aussi parfois, que ce qui peut manquer, c'est la tendresse, effectivement. La tendresse d'une femme, ça c'est sûr que ça peut manquer. Parce que des gens me demandent parfois, mais alors t'es marié avec Dieu? Je dis non, je ne suis pas marié avec Dieu. Il y a une relation d'alliance très forte entre Dieu et moi, entre l'Église et moi, mais ce n'est pas un mariage. Il y a quelque chose de nuptial, peut-être symboliquement, mais uniquement symboliquement. Donc au niveau de la tendresse et de la solitude, il peut y avoir quelquefois des choses un petit peu difficiles à vivre. Mais la solitude, c'est le paradoxe peut-être. C'est qu'elle est aussi parfois recherchée parce qu'on a besoin de temps de prière, de temps pour souffler aussi. Regarder un bon De Funès à la télé, moi je trouve ça génial. Et j'en ai besoin, c'est vital pour moi aussi. D'accord. Voilà pour les questions qu'on vous pose sur vous. Maintenant, je vais m'intéresser avec l'abbé Jouy aux questions qu'on vous pose à vous. Vous êtes abbé, c'est-à-dire que vous occupez de plusieurs églises. Parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. Voilà, je suis curé d'une paroisse qui regroupe 16 communes. 16 communes et combien d'églises? C'est 17 églises et 12 000 habitants. Et vous donnez 17 fois la messe dans la semaine? Non, on fait un roulement. Un roulement, on est chacun organisé. Chacun son tour. Oui. Quelles sont les demandes, les questions qu'on vous pose qui vous mettent un peu dans l'embarras? Il y a beaucoup de choses. Il y a le quotidien, c'est-à-dire les demandes de baptême, de mariage, les demandes de conseils. Mais il y a aussi parfois qui est plus difficile, l'accompagnement de familles où il y a de la discorde, de couples en difficulté qui ont besoin de parler, qui ont besoin de voir quelqu'un d'autre pour prendre un peu de recul vis-à-vis de leurs problèmes. Habituellement, on dit qu'on consulte un psy dans ces cas-là, quoi. Eh bien, dans nos campagnes, on consulte encore M. le curé. Oui. Ça vous dérange ou est-ce que vous pensez que parfois, ça outrepasse vos qualités et vos fonctions d'avoir à répondre à ce type de problème? Moi, ma grande question, c'est de savoir à quel moment passer la main. Parce que je crois que tout n'est pas de la compétence d'un prêtre. Et par moment, faire comprendre aux gens que ce n'est pas peut-être seulement à ma porte qu'il faut venir frapper, mais à une autre porte, c'est difficile. Je vois depuis 3 ans que je suis à Corbie maintenant, je vois quelqu'un qui vient tous les vendredis matins, qui tous les vendredis matins me raconte exactement la même chose. Quoi ? Quel genre? Que, oui, attention, secret. Qu'il est il est persécuté par un tas de gens, mais c'est beaucoup plus dans la tête, à mon avis, que ça se situe. Et donc, vous essayez de le diriger vers un psychiatre ou... Alors, la grosse difficulté est là, parce qu'il me dit régulièrement qu'il consulte un psychiatre, mais que comme les psychiatres sont freudiens, on ne peut pas leur faire confiance, et donc, il faut leur raconter n'importe quoi. Pourquoi de vous ça? Ah, c'est pas moi qui lui dis ça, c'est lui qui me dit ça. Ah, c'est lui qui dit que parce que les psychiatres sont freudiens, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. D'accord. Vous vous sentez incompétent parfois? Ah, oui. Moi, je crois qu'il y a des choses que je ne peux pas régler, que je ne peux pas régler moi-même. Il y a des choses qui me dépassent complètement. Je vois des choses qu'on m'a demandées, enfin, moi, je trouve ahurissante qu'on demande ça à un prêtre. Une fois, un agriculteur qui était en train de préparer son dossier de jachère m'a demandé de venir lui dire quelles étaient les terres qu'il fallait qu'ils mettent en jachère. Ouais. Alors il me disait, là, vous voyez l'abbé, j'ai la question, c'est ou bien je mets une grande pièce en jachère, ou bien je mets plusieurs petites. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que vous avez répondu alors? Alors, comme je suis de la campagne, je lui ai dit, écoutez, il me semble que ce qui est difficile quand on laboure un champ, c'est d'avoir à tourner avec
le tracteur ou quand on moissonne avec la moissonneuse. Donc il vaut mieux mettre en jachère les petites terres et puis cultiver la grosse que l'inverse. Ben, vous n'étiez pas dépassé par cette question-là. Je n'étais pas dépassé par cette question-là, mais je ne suis pas sûr que c'est... Moi, ce que je trouve qu'il y a de beau, c'est la confiance qu'il fait envers son curé. Ah, peut-être que le curé n'est pas très compétent, mais il vient le trouver parce que à qui est-ce que je peux faire confiance en fait, c'est ça, la question. On peut aussi retourner la question en se disant qu'il ne sait pas à qui d'autre faire confiance parce qu'il est seul. Tout à fait. Comme on l'est souvent dans nos campagnes. Je crois que c'est un des gros problèmes de notre époque, c'est qu'il y a un tel manque de dialogue, un tel manque de confiance envers des gens... Même à l'intérieur des familles, enfin, très régulièrement à l'occasion de deuil, on se rend compte qu'il y a dans les familles des problèmes énormes de manque de communication et des gens qui vous disent « Ah mais l'abbé, on se rend compte à l'occasion là de la mort que ben, on perd un temps fou dans la vie. » Et puis après, on me demande aussi des choses étonnantes. Moi, on m'a déjà demandé plusieurs fois d'arbitrer héritages. Non, des héritages. Alors, à chaque fois, je dis, bah, écoutez, il me semble que dans l'Évangile, Jésus dit quelque part, qui est-ce qui m'a institué pour être juge de vos héritages? Mais toutes les réponses ne sont pas toujours dans la Bible. Mais toutes les réponses ne sont pas toujours dans la Bible. Et puis, il faut quand même essayer de dire quelque chose qui va aider les gens. Arbitrer l'héritage, savoir comment, en fait, on va séparer les parts. À cette occasion-là, je crois que je me suis fait insulter, comme je m'étais jamais fait insulter, parce que j'ai simplement dit aux gens, ben, à mon avis, la première chose qu'il faut faire, c'est de vous asseoir autour d'une table pour parler. Et là, on m'a dit, mais comment ça, l'abbé? Vous prenez le parti des gens qui ne vont pas à la messe contre ceux qui vont à la messe. C'est incroyable. Ça, c'est une petite pique, ce n'est pas une insulte, monsieur l'abbé. Oui, mais il y avait d'autres mots qu'on ne peut pas répéter à la télévision. Ah, si, si, si. Non. La télévision, ça ressemble de plus en plus à la vie, hein, franchement. Mais toutes les réponses, vous dites que toutes les réponses ne sont pas dans la Bible, mais l'esprit de toutes les réponses est dans la Bible. Ouais. C'est vraiment un esprit de vie. Et je crois que si les gens, de toutes sortes, croyants ou non, attendent le prêtre, c'est parce qu'ils ont besoin de vie. Dans un monde quand même qui a souvent une odeur de mort, vous ne trouvez pas? Une odeur de mort? Oui. Vraiment. Moi, je trouve qu'il a plus une odeur de vie, moi. Personnellement, oui, pour répondre juste à la dernière question sur le fait qu'on peut tout dire à la télévision, je pense aujourd'hui, enfin je veux dire sans développer des idées fascisantes ou qui seraient porteuses de racisme, je crois qu'aujourd'hui on peut tout dire à la télévision, l'abbé. Donc vous ne retenez pas dans vos prochaines réponses. Tout dire. Moi, je crois que c'est important de dire des choses qui construisent quelque chose. On peut s'exprimer aussi bien à la télévision, aussi librement à la télévision que dans toute assemblée, ça que je voulais dire. Alors, si je peux citer une parole de la Bible, on peut dire « tout est possible, mais tout n'est pas forcément profitable ». Ah bon, voilà. Ça c'est l'opinion que vous avez. Moi je pense que profitable pour qui? Profitable en sens que je veux dire, je crois que notre but n'est pas de faire scandale. Donc en l'occurrence, il y a une manière de s'exprimer peut-être qui pour certaines personnes risquerait de les blesser, alors que justement notre désir est plutôt de leur apporter l'espérance, de leur apporter cette joie que nous sommes chargés de donner et que nous recevons nous-mêmes. Et je crois que c'est un peu ça en fait qui est... Alors c'est pour ça que je réagis, mais enfin, autrement c'est vrai qu'il aurait pu dire un gros mot, ça ne vous aurait pas choqué moi non plus. D'accord, très bien. Nous sommes d'accord là-dessus. Je vais demander à Laure Charpentier de venir nous rejoindre. Madame Charpentier, s'il vous plaît. Bonsoir madame. Bienvenue dans le milieu. Asseyez-vous, vous voulez, au milieu par exemple. Oui, par exemple. Vous êtes Madame Charpentier, Laure. Oui, Laure. Laure. Bon. Vous êtes croyante. Très. Vous êtes écrivain. Oui. Très. Vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle, sur les saints méconnus en tout cas. Peut-être d'abord une réaction à ce que vous avez entendu de part et d'autre. Je vais dire une phrase que j'espère vous comprendrez tous. Est-elle issue de la Bible? In troibo ad alteri dei, ad deum qualificat juventutem meam. Je vois que je suis comprise. Je m'avancerai jusqu'à l'autel du Seigneur, le Seigneur qui est la joie de ma jeunesse. Vous l'aviez, vous l'aviez, vous? Non, je ne l'avais pas. Vous l'aviez, vous? Voyez, c'est... La main sur le buzzer, vous avez la réponse, monsieur? Oui. Vous parliez de la petite église dans laquelle je célèbre le dimanche, c'est ce qu'on dit, mais en français. Hélas. Non, c'est pas facile à comprendre. Hélas. Je préfère le français. C'était tellement beau en latin que je ne vois pas pourquoi on l'a mis en français. Comme je ne comprends pas le latin, ça me... De toute façon, si je vous demande une messe en latin, vous allez me répondre quoi, messieurs les prêtres? Je la célèbre. Ah oui, quand vous voulez. Quand vous voulez. Très bien. Si ça vous ennuie pas, moi je veux bien la célébrer, mais vous m'autoriserez aussi à faire le serment en latin. Parfait. C'est le seul truc parce que... C'est parfait. Parce que si vous comprenez le latin, il faut pouvoir y aller tout en latin. Attends. Non, il ne faut pas, je ne sais pas.
le matin. Je veux dire pourquoi? Parce qu'en effet, la liturgie commune à toute l'Église, elle est en latin. Et moi, j'ai été 4 ans en séminariste au séminaire français à Rome. Et pendant ces 4 ans, j'ai donc participé à de nombreuses messes, par exemple sur la place Saint-Pierre. Et tous les dimanches, pendant l'année sainte 83-84, le pape célébrait la messe en latin sur la place Saint-Pierre. Et j'ai servi la messe, et il fallait bien donner les réponses en latin. On s'est un peu entraîné. Je me souvenais un peu de ce qu'il y avait dans ma jeunesse, mais enfin, il a fallu s'entraîner un petit peu quand même. Monsieur Jouy, vous pourriez donner la messe en latin? Oh, avec un bon bicel, oui. Vous pourriez, vous? Oui. Peut-être, je sais bien qu'on est tous très croyants là-haut, peut-être arrêter de... Non, on est content, il y a de la joie, c'est sûr, mais bon, peut-être pas applaudir à tour de bras, juste respirer un peu entre deux phrases quand même, juste pour laisser parler nos invités. Vous pourriez donner la messe en latin? C'est pareil, je pense, avec une bonne antisèche, oui. Simplement, si jamais ça m'était demandé par mon évêque pour être au service d'une communauté qui le demandait et pour qui c'était important, oui. Comme ça, spontanément, dans ma paroisse, non, je le ferais pas. Je crois que le français est plus accessible, il me semble. Pourquoi vous souhaitez que la messe soit dite ou redite Je vais vous dire, c'est très simple. Ma mère est décédée il y a 6 ans, donc c'est très récent. À la basilique de Saint-Denis, je l'ai fait enterrer, puisqu'elle était présidente des Enfants de Marie d'Île-de-France. Bon, c'est complètement décadent et désuet, hélas. Non, non. J'ai demandé à monsieur le curé, que je ne trouvais pas, parce qu'il était habillé comme vous, en pull, il avait un polo orange. J'ai dit, je cherche le curé de la basilique de Saint-Denis. Mais vous le souhaitez comment? En soutane? Non, mais enfin, qu'il soit prêtre, qu'il ait le pins. Il l'avait pas. Et la carte de visite? Non, mais vous savez... La petite carte de visite? Moi, je représente Marie-Madeleine ici. Je suis la Marie-Madeleine du plateau. D'accord. J'ai beaucoup péché, il me sera beaucoup pardonné parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà. j'ai demandé une messe en latin et j'ai demandé qu'il soit chanté le Salve Regina, puisque, bon, le Salve Regina, salut aux marraines, c'était le chant de la Vierge, n'est-ce pas? Et que toutes les enfants de Marie chantaient. Ma mère avait quand même 90 ans. Et elle avait servi la paroisse... au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, vous savez ce que m'a dit ce prêtre en polo orange? Je m'appelle Jean-Pierre, tu peux me dire bonjour? Je lui ai dit, écoutez, monsieur le curé, je suis ravi. Je voudrais une messe en latin pour l'enterrement de ma mère, qui a été présidente des Enfants de Marie. Il m'a dit, c'est quoi ça, Enfants de Marie? Je lui ai dit, attendez, je l'ai enterré avec son ruban bleu ciel et sa médaille de la Vierge. Oh, c'est fini tout ça. Je lui ai dit, oui. Je voudrais qu'on chante un Salve Regina, est-ce que c'est possible? Il me dit, c'est quoi, Salve Regina? Vous l'avez en cassette? Les grandes orgues, évidemment, étaient poussiéreuses. Et j'ai dit, écoutez, Jean-Pierre, j'apporterai ma cassette. Il m'a dit, si vous apportez votre cassette, moi, je m'en fous, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème si ça vous fait plaisir. D'accord. Et il m'a répondu, la phrase terrible, Madame, l'Église n'est pas un musée. Il y a 5 ans. D'accord. Qu'est-ce que ça vous laisse comme blessure aujourd'hui? Oh, j'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres des blessures. En quoi ça vous choque? Ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Sur l'Église d'aujourd'hui, en quoi ça vous choque? Mais pourquoi dire l'Église n'est pas un musée? Quelqu'un qui demande un Salve Regina ou un Souvenez-vous, est-ce que c'est un vieux machin, un débris? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir plaisir à ça? Est-ce qu'une personne qui a 90 ans, qui a connu l'Église d'avant... et à qui ça ferait plaisir, en tout cas les survivants se l'imaginent, est-ce qu'on doit leur dire « Mais madame, c'est pas un musée, apportez votre cassette !» Mais j'avais l'air de quoi? J'avais honte pour ma mère. J'avais honte pour toutes ces petites filles et ces jeunes filles avec les rubans bleu pâle en moire, qui étaient magnifiques. Moi, j'ai été élevée à la Légion d'honneur, j'ai été élevée chez les sœurs, j'ai fait 6 mois de noviciat, j'avais plus d'années de vaisselle que d'années à vivre. Je suis ressortie de là, je pouvais plus voir ni l'Église, ni Dieu, ni rien. Oh, du calme. Hein? Oui, on se calme, parce que ça existe aussi, ça. On calme ou sinon je lâche madame, attention. Voilà. Voilà. Alors moi, j'ai envie qu'on puisse chanter un Salve Regina, pour le curé... D'accord. Est-ce que par ailleurs, même si c'est moins dans vos goûts personnels, vous avez battu la mesure quand Alain Noël donnait un concert de rock? Mais j'ai 2 fils rockeurs. Il y en a un qui est dans la salle. Ouais, ça, est-ce 15 que ça ans, vous... 30 ans, non, ils non, sont rockeurs. Question, ça question. Me dérange pas. Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait du rock dans une église? Est-ce qu'il est plus prêtre que rockeur ou plus rockeur que prêtre? Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait du rock dans une église? Pas du tout. Non. Pas du tout, c'est charmant. À partir du moment où il puisse y avoir aussi du Salve Regina. Moi, j'aime beaucoup le rock. Mon fils aîné est bluesman. La guitare, vous savez, je suis saturé. Hein, je connais par cœur. Bon, et j'aime en plus. Et ça vous a éloigné de l'église? Ce qui m'a éloigné le plus de l'église, c'est le noviciat religieux. Chez les dominicaines des campagnes. Ça, je peux vous dire que quand vous passez à travers ça, si vous croyez encore en Dieu au bout, c'est que vous aviez une foi dure comme les reins. Pourquoi? Moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que si, vous savez, chez les soldats, qu'est-ce qui parle anglais ici? Corvette chiotte. C'est exactement ça. Une intellectuelle, belle, mignonne, jeune, etc. Vaisselle, serpillière, ménage, on va la casser, on va l'humilier. Oh, on m'a humilié. C'est ça, l'église.
L'Église adore humilier. Vous voyez, ça s'appelle l'humilité. Et surtout, ne relève pas la tête. Non, ça s'appelle l'humilité, pas l'humiliation. C'est pareil. C'est pareil. Mais si souvent, c'est pareil. Oh, si. Mais bien sûr que si. Arrêtez. Mais ou si. Ou je lâche, oui, madame. Non, mais je crois. Non, mais au-delà. Pour l'instant, je suis encore enchaîné, mais ça peut bouger. Hein. Non, mais je crois. Moi, je peux vous le dire. Je peux pas accepter que vous disiez c'est ça l'Église. Je comprends. Je n'ai pas dit c'est ça l'Église. L'Église, au niveau de l'humilité, je l'ai entendu, vous casse. Oui. On est d'accord. Je comprends que vous ayez eu cette souffrance-là et que, du coup, vous ayez ce regard-là sur une période de votre vie qui a été marquée négativement par l'Église. Ça, je le conçois. Mais ne faisons pas d'amalgame avec l'Église. Attendez, attendez, il y en a d'autres. Oh là là, il y en a d'autres. Parce que moi, j'ai vécu un enfer, j'ai vécu l'alcool, j'ai vécu la nuit, j'ai vécu les ténèbres. J'ai vécu le doute, j'ai vécu tout ça. Et je connais. À chaque fois que je suis allée m'adresser à un prêtre dans une église, vous savez ce qu'il m'a dit ? Allez vous dessouler, vous reviendrez après. Ah, il n'y a personne qui applaudit là. Hein. Non, mais si vous étiez raide bourré, gênant, là, hein. Si vous étiez raide bourré, ça peut se comprendre quand même. Non, j'étais jamais bourré, Jean-Luc. Ah bon ? Je tenais très bien. Ah oui, d'accord. Entendu. À quelles autres occasions vous avez été déçu par les prêtres et par l'Église au point aujourd'hui vraiment de lui en vouloir et de ne plus, de ne plus être pratiquante? J'ai vécu dans l'alcool et j'ai vécu dans l'homosexualité. S'il y a une chose... Oh oui, ça existe aussi, ça. Ça existe. S'il y a une chose qui est bannie par l'Église, d'abord, c'est la sexualité et encore plus l'homosexualité. On est des nullités affligeantes quand on est homosexuel. Évidemment, les prêtres, eux, c'est les saints hommes. Ils n'ont fait pas vœu de chasteté, monsieur. Ils ont fait vœu de célibat. Ils n'ont pas fait de vœu. Ils ne font pas de vœu. Je suis désolé. Alors, la chasteté, c'est parfait. Ce sont pour les saints. Moi, j'ai écrit les saints et je trouve qu'ils ont des vies magnifiques, vous voyez. Et j'aimerais leur ressembler. Et malheureusement, j'ai trébuché comme Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, quand elle est lavée les pieds de Jésus... Jésus l'a aimé et lui a pardonné. Bien sûr. Il lui a pas dit arrête de te prostituer, puis après tu reviendras me laver les pieds. Madame. Moi madame. J'ai un prêtre qui m'a refusé l'absolution. Vous parliez de confesseur. Moi j'adore, vous voyez, un confesseur. Oui. Et quand je suis rentré dans un confessionnal et que le prêtre m'a dit je suis désolé madame, changez de vie, je ne peux pas vous donner l'absolution, j'ai dit mais de quel droit vous me refusez une absolution? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme détail de votre vie pour qu'il vous réponde? L'homosexualité et l'alcool. Ah oui. Ça fait quand même deux piliers noirs. Enfin bon, là. Ouais. Mais c'est... Oh, mais oui, madame. Excusez-moi, j'ai une question, ça c'est ma curiosité, sur l'homosexualité. Ça... Mais c'est très mal vu, Jean-Luc. Non, mais d'accord. C'est hideux. Non, mais c'est de moins en moins. Mais c'est... Ah non. C'est de moins en moins. Non, mais dans l'Église, oui, par l'Église, d'accord. Ah, oui. Peut-être, oui. Je parle de la société en général. Deux secondes. Mais votre homosexualité, vous l'avez vécue au sein de l'Église, avec les sœurs? Au sein, ou à l'extérieur. Aussi, oui. C'était amusant, d'ailleurs. Oui. Vous savez, dans les pensions religieuses, il n'y a que des femmes. Alors, forcément. Et puis après, il n'y a que des hommes entre eux. Mais voilà. Pourquoi êtes-vous rentré au noviciat, madame? Non, et au noviciat aussi, vous avez... Bah, la vocation religieuse, monsieur l'abbé, comment on vous appelle? Comme vous voulez, comme vous préférez. OK. Comme vous préférez. Alors, la vocation, vous avez dit que c'était un appel de Dieu. Oui. Bon, alors, je crois que je l'avais ressenti. Oui. Donc, vous aviez eu une séduction. J'ai dû me tromper. Êtes-vous j'ai si sûr? Là, je crois que je suis pas sûr, non, parce que finalement, je suis missionnaire dans le monde. Et puis vous y restez attaché, vous écrivez un livre sur les saints. Oui, j'écris beaucoup de livres. C'est-à-dire que vous êtes attiré par la sainteté. Et j'ai écrit aussi un livre, voyez, sur la rédemption de l'alcool. Car je suis convaincu qu'on peut s'en sortir de tout. De l'alcool, de la nuit, absolument, de l'homosexualité, de toute la débauche possible et des ténèbres, c'est possible. Je vais vous dire, sortir madame. Allez. Se sortir... quand vous additionnez les débauches, je peux vous comprendre dans l'excès d'alcool, dans l'excès de vie nocturne, mais quand vous parlez de l'homosexualité, vous parlez de l'homosexualité ou de la sexualité en général, comme étant une débauche? Du moment que vous parlez de sexualité dans un confessionnal, il faut déjà y aller au confessionnal quand on est comme ça. Bon, mais Dieu était là, toujours près de moi. Et je lui disais, fous-moi la paix parce que tu ne m'as pas aimé assez, tu m'as rejeté de ton église, donc maintenant tu me fous la paix, c'est tout. Et il était tout le temps là au fond de mon verre, là, il était là. Alors, de temps en temps, je rentrais dans une église, à la campagne, province, en ville. Et puis, je demandais à un prêtre. Des fois, il n'y en avait pas. Bon, c'est pas grave. Mais des fois, il y en avait un. Et je lui disais, j'aurais me confesser. Il disait, ah bon, bah, c'est pas l'heure, je prends pas mon truc. Non, vous revenez dans 2 heures, dans 3 heures, tu parles. J'allais reboire un coup, puis voilà, puis je revenais pas dans l'église. Ça aussi, c'est grave. Il n'y a pas de prêtre dans l'église. Où ils sont, les prêtres? Hier, je suis allé à Saint-Denis, à la basilique. Oui. Fermé à 17h, pourquoi? Moi, dans mon temps, c'était 19h. Hélas, nous sommes moins nombreux qu'avant, vous le savez pourquoi bien.
Parce que nous vivons une crise de civilisation qui fait qu'aujourd'hui, qu'un engagement à vie comme celui-là, un engagement risqué, pose problème aujourd'hui à des jeunes, c'est sûr. Mais je crois qu'un prêtre ne doit jamais désespérer quelqu'un. Absolument. Merci. Moi, ce que j'aime en vous entendant... Donner absolution, vous pensez, quel que soit le péché qui a été commis. Écoutez, je vais vous dire... Répondez à la question. Je vais vous dire, Jean-Luc, répondez à la question. Dans le credo. Répondez aux questions qu'on vous pose sans répondre. Oui. Vous avez entendu la question, oui. Ou pas? Oui. Vous l'avez entendu, la question? Non. Ah ben voilà. C'est parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes comme Georges Marchais qui disait, vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Je voulais parler avec madame. Vous voulez parler avec madame. Vous voulez dire quelque chose? Pourquoi? Oui, je voulais dire que ce qui me frappait en vous entendant parler, et ça me touche ça profondément, c'est l'exigence que vous avez pour les prêtres, et je crois que vous avez raison. Parce que je crois qu'en effet... Le monde attend beaucoup des prêtres. Le monde attend beaucoup des prêtres et ils ont raison. Parce que nous sommes chargés de leur donner, non pas nous-mêmes, et ce serait une catastrophe si on se donnait nous-mêmes seulement, mais on est chargé de donner Dieu, donner son espérance, donner sa joie. Et son espérance, c'est tout à fait particulier. Et dans le cas de l'alcool, c'est capital. Et quand on pense qu'il y a le sacrement des malades qui va justement pouvoir aider quelqu'un qui est pris par l'alcool à s'en sortir, moi j'ai donné de nombreuses fois et j'ai vu le résultat absolument extraordinaire de cette action de Dieu. Attendez, le sacrement des malades, c'est l'extrême onction. Mais non, justement, c'est un sacrement pour les malades. L'hostie que vous portez aux malades. Non. Autrefois, on appelait ça l'extrême onction, si je peux expliquer. Autrefois, on appelait ça Moi, je suis resté autrefois. Mais ce sacrement, en fait... Dans vos comportements de vie, quand même. Attendez. Mais vous savez, c'est très moderne et très ancien à la fois, voilà. Jean-Luc. Planète tourne toujours dans le même sens. C'est ce que je pensais en le disant. Pour en revenir à ce sacrement extraordinaire, c'est bon que vous le sachiez, parce que vous allez pouvoir certainement aider beaucoup de gens aussi. C'est véritablement... Je vais leur donner l'extrême onction. Non, vous allez les envoyer trouver des prêtres qui seront d'accord pour les aider à sortir de la désespérance. Hélas. Parce qu'en effet, Dieu nous donne cette joie à nous, et c'est fantastique, moi j'en suis témoin souvent. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai été frappé en vous entendant, parce qu'en effet, nous avons cette possibilité de donner Dieu aux gens qui sont justement au plus profond du ruisseau. Vous avez déjà refusé l'absolution? Non. Vous avez déjà refusé l'absolution, l'abbé? Jamais. Jamais. Vous? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'aurait étonné. Vous, monsieur? Non plus. Par contre, une fois, c'est juste si on ne me l'a pas refusé à moi, oui. C'est-à-dire? Un peu comme madame, j'étais... Dans le cours d'un pèlerinage à Rome, je me suis arrêté dans un confessionnal parce que ce que je vivais avec Sophie, c'était pas très très honnête et très bien vu. Donc j'en ai parlé à un prêtre. Dans l'enceinte du Vatican là, Pas dans l'enceinte du Vatican, à Rome. Ah, ouais. Enfin, dans une des églises de Rome, il y en a plein là-bas. Il y en a 480. Voilà. Et j'ai cru que j'allais repartir sans. Et en plus, que de toute façon, mon âme était perdue pour toujours. Pourquoi? Ah oui, parce que vous parlez de votre... Voilà. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Ça fait quand même ça fait quelque chose. Hein. Ouais. Madame Charles, on peut peut-être, pardon Jean-Luc, on peut peut-être la différer. Quoi, l'absolution? L'absolution. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, ça. Ah, vous voyez que ça vous est arrivé dans la... Pas de refuser de différer, mais je l'ai donné après. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit à la personne, dans ce que tu vis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quel était le problème posé? Dans ce que tu vis... Sinon, on ne comprendra pas. Je m'arrête là, alors. Arrêtez-vous là, alors. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux prêtres en général? Aujourd'hui, aux prêtres d'aujourd'hui en général? Alors, les prêtres d'aujourd'hui, je leur reproche de ne pas être assez disponibles, de ne pas suffisamment prier, de donner des priorités justement à des tas d'activités, d'actions sportives, de jeunes. Bon, c'est sympa, c'est super. Il faut bien qu'ils vivent quand même, qu'ils aient une vie. Oui, qu'ils vivent, mais qu'ils soient disponibles. Vous voyez, quand on rentre dans une église, qu'on trouve un prêtre. C'est pas beaucoup demandé. Mais je pense que le prêtre est au service, bien sûr, de Jésus-Christ. On n'en a pas parlé tellement, d'ailleurs. Oui, merci, vous en avez parlé un petit peu. Et puis, tout de suite après, au service des hommes. Et encore plus au service des pécheurs. Parce que vous savez, Jean-Luc, dans l'Évangile, c'est marqué, il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis égarée qui revient dans le package que pour les 99 autres qui sont restés. Eh bien, j'aime beaucoup ça. Ouais, je comprends. Votre attente que les prêtres soient disponibles, qu'on puisse en trouver dans les églises. Le problème, c'est toi, tout à l'heure, tu disais, tu as 17 églises. Ouais. Alors, je suis sûr qu'il donne tout son temps, puis il ne s'amuse pas, il donne tout son temps pour sa paroisse, pour les gens qu'il rencontre, mais il y a tellement de travail à faire qu'il est bouffé par ce qu'il fait. Et je suis sûr que malgré ça, il trouve le temps de prier et le temps d'accomplir son ministère. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Bien sûr. Je crois que pour un prêtre, c'est très douloureux de vivre cette chose, parce qu'on a envie d'être toujours disponible, on donne le meilleur de soi-même, on court,
Et puis en fin de parcours, quand on discute avec les gens, alors on est présent avec ceux qui sont engagés dans l'Église, parce qu'on les voit toujours pour les réunions, pour les préparations, pour les sacrements. Et puis c'est vrai que quand on discute un peu, on s'aperçoit que finalement, au bout du compte, il y a très peu de personnes satisfaites. Parce qu'on ne peut pas être partout. Mais je crois que Jésus a dit « quitte tout et suis-moi ». Mais oui, mais il faudrait alors qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est un don total. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est que l'Église ne repose pas que sur les prêtres. C'est vrai que, bon, moi j'ai 17 églises dans ma paroisse, mais si on regarde 30 ans en arrière, dans la paroisse où je suis, il y avait 7 ou 8 prêtres. Maintenant, je suis seul comme prêtre. Mais les 7 ou 8 prêtres assuraient entièrement le catéchisme. Maintenant, il y a 59 personnes qui font le catéchisme. C'est une autre façon de vivre l'Église. C'est des gens qui se sont mis en route, qui ont accepté de prendre des responsabilités, qui vivent profondément leur foi et qui se réalisent en accompagnant les enfants et qui le vivent très profondément. Mais qui ne vont pas jusqu'à l'engagement qui est le vôtre, à savoir... Tout le monde, grâce à Dieu, n'est pas appelé à être prêtre. Non, mais il y en a de moins en moins, c'est quand même un problème. Il y a quand même un truc qui est dommage, c'est que c'est vrai que dans l'Église aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent leurs responsabilités, il y a de plus en plus de baptisés qui s'engagent pour annoncer, pour témoigner, pour servir l'Église. Dans le même temps, et c'est malheureux, il y a de moins en moins de prêtres, il faut peut-être arriver à se demander pourquoi, et ça fait que les prêtres, eh bien, ils arrivent pas à faire face à tout. Mais je crois que c'est malheureux. Vous êtes dans la Somme. Alors, oui. Je connais le curé du Crotoy, moi, très bien. Le Crotoy, c'est la bête Somme. Hein. Je connais celui d'avant. Bon. Alors, on avait des messes d'enterrement avant. Maintenant, on n'en a plus. Le curé expliquait dans un petit bulletin paroissial que finalement, la messe d'enterrement n'était pas importante, vous voyez. Alors, c'est même plus à portée de cassette. Non, mais c'est pas partout comme ça. C'est qu'il y a plus de messe. J'ai malheureusement enterré ma grand-mère il y a un peu plus d'un an maintenant. Non, il y a une petite réunion de laïcs. Ah non, il y avait une messe. Dans le temps, Jean-Luc, vous datez. C'est fini. Non, mais je vous parle d'il y a un an. Ah, c'est dommage que je n'ai pas apporté le bulletin. Non, mais attendez. Je vous assure. Ah non, mais ça peut arriver, mais en fait, il ne faut pas jeter. Il n'y a plus de messe. Crotoy, ça soit comme ça maintenant. Non, mais Crotoy est ailleurs. On va enchaîner un petit peu en gardant la présence de Laure qui nous apporte beaucoup de vie sur ce plateau. Je vous en prie, vous n'êtes pas obligé de m'emmercier comme ça, s'il vous plaît. Ne m'emmerciez pas comme ça, s'il vous plaît, madame. C'est indien, ça, Ah, oui, c'est ça, oui, c'est Thaï, oui, d'accord. C'est le salut indien. D'accord, très bien. Oui, tout à fait. Dites-moi, vous préféreriez une église et des prêtres qui soient plus proches de ce qu'ils étaient à l'époque de votre jeunesse, c'est-à-dire il y a 3-4 semaines à peu près, ou est-ce que vous préféreriez des prêtres qui agitent l'enfer, qui agitent le diable, qui font peur avec des vieilles références comme celle-ci, ou vous préférez des prêtres qui sont plus inscrits dans la vie contemporaine, qui s'intéressent à Internet, qui s'intéressent au foot, pour pouvoir mieux comprendre ceux à qui ils s'adressent. Le pape est sur Internet, oui. Il a un site. Oui. Il faut être branché, vous savez, Jean-Luc, c'est obligatoire. Non, mais, qu'est-ce on peut faire les deux, je crois. Je crois. Le rêve, l'idéal, c'est ça. Ce sont des prêtres engagés, des prêtres près des gens, et des prêtres à la fois qui sont sur Internet, mais qui se donnent un temps de prière quotidien, qui savent dire leur messe sans se dire, zut, 20 minutes, c'est trop long, c'est l'horreur, il faut que je file, parce que bon... Et c'est pas possible, ça. Il faut cette disponibilité et ce modernisme, c'est très bien. Je donne la parole maintenant à Robert Rochefort, qui est sociologue et directeur du CREDOC. Où êtes-vous? Bonsoir. Bonjour. Monsieur, si vous voulez vous lever pour qu'on vous voit mieux dans cette assistance. Est-ce que vous pensez que les critiques émises par Laure Charpentier, qui est derrière moi, sont en partie une explication à la crise que rencontre aujourd'hui l'Église? Écoutez un peu, oui. Parce que, en fait, quand on regarde... D'abord, il faut dire que les attentes de la société à l'égard des prêtres sont considérables aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on interroge les gens, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent « il faut des prêtres, on veut des prêtres ». Quand on leur demande « pourquoi vous voulez des prêtres ?», ils disent les deux choses à la fois. Alors on peut dire que ce n'est pas contradictoire, c'est vrai. En théorie, ce n'est pas contradictoire. Ça l'est un peu quand même. Vous avez toute une partie de gens, comme vous, madame, rappelez-vous au Brassens, sans le latin, la messe nous emmerde, qui disent, nous voulons le retour à une tradition très forte, nous voulons le sacré. Enfin, on n'a pas eu le mot du sacré jusqu'à présent, mais pour beaucoup de gens, le prêtre est celui qui va être le porteur du sacré dans la société. Donc, quelque part, quelqu'un qui est quand même un peu éloigné, qui est en distance, si vous voulez. Et de l'autre côté, on veut un prêtre copain, complice de la vie quotidienne, d'une façon telle qu'on ne le voulait pas dans le passé. Dans le fond, dans le passé, on n'avait pas besoin d'un prêtre qui soit à ce point impliqué à côté de nous dans tous les aspects de la vie, jusqu'au partage peut-être des terres à mettre en jachère. Alors, il faut bien voir que ça, c'est quand même pas facile. Depuis le début, vous avez beaucoup parlé et insisté sur la question du célibat. Moi, je pense que du point de vue de la vie quotidienne, du point de vue de ce qu'on attend, cette
rencontre entre cette exigence de ne pas déserter, j'allais dire, l'Église en tant que bâtiment, et l'autel, et la célébration, et en même temps d'être dans la vie quotidienne tout le temps auprès des gens, ben je crois que c'est vraiment pas facile. L'autel ne s'écrit pas de la même façon dans ce cas-là. Monsieur, à propos de ce que les... Il ne faut pas toujours s'attacher aux statistiques et à ce que les Français expriment, parce que ce n'est pas toujours la vérité d'abord. Les gens, par exemple, disent apprécier ce que fait la personnalité du pape, mais ne pas être d'accord en majorité avec ses convictions. Ah non, 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 non. Sur le pape, c'est très très simple. Il y a vraiment, du point de vue de l'approbation, enfin là-dessus, d'ailleurs, les enquêtes sont extrêmement faciles à lire. Il y a une approbation totale de tout ce que fait le pape, sauf sur un sujet, qui est, tout ce qui concerne la morale sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a un clivage très très fort, que l'on retrouve d'ailleurs au niveau de l'Église, mais qui est beaucoup plus fort sur le pape. Tout ce que, par exemple, le pape fait pour ce qui est la dénonciation des injustices sociales, pour aller vite, la dénonciation de la misère d'un certain pays du Sud. C'est très apprécié. Tout ceci est très apprécié. Y compris par les laïcs. Oui, et y compris par l'ensemble de la société, y compris par les autres hommes politiques, je dirais, qui reconnaissent au pape cette autorité-là. Et par contre, là où effectivement il y a un rejet, je crois qu'il faut le dire comme ça, d'ailleurs un rejet qui s'exprime aussi sur certains aspects de la morale sexuelle de la part des gens qui sont à l'intérieur de l'Église et des gens qui sont des catholiques pratiquants, notamment en ce qui concerne, je dirais, la contraception, le préservatif, etc. Là, il y a effectivement une contestation, l'avortement aussi. De la position. L'avortement, c'est écrit noir sur blanc dans la nouvelle encyclique. Oui, mais l'avortement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que les catholiques pratiquants, ceux qui vont dans les églises, sont partagés. Un grand nombre sont d'accord avec le pape sur ce qui est dit. Tandis que sur la contraception, beaucoup de catholiques sont beaucoup plus critiques à l'égard d'un discours, qui d'ailleurs est un discours, si on regarde, le pape a peu parlé du préservatif. Ouais. Il a peu parlé de... On lui prête beaucoup de paroles sur une opposition au préservatif. Ouais. Ceci étant dit, quand il en a parlé, c'est vrai qu'il n'a pas été favorable, il faut le reconnaître. Mais j'ai une petite histoire à ce sujet qui pourrait peut-être intéresser. Une fiancée qui se préparait au mariage. Et alors on lui a... C'était un couple qui faisait l'enseignement et qui a fait l'enseignement et qui a parlé justement des méthodes de régulation naturelle des naissances et qui a dit un peu la pensée de l'Église sur la contraception, comme vous en parlez. Et alors, après ça, elle est venue nous trouver et puis elle nous a dit, vous savez, moi je suis alors absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'aurais pas été contente du tout que vous le disiez pas. Oui. Alors c'est un peu ça le paradoxe. C'est ça, même, c'est le paradoxe. C'est les gens ont quand même besoin du point d'ancrage et de... Oui, ils ont besoin de savoir. Oui. Une dernière question, que pourrait faire selon vous, selon ce que vous observez la société, que pourrait faire l'Église pour essayer de faire remonter les vocations? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Église de France, il y a à peu près, je pense, entre 110 et 120 prêtres nouveaux par an, ordination. Il en faudrait 600 pour qu'on renouvelle le nombre de prêtres. Je crois qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure et qui me semble également très important. Il reste du temps devant nous. Oui, encore, mais c'est le vieillissement du clergé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des prêtres en France doit se situer entre 67 et 70 ans, ce qui est vraiment très élevé. Alors, ça veut dire ils n'ont pas la retraite obligatoire à 65 ans, eux. Vous savez, ce n'est pas un métier d'être prêtre. C'est ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se définit. Normalement, on reste prêtre jusqu'à tant qu'on puisse, quoi. Mais cet âge élevé a deux conséquences. La première conséquence, c'est que dans les 10 ans qui viennent, la baisse va être spectaculaire. Là ? La baisse du nombre de prêtres, puisque évidemment, la moyenne d'âge étant aujourd'hui à presque 70 ans, il est facile de comprendre que dans 10 ans, beaucoup de prêtres seront cette fois-ci très âgés, et j'allais dire à la retraite fait. Est-ce que les prêtres peuvent disparaître alors qu'on... nous annonce un siècle plus spirituel que jamais. Je crois qu'André Malraux ne s'était pas trompé il y a quelques dizaines d'années quand il avait dit ça. On souffre aussi, enfin je pense que l'Église catholique en tout cas doit constater qu'elle n'a plus le monopole de la religion, qu'il y a d'autres religions. Je ne parle pas des sectes, je parle des vraies religions qui sont en train de monter en puissance, 700 000 bouddhistes en France par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer, vous pensez à terme, qu'il n'y ait plus de prêtres en France? Non, je ne crois pas qu'il n'y aura plus de prêtres en France. Les prévisions les plus catastrophiques disent que tout de même, en 2005, il restera 10 000 prêtres en France. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait il y a quelques dizaines d'années. 25 000 aujourd'hui. Mais, non, aujourd'hui... 28 000. Oui, c'est-à-dire que... 28 aujourd'hui. 28. Aujourd'hui, 28, c'est en intégrant ce qu'on appelle... Vous les comptez un par un, non? 28, c'est en faisant le total des prêtres qui sont les prêtres de diocèse, enfin les prêtres... et puis les prêtres religieux qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés en remplacement de prêtres de paroisse. Il y a combien de prêtres qui font la messe? Il y a combien de prêtres qui font... Font la messe, il y en a 28. Mais d'accord. De prêtres qui sont des prêtres de diocèse, des prêtres diocésains, il y en a un peu moins de 17 000, je crois, actuellement. Ou 18 000 à peu près, cet ordre de grandeur-là. Alors, il y aura des prêtres demain. Probablement que ce sera différent, probablement que ce sera aussi souvent des ordinations de gens plus âgés qui viendront à côté des prêtres jeunes d'aujourd'hui. Il y en aura en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais il est sûr
que, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une diminution très forte du nombre de vocations chez les jeunes, c'est quasiment parallèle avec la baisse de la pratique religieuse chez les jeunes. C'est-à-dire que l'Église catholique en France est une Église qui est âgée, on le disait tout à l'heure, même quand il y a des concerts de rock dans les églises, au premier rang, ce sont des gens de 60 ou 70 ans. Et en réalité, le nombre de jeunes séminaristes est faible, mais il est presque à l'image du nombre de jeunes qui vont dans les églises. Le taux de pratiquants réguliers chez les jeunes aujourd'hui, chez les adolescents, les jeunes adultes, est probablement de l'ordre de 3 à 4 %. Vous êtes en train de nous parler d'une, si vous permettez l'expression, d'une race en voie de disparition. Non, quoi. Je suis en train de dire... En voie de disparition, en voie d'extinction. Oui, d'abord, il est vrai que... Oui ou non? Oui, il est vrai, attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'il est vrai que les prêtres portent cette question. C'est-à-dire que les prêtres, entre eux, des fois s'interrogent en se demandant, mais est-ce qu'on n'est pas les derniers des Mohicans? Ça, c'est vrai que c'est une angoisse des prêtres. Je veux dire, ce serait pas exact de dire que les prêtres ne portent pas cette interrogation, on se dit, surtout les plus âgés d'entre eux. À la limite, les plus jeunes sont rentrés dans une église qui était comme ça. Les plus âgés ont été ordonnés à tout à fait une autre époque. Et quand ils arrivent à 60, 70 ans, ils se disent, ben, dans le fond, effectivement, est-ce qu'il y aura encore des gens derrière nous? Mais ce que je veux simplement vous dire par rapport à la question des prêtres, c'est que je crois qu'il serait illusoire de penser qu'il y aurait 4 ou 5 fois plus de jeunes qui aujourd'hui auraient la vocation de rentrer dans un séminaire, s'il n'y avait pas à côté de cela, je dirais, une augmentation de la pratique religieuse auprès des jeunes en général. Si mais est-ce que ce ne sont pas les jeunes prêtres qui vont attirer les jeunes gens dans les églises? Après, c'est... C'est un ensemble. C'est un cercle qu'on peut prendre dans les deux sens. Merci Robert, du Credo. Moi, je voudrais, si je peux dire, rebondir sur ce qu'il vient de dire aussi, c'est que ces statistiques sont très franco-françaises, si je puis dire. Oui. Non. Attendez. Je suis désolé, les statistiques là, on les regarde, elles sont européennes. Excusez-moi, je pourrais terminer, si je peux juste terminer. Pas la bataille des chiffres. Non, je peux dire, ce que je veux dire, c'est que dans le monde, il y a des phénomènes qui sont très, très différents et qui font que le problème est beaucoup plus large que ça. Et qu'on ne peut pas dire, vous savez, c'est le vase communicant. Autrefois, en Europe, il y avait beaucoup plus de prêtres qu'en Asie ou qu'en Afrique, et maintenant, il y en a plus en Afrique qu'en Asie. Mais je dirais que, surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est levé, et ça, c'est un phénomène nouveau dans l'Église, et c'est très important parce que ça va peut-être jouer sur les vocations dans les années qui vont venir, un phénomène nouveau qui est cette émergence d'hommes et de femmes qui se sont lancés dans l'évangélisation, qui se sont lancés dans l'annonce de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, de l'amour de Dieu pour le monde, et que cette nouveauté est même tellement forte que le pape a appelé ça un nouveau printemps pour l'Église à la Pentecôte dernière. Eh ben, vous voyez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire... Lance le générique de fin, on va se coucher? Non, on ne va pas se coucher, mais on va pas regarder tout en noir et blanc. Ouais. On va regarder ça avec plus de nuances et on va essayer de se dire de qu'en effet... De ne pas être manichéen, effectivement. De ne pas être manichéen et de se dire qu'en effet, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Bien sûr. Et qu'il faut qu'on saisisse aussi. Il se passe quelque chose, vous avez l'impression? En ce moment, il se passe quelque chose, vous qui êtes un futur jeune prêtre. Comparez la moyenne d'âge, Robert? Aujourd'hui, c'est 67, 68 ans. Vous faites moins. Mais en France et en Europe. Oui, en France et en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense qu'il y a un certain frémissement. Il y a beaucoup d'ordres, entre guillemets, parce qu'il y a les prêtres diocésains, comme ici. Moi, je suis un prêtre qui est destiné à être diocésain, c'est-à-dire dans le monde, séculier. Et là, on n'est pas très nombreux. Ça n'attire pas tellement les gens. Peut-être la peur du monde. Alors qu'il y a des ordres, je ne les cite pas, mais il y en a plein, où l'esprit est plus religieux et qui recrute plus qu'un prêtre diocésain. Et là, il y a un frémissement. Parce qu'il y a une montée quand même de la spiritualité, non? Tout à fait, Robert. Tout à fait. Attendez, je crois que c'est en particulier ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, non, mais pas à travers le monde, je parle en France notamment. Non, attendez. Par rapport à la France, ça fait un certain temps qu'on parle de la montée de la spiritualité. Oui. Est-ce qu'elle existe ou pas? Honnêtement, elle n'est pas très repérable. D'accord. À une échelle qui est une échelle très grande. C'est-à-dire qu'il y a des retours. Par exemple, le retour aujourd'hui le plus frappant, ce n'est pas au niveau des jeunes, c'est le retour très très fort des jeunes retraités, des gens qui ont plus de 60 ans, qui redeviennent, des jeunes, je dirais, des piliers d'église. Oui. Aujourd'hui, on parle depuis quelque temps du retour de la spiritualité chez les jeunes. Honnêtement, globalement, elle n'est pas encore observable. D'accord. Peut-être qu'elle le sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait exact. D'accord. De dire ça. À grand nombre, puisque monsieur fait des analyses à grand nombre, effectivement, elle n'est pas observable. Il me semble, moi, qu'autour de moi, ce sont des préoccupations qui sont plus nombreuses, plus présentes qu'il y a une dizaine d'années. Bien sûr, les préoccupations, c'est exact. De même que vous savez que de tout temps, depuis, je dirais, 40 ou 50 ans, à chaque fois qu'on demande aux gens est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous êtes intéressé par les questions spirituelles, eh bien, il y a toujours une majorité de gens qui disent oui. C'est-à-dire que même dans les années 70 ou les années 80, c'était le cas. La difficulté se situe plutôt dans le rejet ou dans le refus de porter ça d'une façon collective et de faire confiance à une institution qui s'appelle en l'occurrence une église
pour faire un bout de chemin avec elle. Et c'est là où, pour l'instant, il y a encore un certain décalage, il faut le reconnaître. Donc le décalage ou le divorce, il n'est pas avec, la foi, il est avec l'Église. C'est ça. Il y a un peu une méfiance, je crois, Jean-Luc, il y a une méfiance de toutes les institutions qui sont dans notre société, qu'elles soient politiques, sociales, qu'elles soient religieuses, parce qu'elles présentent un peu des visages, des structures qui ne plaisent pas aux jeunes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de corruption, etc. C'est... Pas dans l'Église. Bah oui, justement, je pensais... Pas dans l'Église, mais méfiance d'institutions, en général. En revanche, ce qu'on observe, je crois, en accompagnant des jeunes, c'est leur goût pour la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que chez nous, autrefois, on ouvrait très peu la Bible, contrairement à nos frères protestants. Mais là, il y a un intérêt très fort, et il y a actuellement, un peu partout en France et en Europe, des constitutions d'écoles de la parole où on se met ensemble à lire la Bible. Et là, il y a un souffle qui envahit les jeunes, qu'on ne retrouve pas dans nos églises, c'est vrai, et on peut le regretter, et c'est certainement quelque chose pour nous à entendre très fort. Mais en même temps, dès qu'on leur fait signe, avec de la beauté, avec de la joie, un peu comme les Journées mondiales de la jeunesse l'année dernière. Alors je crois qu'ils viennent, ils sont là. Il y avait quand même 700 000 jeunes Français qui étaient venus l'année dernière. Qui étaient venus à Longchamp. Qui sont des... Ah, vous parlez des GMJ, là? Oui. Oui, bien sûr. Patrice, vous êtes à nouveau séminariste. Vous êtes à nouveau séminariste, Patrice, 12 ans après avoir essayé, abandonné pour un boulot de société civile, un boulot de cadre commercial pour être précis. Est-ce que vous allez devenir prêtre? Je vous pose la question, je l'ai posée au début de l'émission. Oui, j'ai envie de devenir prêtre. Vous pensez, vous pensez que ça va se faire? Oui, je pense que ça va se faire. On va regarder ce reportage, devenir prêtre ou pas. En fait, telle est la question que se posent ceux qui habitent à vos côtés, ceux qui partagent l'espace où vous êtes en ce moment, la maison des vocations de Poitiers. Pour ces jeunes que nous allons voir donc, dans ce reportage de Jean-Marc Borde et Benoît Grimont, la question n'est pas encore tranchée. Je pense que vous en parlez ensemble. Et ce qui est encore plus frappant dans ce reportage, c'est qu'on va voir que peuvent cohabiter personne comme vous, qui a connu une vie de cadre commercial, qui fait du sport, qui a un profil assez classique, mais également des scouts d'Europe. Ceux qui connaissent les scouts d'Europe savent qu'ils ne sont pas reconnus par le scoutisme international. Et également quelqu'un qui ressemble plus, je dirais, à Bob Marley qu'à Jésus-Christ. Ça fait quelque chose d'assez particulier, qui est donc cette maison des vocations que nous allons découvrir par votre intermédiaire. Le reportage. Voilà. En fait, je voulais vous montrer l'inscription qu'il y a au-dessus de la porte de l'église. Une inscription qui m'a toujours, enfin qui m'a au début paru très curieuse. C'est « Espère en Dieu quand même ». Et on voit une mère tourmentée. Et la première fois que je suis venu dans cette chapelle, qui est cachée de la rue, j'ai pas compris. Je me suis dit vraiment, celui qui a fait ça, il devait pas avoir une foi terrible. Il a fallu que j'aie de grosses difficultés dans ma vie, que je comprenne ce que ça voulait dire être désespéré, être angoissé, déprimé. Penser qu'il n'y aura pas de lendemain, pour que je comprenne ce que ça voulait dire, en fait. Pour moi, c'était une parole vraiment révélatrice. Comment allez-vous? Très bien, la peine fort. Et vous? Moi, ça va très bien, je grandis toujours, ça va. Vous grandissez, c'est bien. Entré une première fois au séminaire à 23 ans, Patrice a dû le quitter au bout de 3 ans. Il se sentait trop jeune. Aujourd'hui, après 12 ans d'une vie de cadre commercial, négociateur de contrat, il emprunte une voie plus en harmonie avec ses valeurs morales et redevient séminariste à 38 ans. C'est au contact des sœurs franciscaines du 15e arrondissement de Paris, chez qui il venait à la messe chaque dimanche, qu'il a définitivement trouvé sa voie, illuminé, dit-il, par le rayonnement de leur foi. Je venais tous les dimanches à la messe, alors vous savez, c'était beau de voir un jeune à la messe. C'est parce que des jeunes, il y a des grands-mères et des grands-pères à la messe, mais des jeunes... Ben oui. Vous pensez que vous avez joué un rôle, mes sœurs, dans la vocation de Patrice? Oh, enfin, je ne sais pas, c'est le Seigneur, alors là je ne crois pas trop, hein. Parce qu'une vocation, c'est autre chose, c'est plus fort que ça, hein. Ça vous tire. Moi, je disais non, je ne veux pas tirer. Mais à force de tirer, je suis arrivée là. Vous êtes heureuse? Oh oui, très heureuse. Seulement, les premiers jours, ça coûte de partir, quitter sa mère. Vous avez quitté sa mère. Quand on a sa mère, hein, quand on quitte sa mère, c'est très douloureux. Hein. Vous êtes de la merde dans un... Les parents de Patrice, très pratiquants, l'ont laissé libre de son choix et se sont résolus au célibat de leur fils comme au fait qu'il ne sera jamais papa. C'est aussi grossier. J'ai pas la mentalité d'un grand-père, je m'en vois pas là, gagatisant. Pas du tout. Ah bon, je suis resté à 30 ans. Hein. Je ne serai jamais grand-père. Et vos petites amies, elles ont bien compris? Mon fan club. Le premier n'était pas avec elles. Mon fan club, c'était terrible. Je crois qu'il y a eu 2 suicides,
Deux ont pris le voile et la troisième est devenue folle, la quatrième est devenue folle, mais... Ben, y en a qui ne me disent plus rien d'abord, donc ça c'est réglé. C'est-à-dire que là, ça a été la cassure nette. Et pas du moment où je suis rentré au séminaire, c'est fini. Y a plus d'espoir de mariage. Donc pour certaines personnes, c'est la cassure. Je dirais que ce qu'on dit à l'heure actuelle, hein, chacun vit sa vie, si ça peut te rendre heureux, vas-y. Bon, je crois que ça a été ça. Vous pratiquez la chasteté avant de prononcer vos vœux ou pas? Ah, on s'entraîne avant, oui, oui. Oui, parce qu'on ne commence pas à être chaste juste le jour de l'ordination. Sinon, c'est mal parti. Pour moi, je dirais, ça fait partie de ma chasteté. Alors d'autres ont d'autres choses, hein. Il y en a peut-être qui collectionnent les timbres postes et ça les défoule. Moi, j'avoue, c'est faire 5 km au rameur, 10 km à vélo qui me font du bien. Je crois que c'est Saint-Antoine qui, lorsqu'il avait des tentations un peu fortes, se plongeait dans de l'eau glacée. Je crois que Saint-François se plongeait dans des buissons épineux ou l'inverse. Ben moi, je fais des kilomètres. Ça fait moins mal. C'est à Poitiers, où il passe la moitié de la semaine, que Patrice fait son séminaire. Les quelques séminaristes qui étudient avec lui sont un peu perdus dans ces locaux surdimensionnés aujourd'hui. La mémoire de la maison dit que jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, il y avait une bonne centaine de séminaristes. Et ici, c'était le réfectoire des séminaristes avec l'emplacement pour le lecteur. Et les prêtres du diocèse ont connu ça. Et aujourd'hui, ils sont combien à manger? Aujourd'hui, on est 14. Et la première fois qu'il est entré dans ces murs, il y a déjà 15 ans, Patrice n'a pas pu supporter longtemps une vie trop éloignée des préoccupations des jeunes de son âge. Le séminaire, à l'époque, m'a étouffé. C'est-à-dire, on est passé par des grands couloirs, des petites cellules. Et moi, je sortais de la fac où j'avais une vie plutôt joyeuse, des voyages, des sorties, etc. Et j'étais assez malheureux. Alors donc, je suis parti en disant à mon supérieur, mais écoutez, moi, je veux savoir ce que c'est travailler. Et je lui ai dit, je pars 2 ans. Et puis, j'ai dérapé pendant 12 ans, en fait. Voilà. Et puis, Dieu m'a rappelé quelque part et Patrice, le retour. La vie austère des séminaristes explique sans doute en partie qu'ils sont si peu nombreux, même si aujourd'hui ils ne vivent plus cloîtrés. Le fait que vous soyez tous, à une exception près, habillés de façon un peu sombre, c'est hasard ou pas? Quelle exception? On est toujours comme ça. Hein. Non, on n'est pas tous là aussi. Hein. Non, puis on n'est pas toujours sombre comme ça non plus. Contrairement aux autres séminaristes, Patrice réside à la maison des vocations de Poitiers. Il vit en communauté avec 5 jeunes hommes très différents qui réfléchissent pendant 1 an à la même chose, ce qu'ils peuvent apporter à l'église. Salut Charles-Antoine. Bonjour. Oh, on travaille ? Charles-Antoine le rebelle. Qu'est-ce que tu fais ? La génétique. La génétique, mon Dieu. On croise des souris. Homozygote ? Oui. De phénotypes différents. Je sais même plus ce que ça veut dire. Marc, le contestataire. Voilà. Marc ? Voilà, le contestataire. Ouais. Salut, ça va ? Oui, bien. Comment ça va ? Pareillement. Tu veux qu'on regarde sur Internet maintenant ou pas ? Je prends 2-3 documents. Ok. Pour noter un truc ou pas. On se fait manger, c'est bon. Oh. D'habitude, c'est le gros bordel ici, mais bon. Oh, jamais, tu exagères. Par rapport peut-être à d'autres séminaristes ou à d'autres personnes, Patrice est pleinement homme parmi les hommes. Il n'est pas... vous voyez quoi, il est comme les jeunes de son âge, quoi. Il est adapté à la société, quoi, par rapport à d'autres. On essaye. Voilà. Et c'est un modèle pour vous, une référence en tout cas, par rapport à ce que vous envisagez peut-être pour l'avenir ? Non, je n'irai pas jusqu'à... Parce que ça va le flatter et puis faut pas lui en faire trop non plus. Non, c'est un exemple. C'est un exemple de chemin qui est intéressant. Les jeunes de la maison des vocations sont loin d'avoir tous le même profil. Louis, 23 ans, est scout d'Europe. La cohabitation avec Charles-Antoine, 19 ans, adepte de Bob Marley, se passe plutôt bien. L'un et l'autre sont là pour réfléchir sur la concrétisation de leur vocation. À travers le scoutisme où je suis baigné, à travers les prêtres que je rencontre, à travers le service à l'hôtel, parce que j'étais enfant de cœur jeune, enfin, il y a toute cette ambiance qui m'amène à ce désir. Je pense à être prêtre,
Mais avant d'être prêtre, avant de rentrer au séminaire, bon, est-ce que ce que je pense, est-ce que c'est moi, c'est ma volonté dans le sens où c'est vraiment, où c'est, si c'est pour me faire plaisir, ou si c'est dans ce cadre-là, ou si c'est Dieu qui m'appelle? Bah pour l'instant, je dirais qu'il y a au même niveau prêtre et marié, quoi, le mariage. Mais c'est vrai que moine, je me vois pas du tout moine. Religieux, je le sens pas non plus. Mais cela dit, dans 6 ans, ça se trouve, je serai moine, quoi. Le problème, c'est que les gens pensent que le prêtre, ce sera forcément quelqu'un, entre guillemets, de coincé, entre guillemets, de... Voilà, quoi. Alors que Louis, par exemple, il est pas coincé du tout sur certains sujets. Sur certains sujets, oui, non, c'est vrai. Ah, bien sûr. Bah, je continuerai à jouer de la guitare, je continuerai à bien aimer Bob Marley, je continuerai à écouter de la musique, entre guillemets, jeune. Et où, monsieur le curé? Monsieur le curé, monsieur le curé qui arrive, monsieur le curé qui... C'est Jean-Paul Russel, le curé de la paroisse, qui a la charge de la maison des vocations. Elle a été créée il y a 2 ans dans son presbytère, à la demande de l'évêque, pour tenter d'enrayer la crise des vocations. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même adultes, la génération de ma génération, quoi, grosso modo, l'église apparaît souvent ringarde, quoi. Moi, je crois qu'il y a un problème d'image de l'église, aujourd'hui, dans la société. Ce soir, c'est la rentrée avec la première messe de la fac. L'occasion pour Patrice d'endosser son costume de scène, l'habit ecclésiastique et de servir la messe à l'autel en attendant de la célébrer lui-même en tant que prêtre. Voilà. Ça va, c'est droit ? Non, ça peut aller. Mais enfin, faut reconnaître qu'il ne faut pas demander l'impossible. Bienvenue, mais c'est plus cher. Est-ce que tu as le trac, Patrice, avant une messe ? Non, enfin, rarement, en fait. Là, je remets tout au Seigneur. Voilà. Alors, non, c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Bah, c'est ce reportage, très beau. Et la façon dont Patrice... Il n'est pas coincé, je suis ravi. Ouais. Mais il a un pull orange quand même. Hein, ouais. Non, jaune. Non. Ah, jaune. Jaune. Ouais. Il a un drôle de pins aujourd'hui. Hein. Oui. Hein. Je ne demande pas de gros plans parce que c'est une marque. C'est de la pub. Absolument. Le fait de ne pas apprécier certains travers de la vie laïque est-il une raison, je dirais, nécessaire pour, pas retomber, mais pour se diriger vers la vie religieuse? Ah, pas du tout, on ne fait pas ça par dépit. Hein. Non. On fait ça par amour. Moi, j'ai été heureux dans le monde, hein, enfin dans le monde, j'y suis toujours dans le monde, j'ai été heureux dans l'entreprise, bien que l'entreprise ait ses limites. Hein. J'ai beaucoup appris dans la vie d'entreprise. Les faux licenciements, les coups bas, les adjoints qui vous tirent dans le dos, c'est très instructif, on apprend plein de choses. Ouais. Et je dirais, ça me renforce. Ça n'existe pas dans l'Église, ça? Certainement. C'est humain, hein, c'est humain. Mmh. Donc là, comme disait ma grand-mère, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors à partir de là, il faut s'y faire. Hein. C'est pas mal, celle-là. Voilà, le tout, c'est de résister, quoi. Oui. Mais justement, c'est ça qui m'a appris. C'est justement peut-être tous ces coups bas, toutes ces difficultés qui m'ont fait me diriger vers le séminaire, en ce sens que je me suis dit, dans la vie, souvent, on apprend aux gens à être par terre, à ramper. On veut faire de nous des rampants, en fait. Notre société, c'est ça. Alors que le christianisme, c'est pas ça. Le Christ, c'est pas ça. Le Christ, il veut faire de nous des hommes debout. Et moi, j'ai envie d'être debout et j'ai envie d'aider les gens à être debout. Je veux pas faire des rampants et je veux pas être un rampant. Vous pensez que l'Église met plus les gens debout, élève plus les gens que le monde de l'entreprise? Le Christ met les gens debout. Plus que le monde de l'entreprise? Certainement, ouais, certainement. Oui. En quoi le fait d'avoir vécu une vie d'adulte avant d'entrer au séminaire vous rend différent des autres séminaristes? Dire que c'est la maturité, ça sert à rien. Non, quand je suis entré au séminaire à 23 ans, j'étais jeune, je me suis trouvé dans un grand bâtiment triste et sombre. Au bout de 3 ans, j'avais perdu 15 kilos et le sourire. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de rester. Et d'autres sont très heureux, ont vécu ça très très bien. Moi, j'ai mal vécu. D'être dans le monde, ça m'a permis de rencontrer les autres, de rencontrer l'amour, de comprendre les difficultés des autres. Moi, j'avais fait le bac, l'armée, le séminaire, enfin, les études en plus. Je n'avais rien connu de la vie. Par rapport à madame, la vie pour moi, c'était un vrai conte de fées. Hein. Tout était beau, tout le monde était gentil. D'avoir été dans le monde, d'avoir vu les difficultés, d'avoir eu des difficultés moi-même. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai plus eu de métier, j'ai eu une ulcère d'estomac, j'avais plus personne. Soit ça casse définitivement, soit on en sort plus fort. Bon, je pense que j'en sors plus fort. Est-ce qu'on peut avoir un ulcère aussi à l'église? Certainement. Oui. Certainement. Non, c'est pour voir. C'est j'espère qu'il ne va pas se réveiller. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Ouais, j'espère qu'il ne va pas se réveiller. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ah bah, je vous le souhaite, évidemment. Ouais. Merci. Appelez-moi docteur. Amen. Est-ce que vous compensez votre activité sexuelle de ces 12 dernières années avec 3 séances hebdomadaires de sport? 4. Pardon. 4. Je ne prends pas de Viagra, ça va beaucoup mieux.
Non, c'est... Bon, j'ai dit ça sur la boutade. C'est vrai que non, moi, non, il n'y a pas que la boutade. Ouais, c'est ça. Au-delà de la boutade, je pense que le célibat, c'est un vrai problème. Et si on pense que ce n'est pas un vrai problème et qu'on l'a résolu une fois pour toutes, on n'a rien compris. C'est un des dangers du célibat. Croire que c'est résolu une fois pour toutes. Non, ça peut se réveiller un jour. Un prêtre, c'est quelqu'un de sexué, hein, jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a aucune opération avant d'être prêtre. Donc on demeure sexué, capable de désir. Et au contraire, il faut être des hommes de désir. Moi, j'espère tomber souvent amoureux. J'espère continuer à avoir du désir. Parce tomber amoureux de femmes ? Ben oui. Ben oui, ça se fait. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ça se fait. Mais loin de Bernanos. Non, ben oui, exactement. Très loin de Bernanos. Vous espérez un jour pouvoir être un prêtre qui peut se marier ? On en parlera plus tard, ce sera un on en parlera plus tard, mais bon, pourquoi pas si un jour il passe au mari, pourquoi pas, non. Ce qui m'avait beaucoup frappé au séminaire, moi, on m'avait appris qu'un prêtre, ça devait aimer tout le monde. Et en fait, je me suis dit, mais en aimant tout le monde, j'aimerais jamais personne. Et dans l'Évangile, le Christ, il n'aime pas tout le monde. Le Christ, il aime chaque individu en particulier. Dans saint Marc, il dit, il y a un très beau passage où on dit, le Christ posa son regard sur lui et l'aima. Donc le Christ aime chaque individu. Aimer tout le monde, ça ne veut rien dire. Donc moi, j'espère aimer chaque individu. D'accord. Et pas tout le monde. Il y a une nuance. Il y a une nuance très forte. Il aimait Judas. Il aimait Judas, il l'a choisi comme disciple. Même après ? Certainement. Oui. Certainement. Oui. Il était triste que Judas se suicide. C'est ça le drame de Judas, c'est son suicide. Oui. De croire que le Christ ne lui pardonnerait pas. Le Christ lui aurait pardonné. Hein, parce que les 12 disciples du Christ. Mais il faut tout pardonner dans la vie ? 12 disciples du Christ, Saint-Pierre l'a renié. Non, mais est-ce qu'il faut tout, est-ce que vous pensez que nous, qui ne sommes pas des prêtres, des séminaristes, des gens de Dieu, on doit tout pardonner ? Je pense que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. L'amour pardonne tout, c'est saint Paul qui le dit. L'amour excuse tout. L'amour est-ce qu'on doit tout oublier pour autant ? Non, on n'oublie pas. C'est ça. Je pense pas. Non, faut pas oublier. D'accord. Mais on peut pardonner. C'est-à-dire que le venin est parti. On a plusieurs à penser effectivement qu'on peut pardonner, mais qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas. Hein, j'ajouterais peut-être qu'on n'est pas plus homme de Dieu que vous ou que le public qui est là, quoi. On l'est différemment, mais je crois que chacun est homme de Dieu et donc chacun peut pardonner, essayer de pardonner. Mais comme nous, on n'a pas plus de, on n'est pas plus armé pour ça, je crois. Oui, d'accord. On a autant, c'est autant un combat pour nous le pardon et l'amour. Vous êtes quand même plus homme de Dieu que moi, hein, monsieur. Je suis pas sûr. Ah bon. En tout cas, je pense que Dieu vous aime autant qu'il m'aime moi. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis vous savez, évidemment, vous n'avez pas d'instrument de mesure. C'est pas la seconde mesure. Non, on n'a pas les outils pour mesurer. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, on peut rien dire. Mais non, mais c'est ça qui est génial. Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais ah ouais, c'est ça qui est génial parce que du coup, je peux, à chaque fois, mais quelle que soit l'immensité à mes yeux de mon péché, je peux aller me jeter dans les bras de mon Père qui me pardonne. C'est un truc extraordinaire. Et vous avez raison de dire que c'est pas facile. Parce que le pardon, c'est quelque chose de divin. Donc pour nous, les humains, c'est très, très, très difficile. Là, il y a forcément des personnes à qui il arrivait des choses très désagréables de leur vie qui vous disent qu'ils ne pardonneront pas. Non, mais. On ne sait pas ça. On ne sait pas parce que s'ils reçoivent beaucoup le pardon, et bien peut-être que le Seigneur va les aider. Dieu guérit beaucoup de choses dans Mais est-ce qu'il est pour vie. Vous indispensable de pardonner s'ils ont envie de conserver leur rancune, ne serait-ce que par devoir de mémoire, si on se penche sur l'histoire passée. Attendez, j'ai pas dit qu'il fallait oublier, qu'il fallait pas avoir devoir de mémoire pour certaines choses. C'est absolument. Vous pardonnez la Shoah ? Non, ça c'est pas cet ordre-là. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis parlé en train de personne à personne. Ok, vous pardonnez à Adolf Hitler alors. Ah non, moi, s'il me le demande, mais il se trouve que moi, il n'est pas venu me le demander, mais si je ne peux pas faire de différence entre les personnes. C'est pour ça que j'ai été très touché par le témoignage de madame tout à l'heure. Parce que quand vous pardonneriez à Adolf Hitler. Non, s'il vient me demander le pardon de Dieu, et qu'il le demande sincèrement, je lui donnerai le pardon de Dieu, et je serai très heureux de lui donner le pardon de Dieu, parce que je me dis que le pardon de Dieu va le relever, va complètement le transformer, va le calmer, peu à peu, et va le calmer drôlement, parce que dites-nous, il y en avait besoin. L'abbé, vous donneriez Moi, je crois. Bon. Donneriez l'absolution à moi, Hitler. Je crois. S'il y a une vraie demande de pardon et une vraie volonté de changer, il n'y a aucune raison de refuser. Jésus, quand il rencontre la femme... C'est un exemple extrême. Non, mais Jésus, quand il rencontre la femme adultère, il ne lui dit pas... Ah non. Mais enfin, il ne lui dit pas « Tchot, ce que tu as fait, c'est fin bien, mais on va faire comme si c'était rien passé. » Il l'invite à changer. Oui, mais elle a tué personne. Elle n'a pas tué des millions de personnes. Tout homme est capable de changer pour le meilleur. Ah oui, d'accord. Enfin, si Adolf Hitler venait en personne ce soir pour nous dire « Voilà, Père, je m'accuse, j'ai péché, j'ai tué des millions de personnes. » 6 millions de juifs. 6 millions de juifs notamment. « Donnez-moi l'absolution. »
Il faudra qu'on discute, hein. Faut quand même. Ah bah, non, moi je peux pas lui donner. On va pas lui dire ça. Mais alors, si vous, vous, je pourrais dire, il y a quand même une chose. Tout à l'heure, vous différez ou vous vous accordez? Moi, humainement, j'aurais un mal fou à donner le pardon de Dieu à cet homme. Mais en même temps, là, il s'agit de choses extrêmement graves et qui touchent des millions de personnes. Mais cela dit, qu'est-ce qui me fait dire que c'est ça... c'est un homme qui sera face à un autre homme. Ouais, c'est ça. C'est difficile. Il faut d'abord qu'il aille demander pardon aux 6 millions de personnes qu'il a tuées. Alors après, peut-être qu'on pourra lui donner le pardon. Mais comment il va faire pour aller demander pardon? Je ne peux pas lui donner le pardon. Vous donneriez pas, vous donneriez? Dans le changement. Moi, j'aurais tendance à laisser pas trop lui donner. Moi, j'aurais du mal. Vous auriez du mal. Moi, j'aurais du mal. Il y a quelque chose que disait le curé d'Ars. Le curé d'Ars, qui est très fameux, c'est le patron de tous les curés du monde. Il vivait au 19e siècle, dans un petit village d'Ars de 200 habitants. Et la dernière année de sa vie, 80 000 personnes sont venues le voir pour se confesser. Il confessait 20 heures par jour. C'était extraordinaire. Alors lui, il était tout le temps dans son église, je peux vous dire. Et alors, son presbytère était à 15 mètres de son église. Il mettait 3 quarts d'heure pour aller de l'église au presbytère, tellement il y avait de gens qui voulaient le voir. Qu'est-ce qu'il disait sur le péché? Parce qu'il en connaissait un bout. Il disait, et non pas pour minimiser le péché, mais il disait, le grain de sable de notre péché est la montagne de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est ça dont il s'agit dans le pardon que je donne, moi. Je ne me donne pas moi, ce n'est pas moi qui donne mon pardon. C'est le pardon de Dieu qui dit à tous les hommes, sans exception, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et c'est, ça, c'est quand même fantastique. C'est ça qui change ma vie. C'est pour ça que je suis célibataire, sinon on pensait bien. Oui, mais on a le droit, on a le droit de dire que humainement, c'est dur. Ah oui, humainement, c'est dur. On va donner la parole à Louis de Villoutray. C'est vous, jeune homme? C'est vous. Et à vos côtés, Charles-Antoine Duret. Vous êtes donc deux personnes qu'on a perçues dans le reportage, aux côtés de Patrice. Vous êtes en phase de réflexion cette année pour savoir si oui ou non vous allez vous engager dans cette direction de vie, dans ce choix de vie absolue qui est donc la vie de prêtre. On a vu qu'il y avait pas mal de choses qui vous rapprochaient, ce qui peut paraître bizarre entre un scout d'Europe et un fan de Bob Marley. Qu'est-ce qui vous oppose? Je ne suis pas que fan de Bob Marley. Non, je me doute bien. Mais bon, en tout cas, c'est une de vos caractéristiques visuelles et visibles. Qu'est-ce qui vous oppose, tous les deux, par exemple? Qu'est-ce qui nous oppose? Oui, parce qu'on a entendu ce qui vous rapprochait. Qu'est-ce qui vous oppose? Bah, qu'est-ce qui nous oppose? Bah, notre personnalité. On est chacun différent. Je veux dire, moi, je m'appelle Louis, il s'appelle Charles-Antoine. On est d'un milieu familial différent. On a une culture différente. Et ce n'est pas une opposition. Non, je ne crois pas. Le mot opposition ne me convient pas. Ce serait plutôt une différence, et on se complète. D'accord. Est-ce que c'est Jara Safarai qui vous a mené aux yeux des chrétiens? Pas du tout. C'est plutôt l'inverse. En fait, non, je suis chrétien depuis que je suis né, parce que j'allais brailler à la messe quand j'avais 6 mois. Et j'ai toujours été à la messe. J'ai peut-être un peu de crise de foi aussi. Mais non, Bob Marley... pour moi, c'est quelqu'un qui avait un idéal, qui a voulu le suivre jusqu'au bout, même s'il savait très bien que c'était un idéal qui, par conséquent, ne pouvait pas être atteint. Mais, lequel? L'idéal de la paix et de la... Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moins fort que celui de Jésus-Christ. D'accord. Vous avez un poster de Jésus-Christ aussi dans votre chambre? Un poster d'un tableau. Oui. Ça, vous avez Jésus-Christ et celui de Velázquez, vous avez? Oui. Ce qu'on a perçu, oui. Qui est beau, et Bob Marley. Ben oui. Ouais. Jusqu'où va votre passion pour Bob Marley? Vous affichez des drapeaux, vous chantez ses chansons, vous avez presque sa barbe. Je ne sais pas chanter. Bon, vous gratouillez en tout cas de la guitare comme il le faisait lui. Est-ce que vous fumez aussi les mêmes cigarettes que lui? Non. 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 Mais pas du tout. Non suffit. Hein. Pas du tout et presque en trop, ça devient suspect. Non. Non, c'est la seule chose qui me chagrine chez lui. Qu'il ait fumé autant? Ouais. Bah, surtout qu'il en est mort, lui, en l'occurrence. Hein. Il faut dire qu'il en fumait des caisses. Hein. Des caisses et des caisses, oui. Et il est mort à 37 ans. Quelles sont les questions 36. Que se posent les... 36, pardon. J'aurais pu dire 33. Hein. J'aurais pu dire 33. Oui, c'est vrai, je me serais trompé de barbu. Quelles sont les questions que... Excusez-moi, je voudrais pas plaisanter un petit peu pour se détendre. Vous avez raison. J'ai raison. Joie. Quelles sont les... Amour. Quelles sont les questions que se posent les... Combien, les 6 résidents, 6 vous êtes, hein? On est 5, plus Patrice, oui. Plus Jean-Paul. 7 alors. Quelles sont les questions que se posent, en tout cas, les quelques résidents qui ne se sont pas encore décidés? Qu'est-ce qui anime les débats? Qu'est-ce qu'il y a dans vos débats sur être prêtre ou ne pas l'être?
Je peux... Je t'en prie. Non, mais c'est pas la question d'être prêtre ou ne pas être prêtre. Ah bon? Mais non, c'est... Je croyais que vous aviez un an pour réfléchir. Oui, la maison des vocations. C'est la maison des vocations. C'est pas uniquement la vocation de prêtre. Il y a plusieurs vocations dans l'Église. C'est pas la maison de la vocation, hein, oui. Non, c'est la vocation dans l'Église. Il y a la vocation d'être moine, je le disais. Ouais. Il y a la vocation d'être religieux, d'être juste célibataire. Ouais. Il y a la vocation d'être prêtre. D'accord. Il y a du mariage. Et marié. Mais si on parle des prêtres en particulier, parce que c'est ce qui nous réunit ce soir, on a déjà par exemple consacré une émission aux moines et aux moniales. Sur le fait d'être prêtre en particulier, quand vous avez des conversations croisées, qu'est-ce qui va vers le pour, qu'est-ce qui va vers le contre actuellement dans vos conversations? Je sais pas s'il y a un pour et un contre. Non, je pense pas qu'il y ait un pour et un contre. Non, des arguments qui vous dirigent vers cette voie et des arguments qui vous dirigent pas. La crise des vocations, c'est pas un argument qui me dirige dans cette voie. Heureusement. C'est... Parce que si un jour je suis prêtre, ce que pour l'instant j'ai encore du mal à imaginer, si un jour je suis prêtre, je serai pas prêtre parce qu'il y en a presque plus, parce qu'il y en a de moins en moins. C'est parce que Dieu m'aura appelé à être prêtre. Parce que l'Église m'a demandé d'être prêtre. Donc pour l'instant, vous écoutez. Voilà, j'écoute. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être très différent des jeunes gens de votre âge ou pas? Pas du tout. Partager beaucoup de valeurs avec eux? Personnellement, je partage beaucoup. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous avez devant vous, jeunes gens, Sœur Marie-Vincent, que je salue, que je demande à l'Assemblée entière d'applaudir, parce qu'il est un peu tard. Bonsoir, ma sœur. Voilà, vous allez bien? Restez là. La main. Merci d'être avec nous. Je dis merci parce qu'il est un peu tard. Il est très tard. Il est quelle heure? Trop tard. Il est trop tard. Vous levez à quelle heure le matin? À 6 heures. Ah non, demain vous vous leverez plus tard. Bah oui, mais... Il faudra récupérer un peu quand même. La supérieure, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à vous? Vous avez 89 ans, depuis combien de temps vous êtes sœur? 60 ans. Et vous avez encore une supérieure? Oui, heureusement, Dieu merci. Dieu merci, et qu'est-ce qu'elle vous engueule, la supérieure? Oh, non, pas du tout. Ah bah, dans ce cas-là, vous dormirez jusqu'à 9 heures demain. Non? Oh non. Il faut se lever à 6 heures. C'est la règle. Le règlement, c'est un règlement. C'est autre chose. Tous les jours? Chose. Tous les jours, à 6 heures? Tous les jours, autant que possible, oui, à moins que vous endormiez. Si vous êtes endormi, ben... Ah, d'accord. Que pensez-vous des droits exprimés, des doutes exprimés par les jeunes de la maison des vocations, notamment ce jeune homme qui nous disait « J'écoute pour voir si Dieu m'appelle et si je serai prêtre ». Il ne faut pas écouter ça. Ah. Il ne faut pas écouter ça. C'est le démon qui vous parle. Il veut qu'on les prête, les bonnes sœurs, on n'en veut plus, hein. Allez, qu'ils partent tous. Il nous faut des prêtres, il nous faut des religieuses. Non, mais monsieur disait qu'il attendait que Dieu lui parle. Oh, Dieu lui parle, Dieu lui parlera pas comme ça. Mais dites-lui directement, il est derrière vous, là. C'est lui. Dans le micro, ça. Non, Dieu ne me... J'attends pas que Dieu me parle. J'attends que Dieu me parle par l'esprit à travers les autres. Ben oui, ben les circonstances, les événements, les personnes que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer des prêtres, vous allez rencontrer peut-être un cardinal. Ah. Et peut-être le pape. Et peut-être, pourquoi pas le pape? Je parle pas latin. Peut-être les fils de Bob Marley. Alors, si vous avez la vocation, répondez, n'ayez pas peur. Hein. Mais il n'est pas sûr, ma sœur, d'avoir la vocation. Oh, il n'est pas sûr. Il attend que Dieu l'appelle. Oh, Dieu l'appellera pas comme ça, vous savez, ça fait toc-toc, ça fait tout doucement, hein. C'est pas si fort que ça. À vous entendre, on a l'impression que vous êtes presque forcé pour devenir sœur. Je n'avais pas envie d'y aller, hein. Je voulais ma liberté, faire ce que je voudrais. Il faut obéir à la supérieure, hein. Ouais. Mais pourquoi vous l'avez fait alors?
Parce que le bon Dieu m'y a poussé. Ah bah il vous a appelé lui, il avait votre numéro de téléphone à vous alors. Sans téléphone, il n'y avait pas le téléphone quand j'étais jeune. Il n'y en avait plus que pas. Alors qu'aujourd'hui il utiliserait Internet. Mais maintenant ça sonne tout le temps. Ça sonne tout à la communauté, ça sonne tout le temps. On descendait répondre, ça sonne. Pourquoi, madame, vous avez été finalement sœur alors que vous ne vouliez pas l'être? Mais parce que le bon Dieu est le plus fort, il est plus fort que moi quand même. Écoutez, moi je mesure à peine 1m50, je ne sais pas. Alors, il est quand même plus fort que moi, hein. Dieu a toujours raison. Il faut répondre. Non, mais vous me dites que c'est lui qui a décidé à votre place. Ah oui, c'est lui qui a décidé. Alors je suis rentrée, j'étais me présenter au couvent. La cyprienne m'a dit, vous voulez rentrer? Vous êtes toute petite, vous n'avez pas bonne mine. Je dis, ben, ça fait rien. Dans 10 ans, vous serez morte, et bien vous m'enterrerez. Quelle est votre opinion concernant le célibat des prêtres et des sœurs? Comment avez-vous vécu? Le célibat, oui. Chasteté. Oh oui. Quand on est marié, on a la belle-mère, on a les belles sœurs, on a... Si vous me permettez, ma sœur, vous avez la mère supérieure, hein. Ça fait 3 fois que vous en parlez. Hein. Oui, mais la supérieure, c'est quand même pas pareil que Marie. C'est mieux? C'est plus distant. Ok. On comprend vos réticences pour le mariage. Et la chasteté? Oh ben, la chasteté, Dieu vous y appelle, mais ça, c'est autre chose. Il faut réfléchir avant de s'engager. Vous êtes engagée à quel âge? 28 ans, je suis rentrée à 28 ans, je ne voulais pas rentrer. Hein. Ouais. Justement, à propos de la question de la chasteté, enfin... Non, pas pour ça. La liberté. Liberté. La liberté, l'obéissance, c'est quelque chose. Hein. Oui. Sur la chasteté, vous avez quelque chose à me dire? Non, ça m'est égal. Vous ne souffrez pas de... Non, pas du tout. Vous n'avez jamais souffert de... Non, pas du tout. Vous... L'obéissance, c'était autre chose. un mot pour les jeunes, ma sœur. Vous qui êtes la plus âgée, si vous me le permettez, sur ce plateau. Oui, oui. Un mot pour les jeunes. Il y a de moins en moins de prêtres, et il y a de moins en moins de prêtres jeunes. Oh oui, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? L'Église ne peut pas vivre sans prêtres. Il nous faudrait prêtres. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils deviennent? Il faut prier. Il faut commencer par la prière. Mais pourquoi c'est une belle vie d'être prêtre? Oh, parce que écoutez, les sacrements, qui nous donnera les sacrements s'il n'y a pas de prêtre? Le sacrement, c'est formidable, un sacrement. Mais pour le prêtre en lui-même, pourquoi est-ce que c'est une belle vie? Oh, oui, parce que lui, il est quand même grand devant le bon Dieu. Et puis, devant le Seigneur, il est important devant le Seigneur. Vous aimeriez qu'il y ait des femmes prêtres? Oh non. Oh, pas les femmes. Une femme va devenir... Une femme. Et les femmes, nous sommes un peu bécasses, vous savez. Hein? Je sais pas ce qu'en pensent ces deux bécasses qui sont à vos côtés, là, mais... Vous voyez prêtre, vous, non? Moi, personnellement, non. Mais moi non plus. Parce que je suis bécasse. Non, les prêtres, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes, vous êtes sûr? Je vais donner la parole à une femme qui souhaite devenir prêtre. Il a choisi des hommes, il n'avait que des hommes. Où est-elle? Bertie, où est-ce que vous êtes, Bertie? Bertie, vous êtes là? Je m'en vais. Micro. Je n'ai jamais voulu être prêtre. Ah, c'est Alfred. C'est pas moi. Oui, Alfred, c'est vous qui souhaitez. J'ai des choses à dire. Monsieur m'a trompé, excusez-moi, madame. Juste ma sœur, une demi-seconde encore. La femme qui est derrière vous souhaite devenir prêtre. Est-ce que vous voulez bien l'écouter? Une seconde, hein, après, parce que là, sinon, on a bien compris que la supérieure allait gueuler. Mais... Oui, moi, je voudrais bien devenir prêtre parce que, exactement comme vous, je pense que les sacrements sont quelque chose de très précieux. Et j'ai rencontré des gens que je peux accompagner pendant longtemps, mais au moment des sacrements, voilà, ma mission est finie. Et je trouve ça désolant. Qu'est-ce que vous en pensez?
On va bien trouver un prêtre quelque part. Écoutez, on en trouve. On va bien trouver un prêtre pour lui donner l'absolution. Non, mais attendez, ma sœur, si les femmes sont des bécasses, les hommes sont des quoi? Oh, un homme est plus intelligent qu'une femme. Oh. Oh. Au point de vue intellectuel, il est plus fort. Moi, je pense qu'on n'a pas la même intelligence, mais que point de vue intellectuel, souvent, c'est plutôt le contraire. Ah bon? Il est plus fort. Pour les études, il est plus fort que la femme. Non, pour madame. Les études. Non, madame, pas nécessairement. Moi, je suis réaliste. Je suis réaliste. Réaliste ou royaliste? Réaliste. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, royaliste, si vous voulez un roi, prenez-le, ça m'est égal. Oui, je vous le cherchez. Hein? Ah non, mais c'est pas mon souhait, de toute façon. Bon, merci, ma sœur, pour vos éclairages. Louis XV était très bien, Louis XV. On l'appelait le bon roi. Moi, j'ai pas connu des rois, mais j'ai connu des braves gens qui étaient royalistes, mais des braves gens quand même. Ouais. Est-ce que vous avez connu des gauchistes qui étaient des braves gens quand même? Oh oui, oh oui. Ah oui. Oh oui, oh oui. Des communistes même. Allez! Des communistes même. J'ai travaillé avec des communistes qui étaient très bien. Vous savez, le bon Dieu est partout, hein? Ouais. Vous votez, ma sœur? Oui, je vote. Je vote toujours. Pour qui? Oh, ça y est, du décompte professionnel. Il faut Chirac. Alors, elle répond. Merci, ma sœur, on va vous raccompagner. Il est un peu tard. Je vais vous raccompagner parce que... Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Là, si vous permettez. Hop, la bécasse. Allez, on salue ma sœur. D'accord, on va vous accompagner. Je vous laisse avec Valérie. Bonsoir, ma sœur. Tenez, excusez-moi. Il n'y a plus de bécasse, excusez-moi, mademoiselle. C'est ça. Je suis désolé. Oui, ce sont vos sœurs, pardon. Ce sont mes sœurs, oui. Je suis désolé. Mais enfin, je reprenais, on a bien compris les propos de madame. On a entendu parler d'église ringarde. On a une expression qui était assez étonnante, c'est vrai, celle qui était sur le fronton de crois en Dieu quand même. Espère en Dieu quand même. J'ai compris quand j'étais au chômage que j'avais un ulcère. Ouais. Là, je croyais plus en rien et j'ai compris ce que ça voulait dire. Et j'ai envie de le dire aux autres maintenant. Ouais. Après avoir revisité le procès de Galilée, le Vatican vient d'entreprendre un examen de conscience sur l'Inquisition. Pas récent, hein, ça se monte au Moyen-Âge, c'est à se demander si la question de l'avortement ne deviendra pas d'actualité d'ici un millier d'années. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ringard? Quand on dit l'Église est ringarde, par exemple, est-ce que ça ne se montre pas à travers des exemples comme ceci? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Église n'est pas ringarde. Je pense que parfois, certaines de ces décisions peuvent être interprétées comme telles parce qu'elle est parfois, c'est vrai, je pense là vraiment qu'elle est parfois maladroite dans la façon d'exprimer un certain nombre de choses. Mais moi, je suis complètement dans l'Église et je ne me trouve pas ringard. Et je ne pense pas que l'Église soit ringarde. Qu'elle soit peut-être plus précise, effectivement, sur un certain nombre de choses. Exemple? Exemple, la question du préservatif. On ne va pas en parler parce que ça a été dit dans le débat déjà. Voilà une des choses pour lesquelles... L'avortement. Vous êtes pour ou contre, vous, par exemple? Pour moi, l'avortement, c'est quand même interrompre une vie, même si elle est en germe, j'allais dire. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas approuver l'acte. En revanche, et je crois que là, on est de plein pied dans l'Évangile, en revanche, j'essaye toujours, et je l'ai déjà fait, je le ferai encore, d'accueillir des femmes, des hommes, des couples qui ont vécu ce genre de situation, sans leur fermer la porte au nez en leur disant « Fuyez loin de moi, vous avez avorté ». Mais je crois que ces gens ont besoin de parler. La plupart du temps, vous savez que c'est un enfant qui n'a pas été désiré, c'est un accident de préservatif. Il y a des cas très différents. Je ne parle pas des cas extrêmes, des cas viols. Non, les cas sont très, très subtils et très complexes. Oui. Il n'y a pas de règle générale, en l'occurrence. Je crois que ce qui est très frappant, c'est de voir quand les gens viennent nous voir, par exemple, quelquefois au bout de 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'est de voir le fardeau que ça a représenté. Et si vous voulez, c'est pour ça que quand on en parle, généralement... Ah oui, c'est un véritable fardeau, les femmes, quand elles ont subi une interruption volontaire de grossesse. C'est un véritable fardeau pour elles. Et j'en connais d'autres pour qui ça aurait été un vrai fardeau si elles l'avaient pas fait. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais attendez, c'est pas ça. Quand elles viennent nous trouver, elles nous expliquent, moi elles m'expliquent que ça a été un véritable fardeau. Et à ce moment-là, encore une fois,
La seule chose que je puisse donner, ce n'est pas un élément psychologique, parce que ce n'est pas à moi de le donner, ce n'est pas un élément affectif, ce n'est pas à moi de le donner. Allez, mon père. Mais je vais donner le pardon de Dieu. Et ce pardon de Dieu, je m'aperçois, j'en vois les conséquences, guérit, console, réconforte, remet debout, comme disait tout à l'heure Alain Noël. Et c'est ça qui est fantastique, encore une fois. Les aide à vivre. Ça les aide à vivre. Sur la question d'avortement, permettez-moi de poser la question à tous ceux qui sont là. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous avez une position sur l'avortement ? La position sur l'avortement, moi, je crois que c'est un peu celle que tu as donnée. C'est-à-dire que. Vous êtes contre ? Je dirais dans le fond, oui, contre l'avortement, mais sans jamais condamner les personnes. D'accord. Et en disant qu'il y a parfois des situations qui sont tellement dures, tellement extrêmes, qu'on peut comprendre et qu'on peut accepter. D'accord, mais je ne parlais pas des situations extrêmes. Hein. Situations je parlais vraiment extrêmes. Des enfants non désirés, chez des jeunes filles, parfois trop jeunes pour avoir un bébé. Comme ça arrive, c'est des cas les plus fréquents, des avortements. Ce sont les cas les plus fréquents. Disons que là, vous êtes contre aussi. Je fermerai jamais la porte, mais je... Mais vous êtes contre. Oui. Si vous voulez. Ah ben non, c'est vous qui me le dites, franchement. Oui, non, parce que je ne serai jamais... ça sera jamais... Non. À chaque fois, je crois que j'aimerais pouvoir discuter avec la personne pour savoir ce qui la motive, ce qu'il y a derrière, et puis si c'est la seule solution pour elle, ben, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je ne vais pas lui dire non. On parle des situations les plus classiques. Oui, mais hein, tout à fait. C'est-à-dire un enfant non désiré qui arrive trop jeune, des études qui sont en cours, mais à chaque fois, un foyer qu'on ne peut pas Jean-Luc, construire, on habite chez sa famille, etc. À chaque fois, vous êtes d'accord avec vous ? J'espère que vous serez d'accord avec moi. J'essaie d'être d'accord avec moi. À chaque fois, c'est une situation particulière, oui. Même si c'est quelque chose qui arrive... vous avez semblé dire que ça arrive souvent, même si c'est quelque chose qui arrive, qui se répète à chaque fois pour la personne qui le vit, c'est quelque chose de singulier, de particulier. Oui. Donc pour moi, ma position, c'est discuter, et puis si c'est pour la personne la seule solution, la seule décision, oui. Ben, je ne vais pas lui dire non. Ça va dans le sens de pas l'amour de tous pour tous, mais l'amour pour chacun, ben, dont oui, on parlait tout à l'heure. Non, mais d'accord. Pour moi, c'est d'accord. La seule solution. Mais je ne voulais pas qu'on parle des cas extrêmes, des cas de viol qui existent, qui sont des cas extrêmement douloureux. Ce n'est pas un moyen de contraception, à l'avortement. Hein. Oui. Ça ne doit pas être vu comme non, ça. Non, je parle je parle vraiment d'accidents de préservatifs, oui. Je parle d'enfants non désirés, de petits accidents. Quoi. Malheureusement, là, vous êtes contre, vous aussi ? Non, moi, je dis heureusement qu'il y a des lois là-dessus. Heureusement que la loi a légalisé l'avortement. Avant, elle a 25 ans, la loi. Hein. Oui, mais c'était un fait qu'on ignore, qu'on connaissait, mais on voulait l'ignorer. Et les femmes se faisaient avorter soit à l'étranger, soit par des faiseuses d'anges, comme on le disait, et se faisaient esquinter. Et heureusement que la loi a légiféré là-dessus, pour protéger la femme. Malgré tout, pour moi, l'avortement, c'est un échec pour la société qui n'est pas capable d'admettre l'enfant à naître. Et c'est terrible pour la femme, ce que disait le père est vrai. C'est pas neutre. Hein. Tout comme faire l'amour avec quelqu'un n'est pas neutre, avorter n'est pas neutre pour l'individu. Ça touche l'être au plus profond de lui-même. Je pense que c'est vraiment pas neutre. Non, non, d'accord, mais il y a sans doute une nuance entre les deux, quoi. Soit tu as un acte qui est plus douloureux que l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Ah, il y a une femme qui arrive, là. Vous savez de quoi je parle, madame ? D'accord, bon, bref, c'est autre chose. Yves, c'est à l'âge de 33 ans, hein, vous avez décidé de devenir prêtre. C'est un âge plutôt âgé, non ? Pour devenir prêtre. C'est pas tout jeune, mais enfin, c'est pas non plus tout vieux. Il y a eu plus vieux. Quel âge moyen pour aujourd'hui, une trentaine d'années. Une trentaine d'années, d'accord. Donc c'est l'âge, disons, de la maturité, quoi. En quelque sorte, oui. C'est vrai que quand je suis rentré au séminaire, la moyenne d'âge était de 29 ans. Et maintenant ? Et j'avais 34 ans, donc c'était au-dessus de la moyenne. Vous étiez 5 ans au-dessus de la moyenne. Donc jusqu'alors, vous meniez une vie beaucoup plus classique, hein, celle d'exportateur de vin. J'ai déjà demandé si c'était le vin qui vous a mené à la messe, on l'a déjà fait. Depuis combien de temps vous n'aviez pas été à la messe avant l'âge de 33 ans ? Si vous voulez, quand il y avait un copain qui se mariait, messe de mariage, messe d'enterrement, ça compte pas parce qu'on y va pour l'amitié. Je pense que ça faisait entre 10 et 15 ans que j'y allais plus, en fait. Que vous ne pratiquiez plus. Je ne pratiquais plus, c'est-à-dire que, si vous voulez, insensiblement, Dieu était comme, non pas sorti de ma vie, c'est-à-dire que vous m'auriez posé la question de savoir si je croyais en Dieu, je crois que je vous ai répondu oui. Mais il était mis sur le côté, j'avais plus besoin de lui, quoi, autrement dit. Ouais. Alors qu'il avait fait partie de ma vie, parce que je suis d'une famille catholique, donc il avait vraiment fait partie de ma vie normale. Catholique pratiquante ? Catholique pratiquante, oui. Vous étiez issu d'une famille de catholiques pratiquants également ? Mes parents n'étaient pas très pratiquants quand j'étais enfant. Et catholique ? Mais catholique de tradition. D'accord. Catholique, catholique pratiquant ? Oui. Ah oui, moi la totale. Oui. Vous aussi ? Moi aussi. Vous aussi ? Moi aussi. Vous aussi ? Ma mère. Votre mère, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais. Je pense que c'est assez significatif, il me semble. Je ne sais pas si Robert Rochefort du Crédoc pourra me contredire. Il y a des prêtres qui sont issus de familles complètement athées. D'accord, oui. Un jeune prêtre de Lille, par exemple, a été ordonné prêtre. Il a été baptisé à 20 ans. Il a découvert la foi au contact de jeunes, mais ses parents sont complètement extérieurs à la vie de l'Église. Absolument. C'est pas impossible. Mais c'est une extrême minorité. C'est de moins en moins mineur.
Je suis parrain d'un séminariste qui est en train de se préparer au sacerdoce. Je l'ai baptisé, il avait 23 ans. Et il est en train de se préparer au sacerdoce. Ça existe. C'est pas parce que je l'ai baptisé, mais enfin c'est après que c'est... Vous avez rencontré Marthe Robin, une femme qui n'est pas une religieuse. Hein. Non, qui est une laïque. Qui est une laïque. Qui est née en 1902. Qui est donc une femme un peu âgée. Et qui est morte en 1981, 6 février 81. D'accord. Qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce que la rencontre avec cette femme qui ne croyait pas en Dieu, qui était quoi? Ah si, tout à fait. Elle était laïque, non, mais pas agnostique. Ah non, pas du tout. Ouais. Elle était tout à fait au contraire. Comment vous a-t-elle redirigée vers Dieu? Ce qui s'est passé, c'est que la vie que je menais étant un peu trop, disons, troublée, des amis médecins un jour m'ont fait promettre de prendre un temps de repos, parce qu'ils m'ont dit, sinon tu vas avoir, comme on dit dans le sud-ouest, un pète au casque. Vous savez, ça veut dire un truc cérébral. Et alors comme ils étaient tous les deux médecins, ils ont commencé à me faire des descriptions absolument... Quoi, vous étiez en menace de rupture d'anévrisme? Ils me disaient, tu vas avoir des trucs au cerveau, alors après ça va te nourrir au yaourt, parce que je buvais beaucoup. Vous savez, on appelait ça, pour pas trop être gênant, on disait l'alcoolisme, mais on disait mondain. Oui. Vous savez, parce que comme ça, ça gêne moins les... On boit entre amis, tous les soirs, voilà, c'est vraiment sympa, enfin, etc. Puis, en fait, on est complètement pris. Ouais, on est complètement pris. Et donc, ils m'ont fait promettre de prendre un temps de repos. Là, si je suis parti en voyage d'affaires pendant 2 mois et demi, je suis revenu, ils m'ont dit, n'oublie pas ta promesse. Alors, je dis, oui, je tiens parole, je vais y aller, mais laissez-moi épuiser mes dossiers. Puis ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, on a une adresse pour toi. Je dis, comment ça s'appelle? Châteauneuf de Galaure. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est dans la Drôme. C'est pas le Châteauneuf du Pape? Non, mais c'est près de Châteauneuf, c'est pas loin. Et alors, je connaissais, moi, de la Drôme, je connaissais le bon bistrot à Valence et le bon bistrot à Vienne. Hein, c'était tout ce que je connaissais. Je donne pas les noms, parce qu'il paraît qu'on peut pas, mais. Et on m'a dit, c'est un lieu de retraite. Alors, je dis, mais je ne vais pas faire une retraite. Moi, je veux bien me reposer. Ils m'ont dit, mais tu n'as rien compris. C'est en silence, donc tu parles à personne. Personne ne te parle. Mmh. Ça dure une semaine. Tu n'es pas obligé d'aller aux conférences. C'est confortable, on y mange bien. Ça, beaucoup de gens le font. Ouais, là encore, de plus en plus. Et je parle aussi de laïque et même d'athée ou d'agnostique. Hein. Oui, mais j'étais laïque à l'époque, complètement. Ouais. Et j'étais non pas agnostique, mais je m'en fichais complètement. Et c'est pendant, et cette, semaine-là, c'est pendant cette semaine-là que c'est... Oui, j'allais pour dormir. Et quand je suis arrivé là-bas, donc en silence, je n'allais pas du tout pour faire la retraite. Je suis arrivé en retard. Enfin, bon. Et puis, je n'ai pas dormi. J'ai dormi 7 heures au lieu de dormir. Alors, j'ai été aux conférences. Et puis, au premier déjeuner, un prêtre vient et commence à nous dire, vous savez, ici, il y a une femme qui s'appelle Marthe Robin, qui depuis... C'est là-bas que vous l'avez rencontrée. Qui nous dit, elle vit la passion de Jésus toutes les fins de semaine et elle porte la marque des stigmates, ce qu'on appelle les stigmates, c'est-à-dire les marques des clous et de la couronne d'épines. Alors, j'ai commencé à me dire, je suis tombé dans un endroit de cinglé. Moi, elle les zozo. Porte, vous voulez dire elle les porte vraiment? Elle les avait. Ouais. Alors, elle s'était trouée les mains et les pieds? Non, non, c'était devenu ce qu'on appelle une grâce, un cadeau de Dieu, où elle avait une telle proximité avec Jésus que d'une manière tout à fait particulière, parce que quelque chose de très spécial, on va glisser là-dessus, elle avait sur elle les marques de la passion de Jésus. Et alors moi je me suis c'est-à-dire dit, le cou dans le côté, la marque de la couronne d'épines et les clous dans les mains et les pieds. Mais moi, alors, et là-dessus, il nous a dit... Bientôt, il y a une vierge qui va saigner du sang. Hein, ouais, je ne sais pas. Qui va pleurer alors, du sang. Donc, on me dit là-dessus, vous pouvez aller la voir. On me dit 335, c'était pas un petit truc. Mais il n'y en aura que la moitié qui pourront aller la voir. Donc, je m'inscris sur le petit nombre et puis je continue la retraite, tranquille. Et puis, finalement, le dernier petit groupe qui est appelé, le jeudi soir, je vois mon nom. Donc, je monte à la ferme qu'elle habitait au-dessus du foyer de charité, ce lieu de retraite. Et en me disant, mais alors, je suis complètement fou, parce que j'ai rien à lui dire, elle n'a rien à me dire, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter? Alors elle vivait dans la pénombre, parce que la lumière la faisait horriblement souffrir. Donc on m'a introduit dans sa chambre, et puis on m'a assis à côté de son lit, et on nous avait dit de nous présenter. Donc je lui dis bonjour, je m'appelle Yves de Boisdon, j'ai 33 ans, et je suis négociant en vin. Je lui dis bonjour, est-ce que la retraite vous plaît? Oui, bien sûr, ce que dit le père Finet, qui est pas chez la retraite, c'est très bien. Et puis là-dessus, elle me dit... vous connaissez le foyer de charité? Je dis oui, j'avais été à Port-au-Prince, enfin je vous passe les détails là-dessus. Et puis elle me dit, vous savez, à votre âge, vous devriez songer au mariage, au sacerdoce ou au célibat consacré. C'est-à-dire que les trois états de vie que peut vivre un jeune catholique. Et je me suis entendu dire, est-ce qu'à 33 ans, on peut songer au sacerdoce? Et j'ai cru qu'elle changeait de conversation. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Oh, je dis, j'ai fait une mauvaise étude de droit. Est-ce que vous avez fait du latin? Oui. Est-ce que vous avez fait du grec? Oui. Et puis à ce moment-là, elle me dit, vous savez, vous ne pouvez pas attendre 10 ans, sinon vous allez passer à côté de votre route. Et sur le moment, je n'ai pas tellement compris ce qu'elle me disait. Mais je peux vous dire que même quand je vous le redis maintenant, ça me frappe fortement. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que nous prions? Alors, je dis, oui, je veux bien, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et je me suis mis à genoux à côté de son lit. Et là, elle a commencé un « Je vous salue Marie », vous savez, comme une petite fille qui fait des câlins à sa maman. Elle a changé de voix, c'était vraiment une présence de la... Un amour de la Vierge Marie, vous voyez, très fort. Et là, je me suis mis alors à pleurer, mais en des, vous savez, Iguassou, Niagara,
la totale, les geysers, tout. Et en même temps, pas du tout gêné. C'est-à-dire que je n'ai pas sorti mon mouchoir en disant qu'est-ce qui m'arrive. Je n'ai pas réfléchi, vous voyez. Je ne réfléchissais pas en même temps. Je n'étais pas en train de m'analyser, me tâter le pouls. Et j'ai essayé tant bien que mal de finir le « Je vous salue Marie » avec elle, tout en pleurant, ses larmes, ça sortait. C'est incroyable, des litres. Et alors, là-dessus... La mer rouge. Ah oui, la mer rouge, oui. Mais ce n'était pas sec, hein, je peux vous dire. Et alors, là-dessus, je termine plus loin. Je me lève, je lui dis au revoir. Elle me dit au revoir et merci. Je dis, tiens, pourquoi est-ce qu'elle me dit merci? Alors je sors, j'étais quand même assez secoué, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Et dehors, alors dans la cour de la ferme, en attendant que la dernière personne passe, il y a une autre expérience qui m'est arrivée, et j'étais très touché tout à l'heure quand on a parlé de cette parole de Jésus dans sa marque. Vous savez, qu'il rencontre le jeune homme riche, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur? Jésus dit, ben, suis les commandements. Il dit, ben, je le fais, ben, va avant tout tes biens et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens, nous dit l'Évangile. Et moi, à ce moment-là, cette parole m'est revenue, je dis, je ne veux pas repartir triste. Et en même temps, ce regard de Jésus, ouais. Jésus fixa sur lui son regard et il l'aima. Alors je me suis pris la tête dans les mains, j'ai dit, ça y est, Yves, tu es prêtre. Et je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en même temps, pour la première fois de ma vie, une paix et une joie, mais j'avais aucune idée que ça pouvait même exister. Vous savez, l'arrivée au port, truc après une grosse tempête, c'est inimaginable, un truc fantastique. Et en même temps, ma tête qui me disait, mon pauvre ami, ça y est, t'as les plombs qui sautent, on va t'emmener à la Lésile, on prend pas un mec créant comme toi pour en faire un curé, t'explose, vraiment. Et je perdais pas cette paix. Alors j'ai compris après que c'était un combat de l'intelligence et du cœur. Sur le moment, je vivais. Quoi. Et alors je me suis dit, il faut que j'aille voir le prêtre qui prêche la retraite, le père Finet. J'ai pas pu le voir le vendredi, j'ai pas pu le voir le samedi, j'ai pu le voir le dimanche en me bousculant un peu, et puis je lui dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, ben, vous savez, c'est pas compliqué, vous allez faire des bonnes études, vous allez devenir prêtre, et puis je vais vous bénir. Puis il m'a béni, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, on s'est mis à pleurer tous les deux. Et puis là-dessus, ce qui est très beau, très pour moi en tout cas, c'est qu'ayant été confirmé à la fois par un père et un frère, mon intelligence s'est mise en accord. Et ce que je vivais de joie et de paix du point de vue de mon cœur, je l'ai à ce moment-là accepté avec mon intelligence, et je me dis, bah, puisqu'il me dit que c'est possible, c'est possible. Puis j'ai travaillé 15 mois. Et c'était l'harmonie. Voilà, et j'ai travaillé 15 mois, je suis rentré au séminaire. Comment réagissent vos amis? Vous aviez une compagne à l'époque? Non. Non. Mais ça a été c'était un choc. Vos incroyable. Parents, vos frères, vos sœurs, vos... Mes parents, frères, sœurs. Ça a été à la fois un choc, une très grande joie pour mes parents. Un choc quand même, non, ça... c'est tellement brutal. Et puis mes amis, alors ça a été extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il y a tous les cas de figure, si vous voulez. Il y a un de mes amis, vous savez, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit qu'après ça, intérieurement, il a fait « Oh, c'est pas passé loin !» Et puis, il y en a d'autres qui se mettent à pleurer, des relations d'affaires, des types avec qui, depuis 10 ans, je connaissais beaucoup, on se voyait 4-5 fois par an aux États-Unis ou ailleurs. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a un qui n'a pas compris. Un qui n'a pas compris, et les autres, comprennent. Il y en a qui se mettent à pleurer, toutes les larmes de leur corps. Il y en a, c'était incroyable, je me souviens d'un qui est un grand patron d'un énorme groupe de caves coopératives. Mmh. Il se lève de son bureau, alors je me lève, quand je l'ai annoncé, en disant, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va à la porte de son bureau, je ne vais pas me laisser tout seul de son bureau. Hein. Mmh. Il va fermer la porte, il revient vers moi, et sans un mot, il me prend dans ses bras, il se met à pleurer toutes les larmes. Mais qu'est-ce qu'on pleure chez vous? Ah oui, non, mais c'était incroyable. Ah oui, ouais. Mais attendez, c'était pas des larmes de tristesse, c'est incroyable. Mmh. Il me dit, mais excuse-moi, je peux pas, mais c'est trop beau, c'est trop beau, il n'en pouvait plus, le gars, c'était... Oui, mais ça arrive souvent. Moi, j'ai vu une fille l'autre jour à Paray-le-Monial. Vous pleurez souvent, vous? Ça arrive, de joie, ah, oui. De joie, ah, oui. Ah, oui. De peine aussi. Parce que je crois que, vous voyez, Jean-Luc, là, on touche au cœur même de la vocation. C'est une histoire sainte, étonnante, très diverse selon les uns et les autres. Histoire sainte, ouais. C'est une belle histoire. Ouais. Alors, si vous voulez, en plus, c'est d'autant plus une belle histoire que moi, d'une certaine manière, je ne peux que voir l'action de Dieu dans cette histoire. Ouais. C'est l'action de Dieu qui est belle. À travers cette femme. À travers cette femme qui a prié pour moi. Et c'est vrai que cette joie et cette paix, c'est on va parler du célibat maintenant, des prêtres. Vous y êtes attaché. On a entendu que Patrice se demandait. C'est vrai qu'il faut y réfléchir. On ne peut pas s'engager au célibat comme ça. C'est une option qui est quand même assez... C'est un véritable défi de demander à quelqu'un... Célibat, c'est pas pareil que j'ai sauté. En plus, il y a une nuance. Mais... Non, si, quand même. Moi, je veux dire, on ne peut pas s'amuser à jouer avec les gens non plus. Donc, la chasteté, c'est la fidélité. On peut faire l'amour sans être marié. La chasteté, oui, ça c'est clair, il n'y a pas besoin d'être marié pour faire l'amour. Mais la chasteté, c'est la fidélité qu'il y a derrière le terme de chasteté. Vous voyez, donc, et derrière le terme de célibat, c'est le non-engagement envers une femme. Bon, pourquoi? Parce que ce défi, au fond, il manifeste l'amour de Dieu pour vous, pour cette dame, pour chacun d'entre nous ici. C'est tellement fort, et ça dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer,
que je veux le manifester d'une manière qui est absolument incroyable, qui est par le célibat. Alors, un jour, j'étais au bistrot du curé à Pigalle. C'est, je servais, il y a un restaurant que la paroisse de la Trinité tient à Pigalle. Alors, je lavais mes verres derrière mon bar, il y avait une table de 4 personnes devant moi, et il y a un gars qui se tourne vers moi d'un seul coup et qui me dit « C'est vrai que vous n'êtes pas marié ?» Je dis « Oui, je ne suis pas marié. » « Mais c'est vrai que vous n'allez pas vous marier ?» Je dis « Mais non, c'est vrai que je ne vais pas me marier. » Mais c'est complètement dingue, comment est-ce qu'on peut vous faire ça? Il commence à me faire, alors tout le restaurant, c'est ce test, comme ça. Alors, je lui dis, bah oui, alors j'essaie de lui expliquer ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même très spécial, c'est un défi. Puis je lui dis, vous savez, c'est d'une certaine manière, sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Alors il me dit, bah alors vous êtes fou? Bah je dis oui. Ah bah dans ces conditions, j'accepte. Vous voyez? Et c'est un peu ça dont il s'agit. C'est apparemment une folie. Mais c'est une folie qu'on fait par amour de Dieu, de notre part, par amour de Dieu pour les hommes et pour cet amour de Dieu qu'on veut donner aux hommes, cette espérance nouvelle, cette joie. Jamais la rencontre avec une femme ne vous a fait douter? Non, mais attendez, c'est pas parce que Non, mais je pose une question. Oui, non, mais je vais vous dire, je vous réponds. Oui. On peut avoir des tentations, mais la tentation, eh ben, heureusement, parce que sinon, il faudrait que j'aille voir le Toubib, entre parenthèses. Mais bon, Non, un moine me disait, c'est pas parce qu'on regarde le menu qu'on est obligé de passer à table. Ouais. Exactement. C'est une excellente expression. Excellente expression. Je trouve que c'est très réducteur parce que ça fait vraiment passer la femme pour l'objet sexuel, point. Mais oui, parce que. Comment? Ah non, parce qu'on a parlé de célibat et de chasteté, on a parlé de deux choses à la fois. C'est les deux à la fois, la fidélité. Ouais, en différenciant les deux choses. Il y a la tendresse. Il y a là. Il y a la tendresse qui est extrêmement importante. Non, mais alors attendez, il n'y a pas que ça. Ce qui est très important quand même à souligner, c'est que. On va appeler Pierre qui est avec nous, qui nous écoute en duplex masqué. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une chose que je voudrais souligner, et je crois que c'est important, et cette émission un peu nous le dit d'une certaine manière. C'est que cette attente que les gens ont des prêtres, eh bien, d'une certaine manière, le signe du célibat est comme une annonce de ceux qui peuvent attendre. Vous voyez, je crois, d'une première part. Par contre, ne laissez pas les prêtres seuls. Et moi, j'ai la chance de vivre en communauté. Je vis dans une communauté de laïcs. Il y a 6000 laïcs, le responsable est un laïc, et nous sommes 130 prêtres et autres. Mais c'est parce que je suis entouré. C'est vrai que le fait d'être porté... Ne laissez pas les prêtres seuls, ne laissez personne seul. Ne laissez personne seul, oui, mais je veux dire, le prêtre, quelquefois, n'ose pas s'en approcher. Ouais. Osez vous approcher des prêtres, ne les laissez pas seuls, entourés. Pas trop près. Aidez-les à prier, très près. Aidez-les à prier, aidez-les à vivre leur sacerdoce. Ouais. Et aidez-les à comprendre vos besoins, c'est fantastique ça en fait. Pierre est un peu plus âgé, quel âge avez-vous aujourd'hui? 51 ans. Pierre est... À peine plus âgé. Et ben, vous faites beaucoup... Non, vous faites beaucoup plus jeune. Ah, oui. Vous êtes prêtre depuis plus de 40 ans. Oui. Ça me met en place. Vous êtes prêtre depuis plus de 40 ans, Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez une relation pendant 12 ans avec une femme de 20 ans, votre cadette. Oui. Comment vous étiez-vous rencontré en quelques mots? Oh. C'est, comment dire, c'est une histoire personnelle. J'étais aumônier d'étudiants, et la bonne année, en 67. Ah oui, la suivante. Jusque-là, j'étais aumônier de lycée, et très heureux de vivre comme aumônier de lycée. Et puis en 67, je deviens aumônier d'étudiants, et puis je me rends compte que rien n'est fait pour accueillir, pour m'accueillir, et puis que mes prédécesseurs sont partis ou absents. Mes deux prédécesseurs immédiats sont partis, sont mariés. L'aumônier qui m'accompagnait me quitte en cours d'année en 68, et l'autre aumônier... En mai? Après mai, parce que évidemment... Je vous dis, c'est la bonne année, 67, 68, vous voyez d'ici. Toutes les structures de l'aumônerie, toutes les structures d'église, tout dégringole. Et je me retrouve avec des étudiants en médecine, en pharmacie, en paramédical et social, et dans des conditions de vie très dures, complètement déboussolés, plus rien ne tient. Ce qui n'excuse en rien ce qui va suivre. Mais j'essayais de survivre en tant que prêtre là-dedans, parce que je rappelle ce qui vient d'être dit, quand on est appelé par Dieu, en fait c'est une expression, être appelé par Dieu ça veut dire vivre intensément une expérience intérieure, une expérience spirituelle. D'accord. Et ça c'est fondamental. Vous vous souvenez de la question que j'ai posée ou pas? Oui, très bien. Alors donc, dans cette...
dans cette chose-là. Faites-la nous un peu courte, Pierre, parce que j'ai quelques questions à vous poser. Bien. Et comme vous n'êtes pas avec nous sur le plateau, c'est plus difficile. C'est plus difficile. De... Oui. Alors, j'abrège, parce que j'ai donc non, travaillé... Comment pas parce que... Comment vous avez rencontré ces jeunes femmes? En faisant des camps étudiants, et j'ai rencontré cette jeune femme qui était étudiante également. Et d'accord. On s'est rencontrés, il y a eu un feeling, comme on dit, yeah. Et puis et ça a flambé. Vous aviez 20 ans d'écart, hein, tous les deux, hein, je oui, vous rappelle. Oui, hein. 20 ans d'écart. D'accord, vous n'étiez pas au même niveau d'études, si je puis dire. Quoi. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez hésité avant d'avoir une relation un peu plus sérieuse avec elle? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas fait comme ça... au su et au vu, et non sans problème intérieur, ni sans scrupule. Ça a pris combien de temps entre le premier regard, les premiers émois, et puis la tendresse, pour ne pas parler d'autre chose? Ça a duré certainement 2 ans. Vous avez hésité, mais ça s'est fait tout doucement. D'accord. Pendant 2 ans, jusqu'au point de vivre avec elle d'une manière plus ou moins clandestine. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle hésitait, elle aussi, vis-à-vis de votre statut, au regard de votre statut, plutôt? Non, pas du tout de son côté. Ah ouais, non. Pas du tout. Vous hésitiez, vous, mademoiselle, au regard du statut de... Du tout non plus. Moi, je voyais un homme en face de moi, prêtre, certes, mais un homme. Ouais. Et c'était l'homme que... Ah, c'était l'homme qui m'intéressait. C'était l'homme, oui. Est-ce une histoire d'amour aussi forte que celle que vous avez avec Dieu? C'est un peu con comme question, ça, je sais pas. À moi? Non, Pierre, oui, je vous pose la question. L'histoire d'amour que vous avez vécue avec elle pendant 12 ans est-elle aussi intense que celle que vous avez avec votre Seigneur? Mais je pense que je n'ai jamais manqué, d'une certaine manière, à cet amour de Dieu. C'était... Ça paraît tout à fait ambigu. Ce n'était pas la question. Je veux dire, est-ce que vous aviez un amour aussi intense pour l'une que pour l'un, aussi fort, aussi profond? Mais ça n'est pas incompatible. Mais je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était le cas? Profond ou non. C'est-à-dire que là, alors je peux difficilement en juger. D'accord. La sagesse dit, pour être heureux, vivons cachés. Vous êtes cachés ce soir. Est-ce que vous avez trouvé une autre jouissance dans ces 12 années de clandestinité? Le fait de vivre loin du regard des autres? Ah, non, ça a toujours été, très délicat et très difficile. En fait, c'était une semi-clandestinité parce que certains étudiants savaient, d'autres ne savaient pas. Certains membres de ma famille savaient et d'autres ne savaient pas. Et j'ai toujours été entouré par des groupes extrêmement amicaux et charmants. Donc beaucoup de gens le savaient finalement? D'une certaine manière, oui. Même s'il y a eu des lettres de dénonciation et que vous avez été convoqué par votre supérieur? Non, je n'ai jamais été convoqué par le supérieur. Ah bon? Non, il n'y a pas eu de dénonciation. Ah bon? Non, rien de ce genre. D'accord. Il n'y a pas eu de dénonciation, mais ce qu'il y a eu, c'est que au bout d'une dizaine d'années, pas 12 ans tout à fait, 10 ans, ma compagne, si je puis dire ça, m'a dit « Pierre, c'est terminé, parce que nous ne pouvons pas décemment continuer à vivre ensemble de cette façon, ni vivre ensemble pour tout l'avenir. » Qu'est-ce que vous avez répondu? Oh, ça m'a fait souffrir très fort. J'ai eu beaucoup de mal à accepter, et depuis, j'ai compris que c'était beaucoup mieux comme cela, pour elle comme pour moi. Donc vous avez rompu à la suite d'un conseil ou d'un ordre qui vous a été donné? Non, pas du tout. C'est elle qui a demandé que nous cessions de nous rencontrer comme nous avions vécu pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'elle aurait souhaité en fait que vous l'épousiez? Non. Non, c'est justement parce qu'elle ne le voulait pas. D'accord. Comment peut-on mentir, même si c'est par omission, à ses paroissiens et leur demander de ne pas mentir? Ah, ce n'est pas... Non, d'abord, je n'étais pas en paroisse. J'étais des étudiants qui vivaient des choses relativement semblables. Et j'avais des groupes d'étudiants... Mais là, c'est la route du Rhum, on commence à tirer des bords un peu, là. On prend les chemins de traverse. Vous êtes tous des grands professionnels de la parole, et c'est un grand plaisir de vous écouter. Mais juste sur cette question précise... Cette question précise, j'y réponds, c'est-à-dire que les gens qui étaient avec moi, c'était des étudiants, et que les groupes que j'accompagnais, c'était des groupes de gens qui vivaient en cohabitation sans être mariés. Alors, la question du mensonge ne se posait pas, c'était la question de la vie. Même vis-à-vis de l'Église? Ah, vis-à-vis de l'Église, un peu à la fois, j'ai découvert... qu'en fait, on nous imposait depuis le début des choses qui ne concernaient pas le prêtre diocésain.
et il y a confusion. Mais alors là, on entre dans un débat de fond. Alors, je ne sais pas si c'est utile, mais personnellement, moi, j'ai découvert que, en fait, il aurait fallu effectivement qu'il y ait un choix qu'on ne nous avait jamais proposé, parce que le prêtre diocésain n'est pas un religieux. Et la preuve en est, c'est qu'il y avait eu en 1950, alors que j'étais au grand séminaire, toute la question des prêtres ouvriers. Est-ce que vous continuez à voir votre ancienne compagne avec qui vous avez partagé 10-12 ans de votre vie? Tout à fait. Elle est maintenant mariée, mère de famille, et on se retrouve comme de vieux amis. Et puis, Mais comment vous viviez ensemble, vous, cette clandestinité? C'est-à-dire que vous dormiez chez elle, elle dormait chez vous, vous comment ça se passait? C'est-à-dire que c'est... je lui ai rendu d'énormes services au point de vue vie personnelle et au point de vue études, et que je l'ai aidé à vivre d'une manière indépendante, autonome par rapport à sa famille. J'ai encore oublié ma question, moi. Et puis, c'est en étant... Vous lui avez offert l'hospitalité? Oui. Et c'est comme ça que vos relations sont rapprochées? Exactement. Bah voilà. Voilà. Vous connaissez son nouveau mari? Enfin, son mari? Mais oui, bien sûr, je suis en lien avec lui, en amitié avec lui, puisque je lui ai rendu d'énormes services également au niveau de ses études. D'accord. Est-ce qu'il sait que sa femme a connu des autres hommes dans le passé? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il sait que vous en faites partie? Oui. Et il le vit bien? Apparemment, oui. D'accord. Merci. Je vais demander maintenant à Brigitte Pasquier de venir nous rejoindre. Merci, Pierre. Brigitte Pasquier, s'il vous plaît. Bonsoir. Où vous voulez. Brigitte, ça fait 10 ans maintenant que vous vivez une histoire d'amour. Absolument. Avec Dieu? Non, avec un prêtre. Avec un prêtre. Mm. Ça pourrait être les deux. Enfin non, de toute façon, je suis croyante. Oui. Mais je refuse l'Église catholique romaine et surtout la hiérarchie de l'Église telle qu'elle est faite actuellement, parce qu'elle rejette la femme complètement. Mm. Que dans cette Église, on est nié. On n'existe pas. Et bon, voilà. Ça fait 10 ans que vous êtes amoureuse d'un homme qui est amoureux de vous. Absolument. Ça fait 10 ans que vous vivez dans cette clandestinité qu'on a évoquée avec Pierre. Absolument. Ça doit être difficile. Est-ce que par ailleurs, c'est un peu jouissif de vivre caché? Non, pas du tout. Non. C'est difficile parce qu'on ne peut rien construire vraiment de solide. On ne peut pas avoir d'enfant. Bon, ça, c'est difficile. Et puis, ce qui est très difficile à vivre aussi, c'est qu'on a été dénoncé plusieurs fois. Donc, à chaque fois, il a été convoqué par la hiérarchie. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la hiérarchie, c'est un problème, on traite le problème individuellement. En fait, il y a énormément de prêtres qui vivent avec des compagnes cachées, comme ça. Mais ils ont la... Alors, entre eux, ils ne le savent même pas. Moi, il m'est arrivé de rencontrer... Enfin, d'avoir une amie qui avait aussi un ami prêtre, je lui dis, écoute, c'est bien, on pourrait se rencontrer à quatre. Et en fait, les deux prêtres se connaissaient très bien. Donc, entre eux, ils n'en parlent pas, ils ne peuvent pas en parler. La hiérarchie là-dessus, par rapport à ça, vraiment une attitude odieuse et scandaleuse. Qu'est-ce que la hiérarchie, je ne sais pas, c'était quoi, un évêque Oui, plusieurs évêques. Oui. Plusieurs évêques ont dit à votre amoureux. Bah, tu choisis. Et lui, il a dit non, parce que j'aime Brigitte. Donc, elle-même, je ne peux pas pour l'instant, bon... Mais sinon... La première fois, il a dit ça. La deuxième fois, il a dit, bon ben, je ne la verrai plus. Mais en fait, quand il y a de l'amour, on se revoit quand même. Donc, en fait, il y a des milliers de prêtres qui vivent de cette façon. Oui. Ils sont obligés de mentir. Absolument. Ils sont obligés de se cacher. Absolument. Et pour vous-même aussi, c'est une vie qui est un peu pénible parce que vous ne pouvez pas afficher votre amour au grand jour. C'est trop difficile, quoi. C'est difficile. Comment vous l'avez rencontré, le prêtre que vous aimez? Oh, bah, par hasard. Hein. C'est d'abord un homme. Donc, en fait, moi, j'étais dans des associations. Lui aussi était dans un quartier. Et puis voilà, c'est très simple. C'est D'accord. une histoire d'amour normale. Hein. C'est d'abord un homme. Oui, non, je comprends bien. Mais c'est vrai que le prêtre occupe une place un peu particulière dans la société. Oui, monsieur. Et on pourrait se dire que, je sais pas, que vous êtes tombé amoureux non. Lors d'un discours. Pas du tout. Non, on avait des points communs. Vous savez, c'est très, très dur pour moi de parler ce soir. Oui. Parce qu'en fait, peut-être que demain, la hiérarchie va l'appeler, parce que je suis très connue. Parce que moi, quand on l'appelle, moi, je suis aussi allée, quoi. Enfin, oui. J'ai pris rendez-vous. Il vous a reçu? Oui. Pour ça, oui. Toujours avec témoin, parce que c'est important. Après, on peut nous dire qu'on est un peu folle,
comprends pas, quoi. Enfin bon, c'est vrai que c'est difficile. Qu'on vous manipule, vous avez l'impression. Oui. Enfin, dans ce type d'entretien, oui. Vous êtes senti manipulé, en tout cas. Oui. Oui, clairement. Racontez-nous votre visite non touristique au Vatican. Absolument. Je suis allée 3 fois au Vatican avec une association pour une simple raison d'être reçue auprès de responsables pour 3 choses. Enfin, pour surtout discuter du problème du célibat des prêtres, parce que le problème du célibat concerne aussi les femmes. Et qu'il y a une rencontre avec la hiérarchie, avec les prêtres concernés et avec des femmes. La première fois, on nous a envoyé un spécialiste du célibat qui m'a dit mais femme objet de péché. La deuxième fois, on a passé 4 heures au commissariat de Rome. Et la troisième fois, quand on est descendu du train. À la police ? Absolument. Ils vous envoyaient chez les flics ? Absolument. Photos, absolument, parce qu'ils nous disaient qu'on manifestait. Alors que nous, dans notre demande, c'était très clair. Ce qu'on veut, c'est un dialogue, un véritable dialogue sur ce problème. Parce que ça concerne des centaines et des milliers de femmes. Des centaines et des milliers ou des centaines de milliers ? Des centaines de milliers de femmes. En France ? Oui, en France. En absolument, Europe, non, mais c'est vrai. Ça prouve qu'il y a beaucoup plus de prêtres qu'on ne le pense. Non, mais. À mon avis, c'est plutôt à l'échelle du monde, là. Ce que je peux vous dire, c'est les témoignages de femmes qu'on a. Robert Rochefort du Crédoc. Écoutez, évidemment, non, c'est très difficile parce que par définition, quand c'est caché, c'est pas facile à compter. Je crois néanmoins. Que, en toute honnêteté, ce sont des cas qui sont des cas rarissimes. Non. Dans le passé. Non, ce n'est pas vrai. Attendez, si vous permettez. Dans le passé, ça a été effectivement fréquent. Il faut savoir que. Non, ce n'est pas vrai. Si, il faut savoir que. Je ne suis pas d'accord non plus, c'est des cas. Oui, Robert, attendez. Alors, donc je fais très très court. Il est vrai qu'il existe quasiment dans tous les pays des associations de femmes qui sont des femmes qui se présentent comme des femmes de compagnes de prêtres. Il y en a d'ailleurs plus dans certains pays. Moi, je suis compagne de prêtres et je peux vous assurer qu'on est des centaines. Ah ben, peut-être des centaines. Pas juste du tout ce que vous dites. Non, mais vous dites des centaines. Ça. Oui, absolument. Non, mais d'accord. Sur un effectif qui concerne de l'ordre de 30 000, enfin, si on considère 25 000 prêtres. Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est caché. Quelques centaines. Non, attendez. Ce n'est pas. Ça voudrait dire, par exemple, si je vais un peu vite. Dans la statistique, ça voudrait dire que je n'ai pas un prêtre sur 20 vit dans la clandestinité avec une femme. Comme je vous le dis, c'est très difficile à compter puisque par définition c'est clandestin. Mais en toute honnêteté, tout ce que l'on peut connaître sur le sujet tend plutôt à prouver qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui est un phénomène marginal. Entre 1965 et 1975, il y a à peu près 20 à 25% des prêtres qui sont partis. Parce qu'il faut le savoir, il y a à peu près un prêtre sur 4, un prêtre sur 5 qui a quitté le sacerdoce au moment justement où il y a eu ce raz-de-marée dont on a parlé tout à l'heure avec les événements de mai 68, etc. Et il est exact que ceux qui sont restés, je dirais, sont plutôt rentrés dans une vie qui consistait à dire ben, je reste et donc j'assume la situation dans laquelle je suis. Alors il y a pu y avoir des moments, des prêtres qui ont eu des moments de vie et puis ensuite ils sont passés à retour à une vie, je dirais, de célibataire. Au jour d'aujourd'hui, mon rôle ici n'est pas de vous dire si c'est normal ou pas normal. Robert, c'est très bien, mais enfin, en gros, là, sur ce point-là, vous ne savez pas, quoi. Non, attendez. Alors que nous, on le sait. Vous ne savez pas. Mais au point même que je regrette de vous avoir posé la question, parce que comme vous dites, quand ils sont cachés, on va les compter. Tout ce qui est, je veux dire, on ne sait pas non plus en France combien il y a de gens qui prennent effectivement de la drogue, puisque c'est illicite. D'accord. Néanmoins, on sait tout de même comment vivent les prêtres, parce qu'il y a des enquêtes sur les modes de vie des prêtres. Le fait que les prêtres vivent tout de même beaucoup plus aujourd'hui. Mais attendez, un prêtre qui ment à son évêque, il ne va pas dire la vérité à un institutionnel. Les prêtres vivent aujourd'hui beaucoup plus qu'il y avait en 30 ans en communauté, en groupe de prêtres, à plusieurs. J'étais en communauté avec 3 prêtres, ça ne m'a pas empêché de voir Sophie, de la rencontrer, de l'aimer, de l'épouser. Le problème, si vous voulez, c'est que ça, c'est exactement le discours officiel de l'Église aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois qu'un prêtre part, c'est un cas particulier, que ça n'engage pas les autres. Et ça fait que ça va même à tel point, c'est que quand vous aimez de quelqu'un à tel point, malgré l'amour que vous avez pour le Christ et malgré l'amour de votre ministère, que vous vous dites « je veux vivre cet amour en vérité », quand vous partez, vous avez l'impression d'être le seul, l'unique
Et c'est qu'une fois que vous êtes parti, que vous découvrez qu'il y a des associations, que autour de vous, vous en découvrez telle et telle qui part, que vous découvrez que certains vous en connaissez combien de prêtres, vous en connaissez combien d'anciens prêtres qui se sont mariés, ou de prêtres qui vivent une relation clandestine. Simplement autour de moi, depuis quelques, depuis, ça fait 2 ans que je suis parti, je sais qu'on est déjà au moins 5, on est 5 en relation les uns avec les autres, parce que mariés. Non, à Paris. Oui, mais marié, oui, bien sûr, marié. Oui, non, mais je parle en plus de tous les autres, Mais oui, ça se sait pas. Et dès qu'un prêtre part, il y a une telle chape de plomb qui tombe dessus que le prêtre part, il part dans la nature et on n'en a plus parlé. Et dans son diocèse, on n'en parle plus. Il est tout seul. On traite le sujet individuellement. Donc c'est l'individu uniquement. Excusez-moi si je me suis énervée. Oui, moi je suis d'accord. Parle avec le cœur. C'est ce film qui était. C'est jamais un problème collectif. Ce sont des défroqués. C'est toujours individuel. Voilà. Mais ça va s'arranger. On peut parler un peu du fond du problème du célibat. Je crois que tout le monde n'est pas appelé à être célibataire. Je crois que c'est un cadeau, c'est un don, le célibat. Non, mais ça veut dire que vous rejetez femme. Ça dépend de la femme. Je parle du célibat de l'homme comme celui de la femme, de celui de la femme consacrée, comme on a vu tout à l'heure, pour je notre religieuse. Fou, si vous voulez, qu'on demande... Non, excusez-moi. Je trouve fou qu'on demande à des prêtres de s'engager à vie à ne pas aimer une femme. Ça, c'est aberrant. Parce que peut-être que demain, vous rencontrerez l'amour. Bien sûr. Je vous le souhaite. Mais bien sûr. Parce que c'est merveilleux. Non, mais en plus, il y a des évêques qui les accompagnent. J'ai posé la question à monsieur qui n'a pas voulu me répondre au début de l'émission. Non, si vous avez déjà une relation amoureuse avec une femme clandestine. Non, mais c'est sûr. Ah non, pas de femme clandestine, non, pas du tout. Non, non, je disais, mais c'est vrai que j'étais amoureux. J'ai vécu ma vie de jeune comme tout un chacun qui est ici. Et puis on sent cet appel en nous. Nous avons la chance d'avoir entre 6 et 10 ans de formation. Oui, une formation sérieuse. Vraiment. Absolument. J'ai pu expérimenter. Si je pouvais vivre en célibataire. Sinon, je ne me serais pas engagé dans le ministère de prêtres. Mais quand vous vous engagez au célibat, vous êtes sûr de vous. Mais la rencontre. Vous ne pouvez pas être formé à jamais rencontrer l'amour, voyons. Mais ça ne se décide pas, ni pour vous, ni pour moi. Absolument. Non, ce qu'il est en train de dire, pour prendre sa défense. Ça change un peu. C'est qu'il a testé ses capacités à pouvoir vivre une vie de célibataire. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, dites. C'est le vrai problème. Justement, au séminaire, on ne nous prépare absolument pas à ça. La sexualité n'est jamais abordée. C'est un sujet tabou. Jamais. On parle de la sexualité comme on parle de la Trinité. Enfin, je m'excuse, c'est un peu hérétique, mais on n'en parle absolument pas. On n'est pas préparé. Donc on se retrouve dans le monde brutalement et tout peut arriver. Et les 6 ans de formation n'ont résolu aucun problème. Toute notre vie, tous les jours, le célibat est à vivre. Et je sais, enfin, entre séminaristes, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, la sexualité. Même pas entre vous ? Jamais. Même pas avec les deux jeunes gens qui sont derrière vous ? Avec eux, si. À la maison d'évocation, c'est complètement différent. On parle de tout, y compris sexualité. Voilà. Là, franchement, on a dit... Et quels sont les... 2 secondes. Oui, mais sinon, enfin, je crois... J'avais 3 ans de séminaire. Monsieur, vous contredisez clairement quand même. Et pendant 3 ans de séminaire, on n'a jamais abordé ce sujet. L'amour de la femme, c'est un truc très théorique. C'était en théorie, l'amour. Et ça peut arriver en sortant du séminaire. C'est fou. Donc ce séminaire, il ne prépare pas. On n'a pas une formation humaine là-dessus. Tout peut arriver. Tout peut arriver, ça veut dire d'aimer une femme. Non, mais je te dis, excuse-moi, c'est merveilleux. Ça peut arriver. C'est le pire. C'est ça le pire. Mais non, ça vous interprétez. Non, c'est ce que vous dites. Là, vous interprétez. Non, ça pas. Non, non. Là, c'est tendancieux. Judéo-chrétien, c'est ça, hein ? Non, non, femme serpent. Eh oui. Non, ça s'est un peu passé, quand même. Pas du tout. Dans les monastères hommes, on n'est pas admise. Vous le savez, et ça ? Non, non. Dans cette église, la femme n'est jamais excusée. On va continuer dans un instant, si vous voulez bien, Brigitte. En prenant l'exemple de 2 secondes, mademoiselle, ou alors très court, parce que sinon, vraiment, on prend du retard, là, on va tenir toute la nuit. Là, juste très court, mais pour dire que les femmes mariées aussi ont des tentations, mais on s'est engagé avec une personne. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas de tentation. Et c'est pareil. Et c'est pareil pour moi. Pareil. Mais bien sûr que c'est pareil. C'est pas parce qu'on s'est engagé un jour avec une personne qu'on n'aimera plus personne d'autre, qu'on n'aura pas des tentations toute sa vie. Mais si on veut tenir, il y a une question de fidélité, et on n'a pas appris à être fidèle. Sinon, on s'engage jamais à rien. Vous êtes fidèle à votre mari ? J'essaye, je suis fidèle à mon mari. Je ne peux pas vous garantir que je le serai toute ma vie, mais je vous garantis que j'essayerai toute ma vie. C'est ce que je lui ai promis. Voilà. Et c'est clair que j'aurai des tentations toute ma vie, et je crois que c'est réciproque. Et
Enfin, le mariage, ça n'a jamais été une garantie contre les tentations. C'est un engagement entre deux personnes. Okay. Rien allez, allez on avance avec l'exemple de Sophie et de Pierre-Henri Buisson. Sophie, d'abord, première question. Est-ce que vous auriez pu vivre une relation clandestine aussi longue que Brigitte, à savoir 10 ans avec un prêtre dans la clandestinité? Ça me paraît difficile. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a vécu dans la clandestinité pendant 3 ans. Et il n'a jamais été question d'avenir, donc jamais je me suis imaginée qu'on allait faire quelque chose ensemble, sauf sur donc, les quelques derniers mois où il me laissait entrevoir. Faire quelque chose ensemble, ça veut dire vous marier pour vous, hein? Oui. C'était sous-jacent, enfin, il ne le disait pas franchement, mais... Mais vous avez des relations d'amoureux complètes. Oui, donc, mais on ne parlait pas d'avenir, il n'y a pas de projet du tout. Et... Vous hésitiez, c'était la tempête. La tempête dans le... Oui, tout à fait, la tempête. Et puis, le fait de se dire que, que j'étais prêtre, que j'aimais mon ministère, que j'aimais mon travail, que j'aimais les gens avec qui j'étais envoyé et que je ne me sentais pas capable de partir. Et que dans le même temps, l'amour que j'avais pour Sophie était vrai, était réel et n'entrait pas en compétition avec mon amour pour Dieu et l'amour de l'Église. Ouais. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai refusé d'envisager la question du départ. Mais on est dans un tel contexte que je crois que finalement... C'est dur une double vie? C'est dur à organiser? À organiser, à vivre? Bah oui, mais à organiser aussi. Oui. Il faut se planquer. Hein, faut... Ah ben, c'est clair, oui. C'est mentir, comme vous parliez tout à l'heure, mentir à ses paroissiens, c'est mentir à tout le monde, mentir à sa famille, à ses amis aussi. Ouais. Mentir à tout le c'est monde. C'est 10 minutes de bonheur pour 15 jours de galère, parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on ne va pas s'appeler. Mais alors, c'est 10 minutes de bonheur formidable. Voilà. Et ça vaut le coup, et ça vaut le coup. Que... Donc oui, peut-être que j'aurais continué à vivre comme ça pendant longtemps. Mon père, je peux me permettre de poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un prêtre la première fois qu'il fait l'amour? Je sais pas, je me souviens pas. Ce qui se passe dans le cœur. Oui, enfin, genre de... Non, écoutez, comme impression, alors, quoi. Si, alors. Non, mais dans le corps, on va... Non, mais dans le corps, on n'a rien à faire, là, c'est pas... Ouais. Mais dans le cœur, si, à la fois un grand bonheur, découvert de quelque chose de... J'allais dire d'extraordinaire. On parlait de don de Dieu tout à l'heure, pour moi, c'est ça aussi. Mais en même temps, un sentiment de culpabilité très fort. Parce qu'on a l'impression de trahir... même si personne ne le sait, on a l'impression de trahir tout ce pour quoi on s'est préparé. Et ça veut dire que pour moi, au départ, eh bien, c'était un grand moment de bonheur suivi de grandes périodes de culpabilité, de doute. Et aujourd'hui? Aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Vous culpabilisez plus? Absolument pas. Non. Depuis le moment où j'ai pris la décision de me mettre en adéquation entre ce que je vivais et puis mon ministère, c'est-à-dire de faire la vérité, eh bien, ça a été très dur. Le départ a été très difficile, mais non, maintenant, je suis très heureux, vraiment. Et j'ai pas, depuis que j'ai pris ma décision de partir, et Dieu sait à quel point j'étais bien dans mon ministère et à quel point je m'investissais à fond dans ce que je faisais, j'ai jamais regretté ma décision. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu continuer mon ministère en étant officiellement marié avec Sophie. On va voir que vous continuez à exercer quand même une activité religieuse. Ouais. On va voir à quoi ressemble votre vie de couple au grand jour. On sent que vous en profitez bien après avoir vécu dans l'ombre pendant 3 années. C'est donc un reportage qu'on propose, un reportage de Christian Catala. Et il y a encore quelques temps, on vous aurait qualifié de curé défroqué. C'est une expression qu'on utilise de moins en moins alors. Oui, on ne porte pas la soutane, on ne peut pas l'enlever. Hein? Très bon film. Comment? Ouais, ça, la soutane, c'est... enfin défroqué, c'était aussi par rapport à la soutane. Ouais, c'était ça. Une boutade. Je n'ai jamais porté, donc je ne peux pas l'enlever. C'est dommage, c'est très joli. Oui, défroqué, c'est joli. Je trouve ça très beau, moi, la soutane. Non, la soutane c'est rassurant et ça protège. Je crois que c'était défroqué que vous trouvez très beau. Non, la soutane protège, d'accord. Je vous assure. Et le col romain aussi. Mais c'est dommage de se protéger contre l'amour. Ok, bon, j'avance, moi. C'était pas si mal que ça. Parce qu'il va falloir qu'on y aille. Dominique, viens. On avait envie d'aller se confesser. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, votre présence sur ce plateau, alors, vous aurez la parole dans quelques instants, si vous permettez. Je l'aime bien, mais bon. Je me vois pas aller me confesser à monsieur. Alors, vraiment, c'est pas grave, hein. Je suis pas sur place. Ah, pas du tout. Dans l'endroit où j'exerce. Auprès de qui vous allez vous confesser ici? Aucun. Ah bon? Et pourquoi aucun? Parce qu'aucun ne m'inspire une confession et aucun ne m'inspire la confiance. Ah tiens. Mais... Je suis désolé, hein. Ah bah, c'est bien je suis sincère, moi. Tout à fait. Je suis pas hypocrite. Mais vous en avez déjà rencontré un? Vous en avez déjà rencontré un qui vous inspire la confiance? Ah oui, le Padre Pio. Monsieur a rencontré Marthe Robin, j'ai rencontré le Padre Pio. D'accord. J'ai rencontré le Père Duval aussi, qui jouait de la guitare. Ah oui, et Duvert, remarquez, il était sympa. Ouais. Mais bon, ils avaient la soutane, bon sang, je sais pas, moi, zut. Qu'est-ce que vous avez avec vos cravates, vos machins? On n'est pas obligé d'être habillé comme ça. Je suis employé au Gaz de Bordeaux. On peut avoir une soutane, c'est pas grave. Mais c'est l'habit qui fait le moine? Non, mais ça protège.
Mais n'applaudissez pas bêtement. Mais ça protège de quoi? Il y a un prêtre un jour qui s'est fait traiter de gonzesse. Vraiment, hein? Parce qu'il avait une soutane. C'est ça, n'applaudissez pas bêtement, mais sifflez intelligemment. Sifflez intelligemment, voilà, quand même. Ouais. Non, mais ça protège de quoi? Ben, ça protège justement de la femme, de ses tentations. Parce que la femme, quand elle se trouve devant une soutane, se dit, mon Dieu, c'est un prêtre, c'est terrible. Il y a le col, il y a l'habit. Oui, il y a l'habit, bien sûr qu'il y a l'habit. Alors que les défroqués de la génération d'avant... Non, mais il y a sans doute un peu de vrai dans ce que dit madame. Oui, sauf que les défroqués... C'est comme les hommes mariés. Écoutez, merci, j'ai le droit de m'exprimer. Ils ont pas la... Les défroqués de la génération précédente... Ils ont l'alliance, oui. Bah, tiens, oui. Quand ils partent au week-end, ils ont l'alliance. Les défroqués de la génération précédente, avant le Concile Vatican II, il y en a eu quand même des quantités qui sont partis. Ils avaient tous la soutane, ça les a pas empêchés de rencontrer des femmes. D'accord. Allez, on est parti pour le reportage. Reportage de Christian Catala. On part donc à la rencontre de Raphaël, 5 mois et demi, qui est donc le petit garçon de votre amour à tous les deux, avec Sophie, mais aussi de ceux qui vous ont connu prêtre, et qui vous connaissent maintenant homme marié, père de famille, et qui aujourd'hui découvrent le même homme que celui qu'ils avaient connu avant, j'ai envie de dire. Reportage de Christian Catala. Ça, c'est la vidéo de mon ordination presbytérale. Quand je suis devenu prêtre, le 29 avril 90, pour le diocèse de La Rochelle, dans la cathédrale de Sainte. À l'époque, le célibat ? Pas de problème, c'était réglé. C'est-à-dire que j'allais rester célibataire, j'allais faire un prêtre suivant l'esprit de l'Église. Et maintenant, j'ai un bébé dans les bras qui m'écoute raconter mon engagement en célibat. Il y a un peu plus d'un an, Pierre-Henri prenait l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Quitter son ministère de prêtre pour se marier avec Sophie et fonder une famille. Durant presque 3 ans, Sophie a fréquenté Pierre-Henri alors qu'il était prêtre. Je pense qu'il y a certainement un moment ou un autre où je l'ai vécu comme un péché. Et puis c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, cet amour pour Sophie, c'était pas... l'amour, et puis pour dire les choses crûment, et l'acte d'amour, que c'était pas un péché. Il y avait un conflit intérieur. Et pour vous, il y avait un conflit ? Pour moi, il y avait un conflit. Oui, parce que je culpabilisais de lui faire vivre ce que je lui faisais vivre. Quand même, oui. D'ailleurs, j'osais jamais trop lui dire ce que je ressentais. Enfin, il le voyait bien, ça c'est sûr, mais j'évitais de lui faire des grandes déclarations d'amour de peur qu'il se réveille un beau jour en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ?» Bonne nuit, papa, demain. J'ai jamais imaginé qu'il allait me demander un mariage, à la limite. Parce que jusqu'à ce que tu me demandes réellement, c'était plutôt du style « Oh là là, mais c'est trop tard maintenant, je suis trop vieux, t'es trop jeune, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps maintenant, c'est trop tard. Et si je te demandais, qu'est-ce que tu dirais ?» Alors moi, et si, tu me fais rire toi, je sais pas, t'as qu'à me demander, tu verras. Et alors ? Et quand il m'a demandé, j'ai sauté au plafond. J'y croyais plus, c'est vrai que quand tu m'as demandé, ça m'est tombé dessus, là. Sinon, je crois que je t'ai jamais dit « je t'aime » avant que je te demande de m'épouser. Pourquoi ? Non. Je vais peut-être pas mouiller, je voulais pas aussi lui faire de faux espoirs, j'étais pas sûr d'être capable de tout quitter pour vivre avec elle. En septembre 97, juste après ses vacances, Pierre-Henri décide d'épouser Sophie. Il écrit alors à son évêque pour lui faire part de sa décision. Longtemps, j'ai hésité à entrer au séminaire à cause du célibat. Depuis quelques années, ce célibat me devenait de plus en plus difficile à vivre, au-dessus de mes forces. J'ai rencontré une personne, une liaison amoureuse a vu le jour. J'ai voulu arrêter cette relation pendant un temps. Mais maintenant, tout est clair pour moi, pour nous. Je veux qu'elle devienne ma femme. Je lui ai demandé, elle a accepté. Je ne veux pas vivre mon amour dans l'ombre et la clandestinité. Je ne veux pas et ne peux mettre un point final à cet amour qui illumine ma vie. Je sais parfaitement qu'il n'est pas possible qu'un prêtre puisse se marier. C'est pourquoi, par cette lettre, je vous informe que je démissionne de toutes les charges que le père David m'avait confiées. À cette époque, personne dans le diocèse de Pierre-Henri le soupçonne d'avoir une liaison avec une femme et encore moins de vouloir quitter son ministère. Pour ses fidèles, Pierre-Henri est parti du jour au lendemain, sans expliquer son geste et surtout, il n'a jamais osé revenir sur place. C'est donc sans lui que nous sommes partis à la rencontre de ses anciens paroissiens. Il était adorable. Avec lui, on pouvait parler, on pouvait se confier.
Et vous savez qui s'est marié? Oui, je sais. Ça vous fait quoi? Ça me contrarie, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Un homme, c'est pas de bois, hein. Non, mais le père Henri Buisson nous manque, oui, oui. C'est certain. Il était comme ça. Vous savez qui s'est marié? Oui. Vous en pensez quoi, vous? Moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est normal. Non, pas du tout. Il prêchait la fidélité. Pour moi, il n'a pas été fidèle jusqu'au bout du fait qu'il n'a pas eu le courage d'en parler de vive voix. Pour moi, il a fui presque. Et ça m'a fait mal quand même, parce qu'on a quand même partagé pendant 5 ans beaucoup de choses avec lui et bon, il nous manque. Ben je pense que bon, ben c'est brutal, il faut choisir dans la vie, mais il faut quand même admettre qu'il va falloir que les prêtres aient une vie comme tous les autres, voilà, pour pouvoir avoir des prêtres dans nos petites campagnes. On ne sait pas toutes les réactions. Non, mais vous avez déjà entendu des choses ici Non. Non, on ne les écoutait pas peut-être, ou on ne les entendait pas, je ne sais pas. Il avait dit qu'il ne fallait pas qu'il le voie. Il ne fallait pas qu'il le croise. Il y a des gens qui ne voulaient pas le croiser? Moi, c'est ce que j'avais compris de ce que tu m'avais dit. Il fallait mieux pas qu'il le croise sur leur chemin. Il y a des gens dans le coin qui ont été un peu déçus, vous pensez de ça? Oh, ça, je sais pas. Vous le connaissez? Tout à fait, ça, c'est sûr. Bah, c'est possible. Ah oui, bien sûr. Il a eu l'honnêteté de... d'assumer sa, ah, oui, oui, sa responsabilité. C'est tout. Je suis persuadé que... Sa religion n'est pas disparue. Non, hein. Non, non. Et il la fera revivre, oui. D'une autre façon. Hein. S'il ne peut pas réintégrer où il était, il s'intégrera facilement ailleurs, voilà. Parce qu'il était super, hein, dans tous les domaines. Depuis quelques mois, Pierre-Henri a découvert l'église gallicane, une église qui ne reconnaît pas l'autorité du pape et qui autorise le mariage des prêtres. Chaque semaine, il refait dans cette paroisse les gestes de la messe, une célébration que le Vatican aujourd'hui lui interdit. Je cherchais une communauté, avec Sophie, une communauté pour s'intégrer. Donc en venant sur Bordeaux, on a d'abord été dans les églises, enfin les paroisses de notre voisinage, les paroisses catholiques. Bon, on ne s'y est pas senti très à l'aise, mais ça je pense que... La rupture étant tellement fraîche, moi j'étais peut-être très mauvais public et j'avais l'impression que tout le monde me regardait et me jugeait. Alors c'était peut-être de ma faute ça. Puis un jour, un peu par hasard, je suis tombé sur l'église gallicane. Et puis quand j'ai vu la position de cette église sur des positions comme pour moi personnellement le mariage des prêtres, mais sur l'accueil pour les divorcés remariés, sur l'avortement, enfin sur plein de sujets, je me suis dit mais c'est possible, c'est exactement ce que je pense, que je crois et ce que j'ai dit pendant toutes ces années à mes paroissiens. Je vous présente mon épouse qui s'appelle Sylvie donc et qui participe activement à la vie de la paroisse et à la vie de l'église également. Très sincèrement, pour moi, ce sont deux choses bien sûr distinctes, mais je ne conçois pas l'un sans l'autre, je serais tenté de dire. Pour moi, les deux font partie de ma vie, tout simplement. Dieu et votre femme? Oui, l'un et l'autre. C'est pas incompatible, c'est complémentaire, si j'ose dire. Vous aussi, vous êtes marié? Tout à fait, oui. Du coup, vous pouvez présenter aussi, il se cache là derrière, c'est le père Alexandre. Ah, bah, et on a un point commun, parce que si Jean et Thierry sont gallicans des origines, Alexandre était ordonné à l'Église catholique. 1949, c'est presque de l'histoire ancienne. Vous étiez curé, vous, également? Oui, j'étais prêtre. Prêtre? Et vous avez quitté l'Église catholique parce que vous voulez vous marier ou pas? Ben oui, parce que j'avais honte d'enseigner une chose que je ne pratiquais pas. Et je suis resté 11 ans sans revoir mes parents. À cause de ça? À cause de ça. Parce que c'était... c'était scandaleux à l'époque. Et vous n'avez jamais été attiré par d'autres femmes? Vous disiez? Je n'ai pas été un mari modèle pendant 40 ans. Je vous le dis tout simplement. Hein. Ni mari modèle, ni curé modèle. Ni curé modèle. C'est marrant. Ça arrive souvent, ça? Vous qui avez fréquenté quand même l'église un peu longtemps, ça arrive souvent que les curés s'en aillent pour une femme? C'est rare ou pas? Oh si, j'ai des collègues. Il y a plus d'un collègue qui est parti avec des femmes ou alors qui entretiennent des relations avec une femme, quoi. Une femme, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. À l'époque, on faisait le vœu de chasteté.
quand on était nommé prêtre, même sous-diacre. Alors, il y a un dominicain qui vient nous faire une retraite, nous prêcher une retraite au séminaire. Alors, on aborde le sujet de la chasteté. La première phrase qu'il nous a dite, je l'ai retenue comme si c'était d'hier. Mes chers amis, le vœu de chasteté, c'est impossible à tenir. Alors moi, dans ma naïveté, j'ai dit, mais pourquoi ils nous le font faire alors? Aujourd'hui, Pierre-Henri a complètement changé de vie. Il a réussi à trouver un travail et peut se consacrer à sa vie de famille. La plupart de ses amis l'ont soutenu dans son choix et certains d'entre eux même s'y attendaient. Sur le moment, oui, ça nous a surpris. Mais franchement, on en avait souvent parlé avec les Bossy. Ouais, ça nous a pas étonné. Et on s'était souvent dit que tu serais un bon père de famille. Franchement, voilà. On sentait que ça te manquait. C'est marrant, on a été surpris, mais pas étonné. Oui. C'est vrai que j'ai des gens qui ont été tellement surpris, tellement peinés par ma décision que ils m'ont fait savoir qu'on n'avait plus rien en commun. Quoi. Sur le coup, c'est très dur à vivre. Et puis après, quand on prend du recul, puisque maintenant ça fait 2 ans, et qu'on relit les courriers qu'on a reçus à l'époque, on s'aperçoit qu'en fait, c'est leur souffrance qui ressort. Il y en a une qui t'a blessé sur le moment et tu l'as relu il n'y a pas très longtemps. Oui, je pensais à celle-là, oui. Je vais vous lire un petit passage. Tu n'es pas le premier prêtre, hélas, à partir. Pour ceux que j'ai connus, ils sont tous à peu près revenus, surtout ceux qui étaient partis pour un amour humain. On ne sait jamais combien de temps cet amour durera. Un jour, il baisse, il disparaît. En tous les cas, la plupart se sont réconciliés avec l'Église. Pourquoi partir puisque tu reviendras jour? C'est bien pour les fiancés d'entendre ce genre de trucs. C'est pas la peine, hein. Bouchez-vous les oreilles. Et ça, c'est un curé qui a écrit. Hein. Oui, c'est un curé qui a écrit. Qui marie des gens. Oui, qui marie des gens. Qui croit pas du tout dans quel amour entre un homme. Je suppose que... Non, je suppose que quand il marie des gens, il y croit, mais quand c'est un prêtre qui aime, ça peut pas durer. Voilà. Allez, viens. Viens. C'est quand même rare de voir un ex-curé avec son putain fort. Bah oui, mais... C'est dommage que... Je n'ai pas fait la sieste. En fait, si j'avais un seul regret, moi, Raphaël, ça serait de ne pas pouvoir être marié, père de famille et curé de paroisse. Pendant tous ces mois où vous avez été curé, j'imagine que vos relations étaient assez secrètes quand même. C'était pas assez secrète, elles étaient très secrètes. La première fois, devant des gens qu'on connaissait, c'était tes parents. Ben oui, c'est quand j'ai... Moi, ça me faisait bizarre. Mais d'embrasser Pierre-Henri devant ses parents... Déjà, d'embrasser Pierre-Henri devant quelqu'un, déjà, ça me faisait bizarre. Et en plus, ses parents... Là, mon Dieu. Et devant vous, maintenant? Ah ben, moi, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Allez, j'y vais. Allez, tu fais mon bras. Au contraire, hein, plutôt deux fois qu'une. Hein. Après, c'était le mariage. Ah oui, après, devant plusieurs centaines de personnes. Le reportage de Christian Catala. Regardez cette image, à l'image, pendant quelques temps encore, si vous voulez bien, madame et monsieur, madame Buisson. Vous n'étiez jamais, Pierre-Henri, retourné sur les lieux d'autres paroisses? Non, non. Ça m'a étonné, ça, pourquoi? Ben parce que je suis parti brutalement, j'ai dit au revoir à personne, j'avais le sentiment que tout le monde m'en voulait, donc j'ai pas osé retourner sur place. Mais c'est une question de lâcheté? Quelque part, ouais. 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 Je voulais pas affronter, j'avais déjà... Le départ, ça avait été déjà quelque chose de difficile à vivre, j'avais pas envie d'en rajouter. Ouais, d'en rajouter. Ouais. Et puis, en fait, je suis très content que Christian soit allé. Il m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit non. Il a été. Christian Catala, notre reporter. Christian Catala, votre reporter, oui. Et chef reporter. Chef. C'est pour ça que son reportage m'a marqué. Ah ouais, parce qu'il est bon. vous avez écouté les réflexions de vos paroissiens que vous n'aviez donc pas entendues, puisque vous ne les avez pas revues. Oui. Est-ce qu'elles vous ont surprise? Est-ce qu'elles vous ont étonné, choqué? Enfin, il y a eu différentes réactions. Il y a eu différentes réactions, oui. Qu'est-ce que vous retenez?
Ben, je retiens que dans l'ensemble, les gens sont assez compréhensifs, que je crois que ce qui les a le plus blessés, c'est que je sois parti du jour au lendemain sans rien dire et sans m'en expliquer. Est-ce que vous le regrettez maintenant ? Ah, c'est un de mes grands regrets, oui. J'avais préparé une lettre à l'époque pour... Il y avait deux petits journaux locaux, donc j'avais préparé un mot expliquant ma décision, expliquant mon choix, pour le faire passer dans les deux journaux locaux. Et puis, bon, mon curé, à l'époque, avait vu cette lettre sur la photocopieuse, et m'a dit, faut pas le faire, ça va choquer les gens. Faut parler de rien. Voilà. Et donc, en fait... Est-ce que, comme le comte de Monte Cristo, vous y retournerez ? Je retournerai chez des amis, oui. Chez les... voir vos paroissiens, essayer de... Enfin, dans... Bah, j'irai chez des... Je ne vais pas aller comme ça à Archiac ou dans vous... une des paroisses, mais chez des gens, oui. Mais vous en croiserez, des gens. Oui, oui, mais maintenant, et je crois qu'il y a... Vous êtes prêt à leur parler ? Oui, tout à fait. D'accord. Je vais demander à Véronique et Thierry Bilot, qui sont vos amis, de nous apporter quelques-unes de leur lumière également. Où êtes-vous ? Bonsoir, votre compagne est à vos côtés. Oui, c'est ça, oui. Bonsoir Véronique, bonsoir Thierry. Vous êtes amis avec Pierre-Henri et Sophie. On se connaît et bien, êtes exactement dans le même cas. Ben oui, c'est vrai, j'ai 33 ans et moi aussi, il y a 2 ans, j'ai quitté le ministère pour pouvoir vivre avec Véronique. Vous étiez prêtre, hein ? J'étais prêtre, oui, bien sûr. La décision a été longue à prendre ? On en a parlé ensemble. C'est vrai que ça n'a pas été ma décision tout seul. J'en ai parlé à Véronique. Je sais aussi que pour Véronique, c'était vivre cet amour dont parlait aussi Pierre-Henri. Clandestinement, c'était très difficile pour nous. Parce que dans l'Évangile, on parle autant de l'amour. Et nous, comme prêtres, on est obligés de le vivre clandestinement, ce qui était un peu un paradoxe. Et c'est vrai que je me souviens encore le jour où on en a parlé. On s'est dit, ça va être difficile, il faut affronter l'institution. J'ai vu mon évêque, on en a parlé. Ma famille, même quand même mes parents, c'est pas un problème. C'est un paroissien, des amis à qui j'en ai parlé. Et Véronique a eu cette phrase, elle m'a dit, de toute façon, on se battra, cet amour, ça vaut le coup qu'on le vive. C'est joli. Que vous a dit votre évêque ? Mon évêque, il a été sympa parce qu'on a négocié mon départ, on a aussi négocié mon silence. Donc j'ai déménagé de nuit et j'ai pu parler à quelques amis. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Et c'est vrai que quelque part, ça arrache le cœur de quitter un endroit où on a travaillé, où on s'est investi, où j'étais très content de travailler, d'annoncer la foi, par rencontrer les jeunes. Puis d'un autre côté, il y a ce départ un petit peu qui dit aussi dans les actes, j'ai fait une faute. Alors que pour moi, dans mon cœur, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une faute. Votre évêque vous a fait sentir que vous aviez fait une faute ? Non, il ne m'a pas dit ça. Mon évêque m'a dit... Fait sentir, je veux dire. Ressenti, non. Il m'a simplement dit, tu sais Thierry, quand j'étais auxiliaire de Paris, j'ai négocié les départs dans ton genre des dizaines, donc je vais continuer pour toi. Il m'a aidé aussi à me reclasser professionnellement. Donc il y avait cette main tendue qui était sympa de sa part, mais il y avait aussi ce geste qui me disait, maintenant, mollo, tu pars. Si lui en a négocié des dizaines, ça veut dire que d'autres évêques en ont négocié des dizaines et que c'est assez fréquent, quoi. Hein. Vous pensez... Comprenez-vous-même. C'était. Vous pensez qu'il y a beaucoup de prêtres, vous, qui vivent dans la clandestinité aujourd'hui ? Mais c'est-à-dire depuis qu'avec Véronique, publiquement, on revient sur une paroisse, nos amis, nos familles, on vient tous les deux la main dans la main, même à la messe. Eh bien, c'est vrai qu'on a appris, et Pierre-Henri aussi en était témoin, des gens nous ont téléphoné, des prêtres sont venus nous voir en disant « Vous, vous avez fait le pas, mais nous, vous savez, c'est très difficile, il faut quitter un travail, une situation, une fonction, on a quand même un prestige ». Il faut retrouver un travail. Il faut dire qu'il y a cette fonction honorifique. Mais c'est gratifiant, tout à fait. C'est gratifiant, bien sûr. Et passer du jour à la gratification d'être prêtre à la NPE, c'est vrai que ça, c'est pas évident. Ouais, avec un numéro à la NPE, c'est sûr. Oui. On ne rentre pas dans les critères. Oui, en plus, pour trouver du travail, on rentre dans aucun critère. Ouais. Moi, sur ma carte de demandeur d'emploi, on avait simplement trouvé, après l'entretien avec la personne qui reçoit au guichet, animateur généraliste de loisirs. Géo, oui. Vous avez un métier ? Si j'ai quand même un poste. Alors oui, donc j'ai pu faire un métier, d'ailleurs grâce à une association qui est au sein de l'église, qui s'appelle, je le dis ça à tout le monde, ça s'appelle le Pélican. C'est une association patronnée par un évêque qui aide financièrement les prêtres à se reclasser professionnellement. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui est médiateur familial. On donnera les coordonnées de cette association sur le site internet de France 2 demain et sur le 3615 France 2 également. Autre conversation, quelle conversation vous avez entre vous quatre, par exemple, que vous ne pouvez pas avoir avec les autres ? Madame. Avec les autres, c'est-à-dire ? Avec ceux qui, par exemple, avec les anciens, enfin, pas avec les anciens, mais avec les amis prêtres que vous aviez avant, quoi. Je ne sais pas s'ils sont encore amis ou s'ils ne le sont plus. La discussion qu'on peut avoir tous les quatre, c'est qu'on a un point commun, c'est qu'à un moment donné, on est passé à une étape difficile, et puis maintenant, on se dit, ça y est, c'est passé, on a réussi. Et nous, ce qu'on veut dire aux autres, c'est possible. Et ça, c'est important. Mais les autres... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est lorsque Thierry a quitté le ministère, beaucoup de gens nous ont appelés, des prêtres, pour nous dire qu'ils vivaient des choses cachées.
Et le fait que Thierry parte, ça reste un relais, je dirais, à l'extérieur pour que des gens puissent à un moment donné parler. Si les prêtres pouvaient se marier, vous pensez qu'il y aurait plus de prêtres ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Moi, je pense que, par exemple, pour l'exemple de Thierry, je pense que même marié pourrait exercer son ministère de prêtre. Il a cette vocation en lui. Hein, il n'a pas la vocation de célibataire, comme il me dit souvent. Voilà. D'accord. La question que je posais, c'est est-ce que si les prêtres pouvaient se marier, est-ce qu'il y aurait plus de prêtres aujourd'hui ? Déjà, ils ne partiraient pas. Ils resteraient. Non, ils ne partiraient pas, d'accord. Peut-être que ça attirerait aussi d'autres gens qui sont repoussés par l'idée du célibat. Hein. On parlait de l'amour physique, mais aussi de la tendresse. Vous avez insisté là-dessus. Je sais que l'Église dit que ça ne changerait rien. Moi, je pense que dans un premier temps, il y aurait certainement des candidats nouveaux qui apparaîtraient. Et surtout, je pense que pour un certain nombre de prêtres qui sont en exercice, ça leur permettrait de vivre sereinement dans la vérité et avec un équilibre renouvelé. Moi, je veux dire aussi simplement que dans la société, il y a les célibataires, il y a les gens mariés, les gens qui vivent en couple. Il y en a qui l'ont choisi, d'autres qui ont été victimes de ça. Je pense que dans le ministère, avoir une palette, une pluralité, ça pourrait être intéressant aussi. Parce que c'est vrai qu'on parle de choix, d'engagement, je comprends tout à fait, et je respecte ceux qui s'engagent comme célibataires et comme prêtres. J'ai encore des amis et des collègues prêtres, et on en parle. Mais je me dis aussi, rencontrer une femme dans sa vie, ça ne se programme pas sur ordinateur, ce n'est pas un truc qu'on décide une année, puis qui va se passer plus tard. Je veux dire, pour moi, rencontrer Véronique, je pense que ça a été un signe de Dieu, et j'en suis très content. Et je le souhaite à beaucoup, d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est très jolie, si je peux me permettre. Aussi. Je vous remercie. Comment est perçu socialement un prêtre qui quitte sa fonction ? Je veux dire, socialement, l'ANPE, on a vu ce qu'ils vous ont proposé. Il n'y a pas que l'ANPE, il y a aussi tout le reste du monde, hein, les gens qui ne comprennent pas forcément comment on peut quitter quelque chose pour lequel on s'est engagé pour toujours, en termes d'existence terrestre en tout cas. Les réactions sont plutôt bonnes, curieuses en tout cas, ça j'en suis sûr, ou plutôt négatives ? En tout cas, pour moi, personnellement, oui, pour vous, dans le monde du travail, oui. Ça a toujours été un a priori positif. Pour le moment, j'ai pas été jugé ou condamné pour ça. C'était dur. C'est au sein de l'Église, parmi les amis ou les gens croyants, pratiquants, engagés, c'est là où j'ai eu les réactions les plus vives, les plus difficiles, les plus dures. Mais dans le milieu du travail, non, au contraire. Au contraire, les gens viennent poser des questions, puis on discute librement de plein de choses. D'accord. Il y a aussi plein de choses qui ne se disent pas, hein. Vous nous le disiez tout à l'heure, Patrice, mm-hmm. Des sujets dont on ne parle pas, dont la hiérarchie ne parle pas, même... Elle en parle, mais ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est un sujet qu'elle travaille, la hiérarchie. Oui. Il y a encore eu un synode des évêques en 1990, c'est-à-dire cette assemblée d'évêques qui s'est réunie autour du pape. C'était il y a trois semaines, ça. Hein, parce qu'il n'y a pas longtemps dans l'histoire de l'Église. L'histoire humaine qui est plus courte. Et le synode des évêques donc, a décidé, en conscience, de décider que dans l'Église catholique latine occidentale, le célibat était convenable pour le ministère des prêtres. Parce qu'il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a aussi des prêtres mariés. Oui. Il y a des prêtres mariés dans l'Église catholique orientale, en Palestine, au Liban, au nord de l'Europe, en Jordanie. Il y a aussi les prêtres anglicans qui ont quitté l'Église anglicane avec leur épouse à cause de l'ordination des femmes et actuellement donc sont intégrés dans l'Église catholique britannique. Oui, il y a ceux qui restent aussi. Hein. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont quitté. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien l'Église catholique romaine qui a des options différentes. Et je crois que c'est important de comprendre ces options différentes. Cette option, donc il y en a dans l'Église orientale, de rite oriental, mais c'est bien l'Église catholique romaine des prêtres qui se marient. Mais nous, on nous propose un défi pour donner un signe. C'est ça qui est formidable. C'est que le signe qu'on nous demande de donner, c'est qu'il y a un amour, en effet, plus grand, qui est tellement radical et qui dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer, qu'en effet, ça nous demande un acte qui n'est pas un acte qu'on peut vivre tout seul, qui demande véritablement un don de Dieu, qui s'entretient. Entendu. Mais je crois, permettez-moi de penser qu'on tourne un tout petit peu en boucle et que ça a déjà été dit. Non, mais pour dire qu'il y a des moments qui en effet peuvent être difficiles. J'imagine très bien qu'on peut être tenté, mais c'est vrai que l'entretien par la prière, par notre vie sacramentelle, par la non-solitude dans laquelle on nous laisse, va nous aider à vivre cet engagement qu'on a pris. Éric Noël, en écoutant ces deux couples, ces deux anciens prêtres, qu'est-ce qui se passe dans... Alain Noël, pardon, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Alors moi, je suis un petit peu, j'ai une opinion un petit peu différente de celle qui vient d'être exprimée, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect de signe. Le célibat est un signe. Simplement, je pense qu'il aurait plus de portée encore, ce signe, s'il était laissé comme un choix libre.
C'est-à-dire que ce que je pense très fort, moi je crois qu'il y a une convenance immense entre le célibat et le ministère de prêtres. Je pense qu'il y a une grande convenance, mais qui n'est pas forcément générale pour tout le monde. Et je connais des gens qui pourraient être ordonnés prêtres, qui sont mariés. Et vous aimeriez avoir le choix? Je crois que si on laissait le choix libre, je ne sais pas si on aurait plus ou moins, peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Vous le souhaitez? Ah oui, moi je le souhaite. Donc vous souhaitez le mariage, des prêtres? Non seulement je le souhaite, mais je pense que dans les années qui viennent, l'Église va y venir progressivement, parce que c'est vrai que je crois qu'elle se bouche encore un petit peu les yeux par rapport à des réalités qui sont douloureuses d'une part, et d'autre part parce que je crois que les deux vocations, enfin j'allais dire le célibat et le mariage, s'éclairent l'un l'autre. Et que le fait que des prêtres puissent être mariés ou célibataires, ça permettrait peut-être de donner une nouvelle dimension à la vie de l'Église, mais sans pour autant qu'on dise que, attention, tous les prêtres qui sont célibataires, ils comprennent rien à la vie et à l'amour. Parce que ça, on l'entend quelquefois aussi. Hein. Moi, je crois que dans mon célibat, je suis tout à fait à même de comprendre des gens qui se marient, les accompagner. Il ne faut pas que tout le monde fasse pareil pour pouvoir se comprendre. Oui, votre réflexion. Il y a aussi ce que vous avez connu dans le passé. Oui, voilà. Ouais. Mais moi, je souhaite, et je pense d'ailleurs que l'Église va y venir, mais oui, par rapport au choix, un choix. Je pense et je souhaite. Voilà. Vous pensez que c'est dans l'ordre des choses et que vous souhaitez que arrive pas trop tard. Oui, oui, voilà. Enfin, moi, après le basculement de l'an 2000. Oui. Je crois que tu as tout à fait raison. Moi, Tous les prêtres se tutoient entre eux? Toujours? Souvent. Moi, je crois que tu as tout à fait raison. Enfin, moi, il me semble que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui me rend parfaitement heureux. Je suis heureux d'être prêtre. Je vis bien mon célibat. Je crois que c'est important qu'il y ait des prêtres célibataires. Mais en même temps, j'ai un ami qui est prêtre anglican, il est marié, et je peux témoigner qu'il a reçu et qu'il reçoit exactement les mêmes grâces que moi pour vivre son ministère et pour accompagner sa paroisse. Ça me semble évident. Et il me semble qu'il y aurait les deux. Il n'y a pas d'hypocrisie là. Je pense que là on est dans la vérité. Il y a des manières différentes. La hiérarchie. Vous avez déjà connu des relations amoureuses clandestines? Non. Jamais? Non. Levez la main droite. Oh ben, je peux même lever les deux si ça vous fait plaisir. Très bien, je vais donner la parole à Estelle Billon, s'il vous plaît. Où est-elle, Estelle? Comment allez-vous? Levez-vous. Bonsoir. Levez-vous, on vous verra mieux, Estelle. Bonsoir. Vous êtes la fille d'un prêtre et d'une religieuse. Oui, c'est ça. Ça doit être étonnant quand vous en parlez comme ça, non? Ben oui, en fait, ça se complique, Alain Noël. Enfin, disons que ma maman a été religieuse et pas bonne sœur. C'est juste une petite parenthèse. D'accord. Et donc, quand elle est sortie de sa congrégation, elle a rencontré papa dans une manifestation. Et c'est quand même assez exceptionnel. Elle ne le savait pas à ce moment-là. Et donc, ils se sont revus. Ils ont distribué des tracts ensemble, tout ça. Et puis, un jour, elle est allée chez lui. C'était des tracts pour quoi ou contre quoi? C'était pour la retraite à 60 ans, voilà. Oh. Personne n'est contre. Et donc, ils ont distribué les tracts, ils se sont revus, et puis bon, un jour, maman est allée chez papa, et elle s'est rendue compte qu'il vivait avec une personne, c'était un homme. Alors elle s'est dit dans sa tête, où il est homo, où il est prêtre. Et ça n'a pas loupé, donc... C'est qu'à la manif, il n'avait pas son pins, quoi. Elle n'avait pas repéré que c'était un prêtre, quoi. Non, voilà, non. Elle n'avait pas repéré. D'accord. Et donc, il lui a dit qu'il était effectivement prêtre, et voilà. Et donc, quelques mois après, ils se sont mariés, et ils ont eu 3 enfants. Dont vous? Dont moi, voilà. D'accord. Quelles sont les réactions des gens, en général, quand vous leur dites que vous êtes la fille d'un prêtre et d'une sœur? Religieuse, pardon. Mais en fait, justement, il n'y a pas de réaction. J'ai jamais eu de réaction de... Je sais pas, on m'a jamais repoussé à cause de ça, rien du tout. Des fois, on a été surpris quand même, parce que c'est quand même une histoire pas banale, quoi. Mais par contre, on m'a jamais repoussé, rien du tout, quoi. Vous en connaissez d'autres, les enfants, dans le même cas de figure? Non. Non. J'aimerais bien, justement. Ah bah, s'il y en a qui nous regardent ce soir, qu'ils entrent en contact avec vous à travers nos services. Voilà. D'accord, entendu. Une dernière question, est-ce que vous êtes croyante? Oui, croyante, mais non pratiquante. Pourquoi non? Parce que je pense que l'Église a besoin. Ben, moi, je pense que l'Église a besoin de se dépoussiérer un petit peu, quoi. Ouais.
Je pense, je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, mais vite fait, c'est vrai que par rapport, par exemple, au célibat des prêtres, je ne pense pas que ce soit normal, parce que je pense qu'un prêtre peut vivre à la fois une vie à l'église et une vie normale en famille. Je crois que vous rejoignez la majorité de ceux qui sont devant nous ce soir. Je n'ai pas dit l'intégralité, mais la majorité, je vous inclus dedans. Puisque vous parlez de votre... Vous pouvez. Je vous inclus. Absolument. Je vous inclus. Et vous vous êtes inclus vous-même. Hein, c'est ça. D'accord. Aux parents, où sont vos parents? Mes parents, ils sont là. Ouais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame l'ex-religieuse. Vous êtes toujours croyant? Micro. Oui, oui. Toujours pratiquant? Non. Je vais à l'église, mais enfin, pas particulièrement à la messe tous les dimanches. C'est-à-dire, vous y allez quoi? À Noël, à Pâques et pour les cérémonies? Même pas. Même pas. Ah oui, vous y allez pas, quoi. J'y vais, si, mais c'est informel, je ne... Ouais, enfin, c'est 2-3 fois par an, quoi, si j'ai bien compris. Des fois plus. Des fois plus. Je pense que d'aller à l'église, c'est un besoin, des fois, aussi, de se retrouver... Pour prier. Vous y allez pour prier. Enfin, disons que je prie bien ailleurs qu'à l'église. D'accord, vous priez souvent, quand même. Votre mari, vous priez également, monsieur? Il est ouvert. Oui. Est-ce que ça marche? Ça marche. Je ne sais pas ce que vous appelez prier. Moi non plus d'ailleurs. Tiens, c'est... Bon, mais ça tombe bien. Donc non, c'est-à-dire c'est à vous adresser au Seigneur, quoi, et lui demander des trucs, ou lui confesser des choses. Oui, merci. Oui, moi je pense que j'ai réorienté ma vie. J'ai réorienté ma vie parce que je pense que je n'étais pas appelé au célibat. Est-ce que si j'avais pu exercer un ministère étant marié, est-ce que je l'aurais fait? Probablement. Je me suis réorienté, donc, et j'ai vécu, excusez-moi l'expression, donc une vie comme tout le monde. Ah, on vous exclut, celle-là, on l'accepte. Puisque la plupart des gens sont mariés. Donc j'emploierai la philosophie, si vous voulez, que j'ai apprise, moi, dans mon pays d'origine, l'Ardèche, et je dirais que je vis au ras des bialaires, c'est-à-dire au ras de terre, au ras des gens, voilà. Et on s'est rencontrés avec Edith, d'ailleurs, dans une manifestation, dans une activité syndicale, et puis politique également, et voilà. Alors, vous exercez quel métier tous les deux maintenant? Ben bon, je suis au chômage actuellement et près de la retraite, puisqu'on a milité pour la retraite à 60 ans, ça y est, j'y arrive. C'est pas tout à fait loupé. Elle, bientôt. Ça faisait deux bonnes raisons d'aller à la manif. Tout à fait. Oui. Mais c'était il y a 25 ans, quand même. Oui. Et vous, madame? Moi, je suis femme de ménage dans un grand laboratoire de Toulouse. Ouais, c'est pas évident de trouver un boulot. On le voit à travers tous les témoignages de ceux qui sont ce qu'on appelle de moins en moins des prêtres défroqués. Vous avez entendu cette expression à votre sujet? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai pu trouver du travail, quand même, parce que j'ai trouvé un travail... difficile, dur à ce moment-là. J'ai trouvé un travail de chauffeur-livreur quand j'ai décidé de me marier. Donc c'était un travail relativement pénible et relativement peu demandé. Et puis après, dans le groupe BSN où je travaillais, j'ai été attaché commercial avant de me faire virer, comme la plupart des gens qui n'avaient pas les idées en accord avec la société BSN. Avec l'entreprise. Danone aujourd'hui. D'accord. Elfried Hart, venez nous rejoindre s'il vous plaît pour... presque la conclusion de cette émission, mais c'est un thème qui est important quand même et qui concernera en particulier les femmes qui nous regardent ce soir. Sous les applaudissements du public, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Maman au foyer, c'est un métier, hein, surtout quand on a cinq enfants. C'est enfin, je suis une femme, comment disait quelqu'un, de sans profession, enfin, avec un C, c'est-à-dire une centaine. On fait énormément de choses. Quand on est femme au foyer. Et qu'on a cinq enfants. Et quand on a cinq enfants. Six, avec le mari. Exactement, c'est l'aîné. Pourquoi vouloir devenir prêtre à tout prix, vous? Parce que je travaille dans le bénévolat. Je m'occupe de plusieurs choses. Par exemple, de personnes âgées qui n'ont aucun rapport avec l'Église, qui ont beaucoup de difficultés. Que j'ai accompagné jusqu'à un stade assez avancé, peu avant la mort. Ils voudraient se réconcilier et je ne peux pas leur donner l'absolution, par exemple. Ils ne veulent pas avoir un prêtre auprès d'eux parce que ça représente pour eux quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Je ne peux pas.
il n'y a pas de possibilité de leur donner non plus l'extrême onction, par exemple. Je peux faire la catéchèse. Je crois que j'ai pas mal de succès avec cela. Les enfants m'aiment, les jeunes m'aiment. Mais voilà, après, il y a quelqu'un d'autre qui doit faire la fin. Religieuse ne pourrait pas suffire. C'est autre chose, non? Pour moi, la vocation de religieuse, ce n'est pas ma vocation. Comment une femme mariée avec 5 enfants... Vous ne portez pas d'alliance, d'ailleurs? Non, je ne porte pas d'alliance parce que je suis divorcée de mon aîné, voilà. Il vous reste les 5 suivants, d'accord. Mm-hmm. Comment une femme mariée avec 5 enfants pourrait être aussi disponible qu'un homme seul pour exercer cette fonction de prêtre? J'ai déjà ma communauté à la maison, pour commencer. Parce que je suis chef d'une communauté avec mes enfants. Je suis d'accord, mais comment additionner les deux alors? Simplement, j'élargis un peu plus, c'est tout. C'est tout. Je trouve assez de temps pour m'occuper encore d'autres choses. Je le peux tout à fait, pourquoi pas. Enfin, c'est pas le nombre qui fait la différence. Est-ce que c'est un problème de sexisme? Je crois que dans l'Église, c'est un problème de sexisme. Parce que quand vous regardez qui est exclu de la prêtrise, c'est d'une part la femme, comme moi par exemple, mais ce sont aussi les hommes qui touchent le corps d'une femme et l'avouent. Ah, et l'avouent. Mais souvent, on les convoque, on les engueule un peu, et puis on les fait repartir dans le droit chemin. Hein. Voilà. On essaye en tout cas, c'est ce qui se passe. Hein. Vous parlez de votre, oui, j'allais dire votre mari, votre compagnon. On leur dit c'est pas bien, faut pas le faire, et au bout d'un moment... Voilà, ou alors on les expédie en Afrique, ou on les expédie plus loin. De ces unions aussi, enfin de ces couples clandestins naissent des enfants, il faut le savoir, ça. On a vraiment l'impression qu'il n'y a que ça dans l'Église. Hein. Non, il n'y a pas que ça, mais moi je suis... On a l'impression qu'il n'y a que des problèmes, des revendications, des problèmes... Ah, c'est parce que vous avez écouté que les 20 dernières minutes de l'émission. Non, j'entends le début. Moi, j'aimerais bien qu'on entende aussi... J'aimerais bien aussi qu'on entende la joie des 28 000 prêtres qui essayent d'être fidèles un peu à leur engagement. Ah, mais on l'a entendu à travers vous, à travers l'abbé Jouy, à travers monsieur. Oui, mais de façon plus forte. Parce que je crois... Moi, j'ai entendu de la joie... J'ai entendu de la joie chez vous, j'ai entendu de la joie chez vous, monsieur Jouy, j'ai entendu beaucoup de bonheur chez vous, j'ai entendu beaucoup de bonheur chez Alain Noël, j'ai entendu beaucoup de futur bonheur. Non, parce que Pierre-Henri et Sophie... Mais actuel déjà. Je voudrais revenir à ce que vous dites, je suis un peu d'accord, je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée à la fin de cette émission, le titre c'est « Les prêtres ont-ils de l'avenir ?» C'est pas le célibat. Et bien moi j'ai envie de dire oui, il n'y a pas que le célibat, il n'y a pas que tout ça, il y a d'autres choses. Mais vous savez pourquoi on se pose cette question? Je ne sais pas qu'on reste sur cette image-là. On se pose cette question parce que les églises sont vides, parce que monsieur a en charge 17 églises différentes. Si les gens nous regardent ce soir, elles vont se vider encore plus. Aucun jeune n'a envie de s'engager. Je pense pas. On a parlé de problèmes très difficiles. Je crois que le célibat est un vrai problème. Il faut savoir que mon avis d'église, je suis d'accord avec toi, va évoluer. De toute façon, mais là, on parlait du célibat, on parlait d'une autre évolution. Peut-être qu'il y aura d'autres évolutions. Mais oui, mais attendez, s'il y a des femmes qui deviennent prêtres, tout ça n'est pas figé. Tout ça n'est pas figé. Le célibat n'est pas figé. Tout ça n'est pas figé. Tout ça va évoluer, je pense, avec le temps. Et dès maintenant, je crois qu'on peut être heureux d'être prêtre, heureux dans l'état actuel, quoi. Sachant que ça va évoluer. Je crois pas que ceux qui vous regardent ont l'impression que vous êtes malheureux, hein, du tout. Mais j'espère. Simplement, on pose la question ce soir parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. Non, mais il y a un autre aspect, je crois, qui est très important aussi, c'est que dans l'Église, il n'y a pas qu'un rôle, celui du prêtre. Moi, je trouve ça un cléricalisme incroyable. C'est incroyable. On parle des prêtres ce soir. Oui. Mais justement, parce que si les prêtres auront de l'avenir, s'ils prennent leur place, ils ont leur place, et pas plus que leur place. Si c'est une question de pouvoir, je crois que madame a raison. Et à ce moment-là, et vous savez, ceux qui ont le plus de pouvoir dans l'Église, c'est pas une supérieure d'une congrégation féminine qui a 6 000 religieuses, absolument. Elle a plus de pouvoir que le cardinal Lustiger. Ah, oui. Comprenez ? Donc c'est vraiment, si c'est une question de pouvoir... Alors, on peut se dire, d'accord. Mais ce n'est pas ça la question. Ah non, ce n'est pas une question de pouvoir. La question, c'est que ce corps, il faut, en fait, ce corps extraordinaire que Dieu suscite pour montrer son amour au monde, il faut qu'il fonctionne comme Dieu l'a voulu. Parce que ce n'est pas nous qui avons décidé ça. Alors, si vous voulez, disons qu'il y a un modèle Saint-Pierre, marié, et il y a un modèle Jésus, célibataire. Dans l'Église orientale, il y a des prêtres mariés. C'est-à-dire, je crois que ce serait dommage que les gens se disent, mais en fond, il n'y a pas de prêtres mariés, ils ne peuvent pas se marier avec le célibat. C'est bien plus que ça. C'est pour ça que j'insiste quand je dis que le célibat est un signe. On parle plus du célibat, là. Hein. Non, non, mais attendez, j'insiste. Le rôle de la femme à ce moment-là, mais dans quelle église est-ce qu'on donne un rôle aussi éminent à une femme que, par exemple, celui de mère de Dieu
Vous vous rendez compte, c'est fantastique. Il n'y a aucune autre religion. Mais pourquoi il n'y a aucune autre religion qui donne à la femme un rôle de mère de Dieu. Mesdames. Mais ce n'est pas du discours, c'est une réalité. Tout à l'heure, vous nous avez raconté toute l'histoire de votre vocation. Mais oui. Pouvez-vous vous imaginer qu'une femme ait une histoire comparable? Mais il y en a qui ont une histoire comparable. Voilà. Bah, par exemple, Thérèse de l'Enfant Jésus. Soyons concrets, 1998. Mais attendez, c'est il y a 100 ans. Elle aurait voulu être prêtre. C'est très récent. Elle aurait voulu être prêtre. Bah, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes opposé à l'idée que madame devienne prêtre? Je voulais juste terminer ça, parce que madame vient. Thérèse de Lisieux, elle dit je vais être prêtre. Thérèse de Lisieux, elle n'est pas sur le plateau. Mais si, parce que c'est... La question, est-ce que vous êtes d'accord tous pour que madame devienne prêtre? D'abord, ce n'est pas à moi de décider. Non, votre opinion, attendez. C'est l'Église. Non, mais attendez. Jamais à moi, c'est pas. Je pense que ça amènerait, plus. Ça ne résoudrait pas la question. Tout le monde s'énerve, et moi y compris, c'est pas bien. Est-ce que vous seriez prêt au moins de me soutenir? Je trouve qu'il y a une contradiction de base. Vous dites je veux être prête parce que les gens qui sont en train de mourir me demandent quelque chose. Elle veut pouvoir dire la vérité. Ils ne veulent pas de prêtre. Quand elle sera prête, ils ne voudront plus d'elle. Non, mais ils ne veulent pas de prêtre homme. Attendez, je ne veux pas un prêtre homme. Ah, Monsieur Buisson, excusez-moi, Monsieur Buisson. Oui. Je disais souvent, parce que il n'y a pas que j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Elfried, pardon. Il y a beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui accompagnent des gens. J'ai eu beaucoup ce témoignage de femmes qui accompagnent des fois des personnes qui vont mourir jusqu'au bout. Et la personne qui est accompagnée désire avoir ou le sacrement de réconciliation ou le sacrement l'onction des malades, par la personne qui l'a accompagnée. Or, ce n'est pas possible. Alors, on va faire venir. C'est pour ça que souvent, ces personnes-là ne veulent pas d'un prêtre, parce que c'est pour eux, c'est une personne qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vue. Il va venir ici, il va poser un geste, mais pour la personne, ça ne voudra rien dire. Voilà. C'est pour ça que... Elfried, vous souhaitez faire tout ce que monsieur vient de dire. Vous souhaitez également faire la messe? Oui. Je trouve que notre culture, enfin les catholiques, nous avons les sacrements. Et pour moi, je trouve que c'est très important. Alors, je trouve que c'est dommage que ça se perde parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Est-ce que vous aimez vos frères? Oui, et mes sœurs aussi. Est-ce que vous aimez profondément l'Église catholique? Je l'aime. Alors que vous devez lui faire confiance? Je fais plus de confiance. Écoutez, pouvez-vous me dire qui est l'Église catholique? Pardon? Qui est l'Église catholique? Le peuple de Dieu, nous tous. Bon, voilà, je fais confiance au peuple de Dieu et à l'Esprit dans ce peuple. À qui il a été donné des responsables, qui ont la responsabilité de la conduire? Nous avons tous et toutes la responsabilité pour cette Église. Et ça ne se mérite pas, ça se reçoit. Ça se reçoit, exactement. Nous avons tous été Nous avons été toutes et tous baptisés, et par là, nous faisons déjà partie de la prêtrise du Bien Christ. Sûr, tout à fait. Alors nous avons tous fait. Et toutes la responsabilité. Parce que qu'est-ce qui est plus important, c'est d'être un saint ou d'être un prêtre? Ça dépend de la personne. Je crois que ce qui est important, et c'est là où je rejoins la crise mon père. Voilà, est-ce qu'ils s'excluent mutuellement? Ok, on va poser la question à tous ceux, les prêtres qui sont avec nous ici ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre, on va dire pour ou contre, c'est un peu bêta, que les femmes puissent devenir prêtres? Tout à fait. Pour? Je suis pour, oui. Patrice? Je ne peux pas répondre oui ou non. On simplifie, là, on parle de la France. En France, la femme a un rôle. Mais l'Église, elle est mondiale. Oui. Vous allez, par exemple, je lisais qu'en Ouzbékistan, ils viennent d'autoriser des Bibles qui étaient coincés à la douane depuis 1997 à rentrer dans le pays. Mmh. Alors, il faut savoir que là-bas, la femme n'a aucune place. Mmh. On leur parlerait de l'ordination des femmes, ça serait ubuesque pour eux. L'Église, elle a un rôle mondial. Elle a un rôle mondial. Donc, il faut que les choses évoluent doucement, lentement. Donc, dans l'état actuel des choses, je dirais qu'à l'échelle mondiale, les femmes ne pourront pas être prêtes partout. C'est pas vrai. Est-ce que vous le souhaitez à terme? Que devenir vous souhaitez prêtre à terme. Ici. Je pense que, enfin, pour moi, c'est difficile de répondre en deux mots. C'est pas parce que madame n'est pas prêtre qu'elle n'est pas appelée à être sainte. C'est pas parce que je serai prêtre un jour que je serai appelée à être saint. Ça n'a rien à voir. Elle est prête par son baptême. Elle est créée justement. Tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois dès le baptême. Ensuite, attention. Hein. Bon.
L'ordination, voilà. C'est pas le baptême, quand même. Voilà. D'accord, mais c'est quand même plus important. Vous savez, il y avait un très bon livre dans le temps qui s'appelait Le signe sur les mains. Exactement. Et c'est ce qui différenciait le prêtre de l'homme. Le prêtre. Il avait le signe sur les mains. Il pouvait dire la messe. Voilà. Il pouvait donner des sacrements. Et c'est ça qu'elle veut. Êtes-vous d'accord ou non? C'est ça la question. Ça va, alors, elle y arrive toute seule. Hein. Non, mais c'est vrai. En plus, nous faisons déjà tout ce qui est le service, c'est-à-dire le diaconat. Vous faites des messes clandestines. Bah oui, et il y a, dans les communautés de base, il n'y a pas la fonction du prêtre comme on l'a ailleurs. C'est-à-dire que dans les communautés de base, on célèbre la messe entre... C'est une petite communauté et on célèbre la messe et ce sont les femmes aussi, parfois moi ou d'autres, qui prononçons les paroles. C'est tout à fait, ça se fait, nous le faisons. Nous n'attendons pas que quelqu'un nous permette de le faire et... Si vous voulez, on dit, nous croyons que nous célébrons une messe et qu'il y a une transmutation. C'est le canon. Voilà, merci. Non, excusez-moi. Si, non, mais nous y croyons. Jésus est présent. Si, enfin, comme disait un de nos camarades, s'il n'y est pas, ce n'est pas notre faute. Vous voyez, ce n'est pas de la magie que nous faisons. D'un autre côté, le prêtre a une fonction qui est très importante et qui pour moi est essentielle. Il est aussi le signe de l'union de l'Église. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous demandons l'ordination. Parce que de faire ça, on peut le faire en petit cercle, mais ça ne peut pas se faire n'importe où, parce que sinon, qu'est-ce que ça devient? Il faut vraiment qu'on reste... une église d'église, c'est-à-dire qu'il y ait des communautés, communautés. Les petites sœurs que vous avez torturées un petit peu tout à l'heure, les petites franciscaines, la petite sœur que vous avez un peu torturée tout à l'heure. Torturée. Oh, un peu dur quand même, j'ai trouvé. Ces sœurs, c'est des franciscaines, elles sont dans le monde entier, dans des pays faciles comme l'Éthiopie, Djibouti, où ceux qui doivent faire séropositif, ou dans le 15e arrondissement où elles habitent, où elles connaissent toutes les personnes âgées par les toilettes qu'elles font. Elles font ce que personne ne veut faire. Elles m'ont plus apporté dans ma vocation à moi que des prêtres. Par, je dirais, leur humilité, leur simplicité, leur bonté. Et elles ne sont pas prêtres. Elles m'ont apporté, je dirais, un modèle d'exemple extraordinaire. Non, mais ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue, Patrick. Est-ce que vous comprenez le sien? En plus... Non, mais c'est... Je pense pas avoir torturé madame. C'était pas mon esprit, en tout cas. Le petit moment de complicité, on s'est amusé. En même temps, on a compris sa vie, on a compris sa vocation, on a compris le plaisir qu'elle y prenait. On a été d'accord ou pas avec quelques pensées qu'elle a émises, comme quoi l'homme est supérieur à la femme, par exemple. Tout le monde n'était pas d'accord ici, y compris des femmes. Personne n'est d'accord. Non, je plaisantais, mais simplement, est-ce que vous êtes contre l'idée qu'une femme devienne prêtre un jour? En fait, pour vous, tout le monde doit être pareil. Non. Pour moi, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits, si c'est la question. Voilà. Ah, mais être prêtre, c'est pas un droit. Être prêtre, ah ben voilà le problème. Non. Être prêtre, c'est pas un droit. Être prêtre, c'est un appel. C'est pas un droit, c'est un devoir. J'ai pas le droit d'être prêtre. Je demande à l'Église de m'en donner prêtre. J'ai aucun droit. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit d'avoir ce devoir? Je ne peux pas le demander. Pour l'instant, le pape a interdit qu'on en discute. Pour l'instant. Je ne peux pas le demander. Pour l'instant. Alors je pense que ça, par exemple, c'est quand même, il devrait avoir une égalité pour au moins là, qu'on ait le droit de demander, de faire tout ce processus de discernement. Je pense que ça. Vous demandez au moins à être entendu, à être pris au sérieux. D'accord. Parce qu'on dit les femmes, ça n'a pas de vocation de prêtre, ça n'existe pas. Dieu n'appelle pas les femmes, il n'appelle que des hommes. On va s'arrêter là. Votre opinion, vous, sur les femmes prêtres? L'Église a quand même été et est encore un petit peu macho. Très. Mais, j'ai pas fini. Je pense que c'est un petit peu tôt pour faire venir cette question, même si je comprends votre impatience. Si vous vous sentez vraiment appelé au ministère de prêtre, je comprends votre impatience. Je pense que c'est un petit peu tôt et surtout, il faut être patient, l'Église est une vieille dame, ça viendra peut-être un jour et cette question-là sera peut-être posée, il ne faut pas... Vous pourrez dire, vous auriez pu dire un vieux monsieur. Je dirais ma mère, comme on dit mon père. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre ce que fait une personne, c'est-à-dire le prêtre peut faire ceci, peut faire cela, pourquoi est-ce que moi, femme, je ne pourrais pas faire les mêmes choses? Si c'est à ce niveau-là qu'on place le débat, à mon avis, on se plante. Je crois plutôt qu'il faut réagir au niveau de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? De qui est-il signe? Voilà. Et si vraiment on a ça en soi, on peut en discuter. Mais par pitié, ne faisons pas de ça une revendication pour une égalité qui serait complètement factice entre femmes et hommes, parce que moi je crois très fort à la différence. Je crois
que... Non, mais je sais pas, j'ai l'impression, mais là, vous me contredirez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et messieurs aussi, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est différents, qu'on est tous différents, mais qu'on a tous le droit au même droit, y compris au même devoir. Mais Donc, un devoir peut être un droit aussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, Patrice Sassier? Oui, dans l'absolu, oui. D'accord. Je voudrais quand même vous répondre. Et dans quelle espèce? Dans quelle espèce? C'est-on du temps au temps? Ah oui, c'est une question de temps, donc, pour vous. Il y a un autre aspect aussi. Il y a un autre aspect, très court, parce que là, vraiment... Il y a un peu gommé, qui est celui du fait qu'il y a une diversité de vocations dans l'Église qui est énorme. Et si la vocation de la femme, c'est de devenir prêtre, il y a quelque chose qui va disparaître complètement du corps de l'Église, et je pense que... Qu'est-ce qui va disparaître? Par exemple, toute la fonction de la consécration au célibat des femmes, vous voyez, qui est quelque chose dans la vie religieuse, qui est quand même, ou dans la vie célibataire. Pourquoi ça disparaîtrait? Parce que pour l'instant, on est en train de parler d'une femme mariée, divorcée, mère de 5 enfants, qui veut devenir prêtre. Elle a tout contre elle. Donc, non, elle n'a pas contre elle. Mais non, je suis pas en train de dire quelque chose. On parlait de quelle espèce, monsieur Robles, sur le cas précis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mon père, allez-y. C'est pas la question. Alors, si elle n'avait pas d'enfants, si elle était célibataire. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question. Mais non. Mais si, le divorce, c'est. Par qui? Par vous? Il faut quand même juste dire que les divorcés ne sont pas excommuniés, pas les divorcés. Vous êtes en train de nous expliquer que vous ne souhaitez pas que les femmes deviennent prêtres? Non, pour l'instant, non. Je pense que les rôles doivent être répartis. Je pense qu'il y a un rôle de la femme extraordinaire à trouver dans l'Église et qui a déjà été trouvé en grande partie. Attendez. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a un rôle qui est absolument fantastique et qui est un rôle qui est très lié en plus à la féminité de la femme, qui se manifeste en particulier dans les tas de vocations qu'on voit, et que pour l'instant, en effet, je pense que la pensée de l'Église qui a réfléchi là-dessus, vous savez, qui a réfléchi quand même depuis des centaines d'années là-dessus, c'est pas un débat qui débarque comme ça d'un seul coup. Non, mais la société évolue. Vous savez qu'il y avait, à l'époque de Jésus, il y avait des prêtresses dans différentes religions. Jésus a quand même choisi... Moi, c'est quand même étonnant que l'Église, à la fois orthodoxe et catholique romaine, n'ait jamais osé, au fond, ne pas faire ce que Jésus n'avait pas fait. Vous voyez, et ça, je crois que c'est très important, parce que si on ne prend pas ça en compte, on va tomber, en effet, juste dans le domaine de l'agir. Ce n'est pas seulement dans l'agir, c'est dans le domaine de l'être, et qui est très profondément marqué. Moi, j'étais plutôt dans le domaine de s'adapter à son époque, encore une fois, c'est l'exemple le plus frappant. Les femmes n'avaient pas le droit de vote il y a 50 ans, c'est quand on y pense, il y a 50 ans. Mais attendez, je suis d'accord avec vous. Mais si c'était une question de pouvoir, encore une fois, mais ce n'est pas une question de pouvoir. De droit. C'est le droit à un pouvoir, sinon ça ne sert à rien. Vous avez peur pour votre pouvoir, alors? Non, je dis justement, si c'est ça, qu'il y ait une réforme du pouvoir des prêtres dans l'Église, peut-être. Vous voyez, alors là, il faut en discuter. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut changer le sacerdoce. Je crois que ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus complexe. Dites-moi qui était au pied de la croix. Il y avait beaucoup d'hommes? Non. Eh bien, justement. Il n'y en avait pas. Il y avait les saintes femmes, il y avait la Sainte Vierge et Marie-Madeleine. Mais oui. Qui était à la résurrection? Mais je suis d'accord avec vous. Qui était à la résurrection? Mais le premier témoin. Mais oui. Monsieur Jouy. Ça montre bien le rôle que Jésus donne à la femme. D'accord. Ben oui. Fantastique. Et qui était la personne qui a fait l'onction à Jésus? C'était un homme? Mais non, mais vous alors, elle a fait fonction d'évêque. Elle l'a consacré. D'évêque? Ah, bien sûr, c'est l'évêque qui consacre avec l'huile. Non, mais ce n'était pas une consécration, c'était pour je lui donner un parfum. Je pense que c'était bien une consécration. On mélange un peu tout, je crois qu'on s'éloigne de la réalité de l'Église. Cette onction était un symbole... Quotidienne. Cette onction était un symbole très, très fort. Merci, mesdames. Avec tout le respect que j'ai pour vous, et pour vous également, messieurs, que c'est bien clair pour tout le monde. Le mariage, le... l'ordination des femmes, je sais que vous êtes contre, je l'ai compris. Non, mais vous l'avez dit. Vous êtes pour ou contre? À terme, je veux dire, pas forcément demain, dans l'absolu. Ça, j'en sais rien du tout. Moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que, il me semble, que le modèle de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à preuve du contraire... C'est Jésus-Christ et ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu. Jésus, il a bouleversé tous les tabous de son époque. Il a fait tout ce qu'on ne faisait pas. Il y a une seule chose qu'il n'a pas fait, c'est de prendre des femmes comme apôtres. Les apôtres étaient tous des hommes. Il y avait des femmes qui étaient présentes. Quand on regarde la scène, des hommes mariés. Cherchez la femme. Mais il n'a pris... que des hommes.
Et donc vous suivez Jésus. Vous suivez Jésus. Moi, il me semble que jusqu'à ce qu'on me propose. Il n'a pris que des juifs. Non, c'est pas un. Non. Hein? Il y avait que des juifs dans son groupe. Ça n'a rien à voir. C'est pas un argument. Non, mais la question simplement, c'est est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut s'attacher, vraiment s'attacher à des paroles qui datent de plus de 2000 ans quoi. C'est... Ah oui. Oui. Ah bah, oui. Évidemment. Oui. Bah, d'accord. Oui, ok. C'est là. Allez, Patrice Carmouze, allons rejoindre pour la conclusion de l'émission, c'est mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Allez, Pat. Ça va? Tu vas bien? Sur la question de l'ordination des femmes, ça me rappelle une histoire qu'on racontait à l'Académie française, quand, vous savez, qui était aussi un peu conservatrice. Et quand je la connais, l'histoire. Marguerite Yourcenar était élue. Il y avait les toilettes hommes. Voilà, toilettes hommes d'un côté et Marguerite Yourcenar de l'autre. Voilà, comme ça. Et puis après, maintenant, il y a d'autres femmes, hein, donc ça peut évoluer. Il y a quelque chose qui m'a troublé chez Laure Charpentier quand elle disait on ne chante plus le Salve Regina, on ne fait plus la messe en latin. Il me semble que ce qu'il a. Un peu choqué dans l'église, c'était l'église du moment où on chantait au moment où on chantait le Salve Regina et on faisait la messe en latin, j'ai l'impression. C'est là où elle était peut-être humiliée ou alors où son homosexualité était. C'est vrai. J'ai cette impression-là. C'est cette église-là, oui. C'est cette église-là. Qui m'a tué, quelque part. Et pourtant, vous réclamez son retour, hein? Non, non, pas du tout. Attention, c'est pas parce qu'on met une soutane et qu'on chante la Salve Regina qu'on revient justement à tout ce que vous avez entendu là. Bon. Parce que ce que j'ai entendu là, c'est en 98. Enfin, je vous lance pas, parce que sinon... Non, non. En plus, votre fonction, c'est de conclure. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? Ouais. Alors, bah, on a parlé justement en général. Voilà, de parce que moi, je sais prêtres, pas je, ce que, de prêtres qui voulaient épouser des femmes, etc. Puis on a aussi senti le malaise d'une église qui veut aussi épouser un peu son siècle. Alors, c'est vrai que sans refaire l'histoire, bon, c'était plus facile quand le monde, la société, était fondée sur une vérité supérieure qui était Dieu. À partir du moment où l'homme, l'individu, est au centre de la société, c'est vrai que les prêtres, ils deviennent à la fois des hommes comme les autres et des hommes pas tout à fait comme les autres. Et c'est ça qui est compliqué. Alors, ceux qui sont hommes comme les autres, eh ben, ils se marient ou ils font des enfants. Ceux qui ne sont pas hommes tout à fait comme les autres, ils ont une autre réflexion. Quand vous posez la question sur Hitler, qui est une question, c'est une salope question, ça, parce que c'est impossible à répondre. Mais non, parce que c'est pourquoi je l'ai posé, je ne l'avais pas préparé cette question. Parce que j'ai entendu, je peux donner l'absolution à n'importe qui. Oui. Mais alors, si je vous voulais, placez... ça, je posais la question, et c'est-à-dire tout le monde n'a pas répondu de la même manière. Hein. Si vous vous placez du point de vue de l'homme, évidemment, non. Mais si vous vous placez du point de vue de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être oui. Donc mais ils sont toujours pris dans cette difficulté-là. Voilà, c'est pour ça que c'était pour moi intéressant de montrer la nuance, justement, des deux points de vue. Il y a eu quand même un moment de sérénité absolue, c'était avec la bonne sœur, enfin de 89 ans, quoi, qui était alors, formidable, parce qu'elle ne se pose pas de questions, elle n'a pas de doute. Un peu comme, je ne sais plus quel est son prénom, Yves, hein. Et je trouve que comme ça. Alors peut-être qu'on disait, est-ce que les prêtres ont de l'avenir? Je pense que ben, s'ils arrivent à retrouver cette sérénité-là, comme ça, peut-être avoir moins de doutes, peut-être avoir moins de problèmes, peut-être moins se poser de problèmes, je pense que dans ce cas-là, ils ont de l'avenir. Quant au reste, alors pour le mariage, peut-être qu'aussi on pourrait utiliser le Pax, pourquoi pas, hein. L'Église n'est peut-être pas contre le Pax, on sait jamais. Et puis voilà. Et puis je trouve que quand même, ils sont... par rapport, je sais pas, à Casanova qui baisait toute la journée, à Borgia, ils sont très moraux quand même, hein. Ils sont gentils. Même ceux qui épousent des femmes ou qui n'épousent pas, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient chastes, je les trouve très très moraux. Et je trouve que finalement, si on regarde ça dans une période historique un peu longue, ils sont pas mal. Ah oui, d'accord. Mais par ailleurs, j'ai rien contre Casanova, hein, ça c'est bon. Ok, merci d'avoir été avec nous. C'était un peu long, un peu tard ce soir. Merci de votre attention. La semaine prochaine, une émission consacrée aux tics, aux tocs et aux phobies. Peut-être que vous ne savez pas ce que sont les tocs. C'est assez récent comme maladie. Ça s'appelle les troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire des actes qu'on répète à longueur de journée, comme se laver les mains 40 fois par jour, comme vérifier que la lumière est éteinte, comme vérifier que le gaz est fermé. Et ce sont des handicaps extrêmement pesants dans la vie et qui, paradoxalement, ne sont pas visibles. Ce sera donc une émission, je pense, vraiment passionnante qu'on proposera mercredi prochain dans Ça se discute, en deuxième partie de soirée, le mercredi soir, comme chaque mercredi. Merci de votre attention. Dans un instant, l'un des journaux suivi du cercle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir.